Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous du format on-screen pour vous parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. C'est le nouveau film de la phase 4 du MCU, un grand univers partagé de Marvel Studios, et surtout c'est le premier film en 2021 qui se charge d'introduire un personnage encore inédit dans cet univers. Et pour parler de ce film qui a, ma foi, eu un accueil plutôt positif, en tout cas vous le constaterez en écoutant ce podcast, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Vesper. Salut Vesper. Oui, salut, merci pour l'invitation. Eh bien, de rien, ce n'est pas la sixième que je t'envoie auquel tu ne répondais pas, mais finalement... Une femme très occupée, tu sais. C'est ça, je me suis rendu compte qu'il suffisait de kidnapper ta famille pour te convaincre de venir faire un podcast avec nous. Voilà, laisse mes parents s'il te plaît. Voilà, t'inquiète pas, ils seront relâchés à la fin de ce podcast. Océane également est de retour avec nous. Coucou Océane. Salut, alors je suis moins occupée que Vesper, mais je suis quand même contente d'être là. Très bien, puisque tu as bien aimé le film, hein. Du coup tu fais partie de cette team positive que l'on a du coup dans ce podcast. À côté de nous bien sûr, Corentin, toujours là, ça va, toujours présent. Bah ouais. Voilà, parce que je suis un peu obligé, tu sais, je suis co-animateur. En fait. C'est vrai. Du coup, je suis tout le temps là. Presque tout le temps là. C'est vrai qu'on t'a... Titulaire indiscutable. Enfin, sauf quand toi, t'es là et que je suis pas là. Ça... Ce qui arrive mine de rien, c'est souvent vrai, aussi. Ça en général, c'est clairement pour des trucs que tu aurais détesté. Oui, c'est ça. C'est ça que je viens pas en fait. Ouais, du coup, merci. Et justement, vous aurez reconnu sa voix de crooner. On est avec Splinter. Salut Splinter. Bonjour. Ça, c'est plus du tout. Et du coup, vous n'avez plus reconnu sa voix de crooner. Bref, on va tout de suite commencer par faire un petit topo avec l'ami Corentin Pédia, puisque bien entendu, on parle de Shang-Chi, un personnage pour beaucoup qui était encore inconnu, même du très grand public et même de beaucoup de lecteurs de comics il y a encore 2-3 ans. Alcor a fait une vidéo dessus en fait. D'accord, c'est très bien. Bah, effectivement, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos dessus, effectivement, entre-temps, puisque bah, forcément, quand il y a un film Marvel Studios, c'est plus facile d'attirer l'attention. Mais donc, Corentin, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ce personnage? Qu'est-ce que c'est Shang-Chi? Qui est-il? Et sans lire ton texte. Là, je cherche le mandarin. Du par cœur. Ok, d'accord. Shang-Chi, bah, c'est un personnage qui apparaît donc en 73, à l'époque où il y a justement le premier boom du cinéma asiatique, enfin du cinéma d'action asiatique plus précisément, grâce au film de la Harvest, je crois, qui était ramené donc par la popularité de Bruce Lee, donc à la fin des années 60, qui commence à inspirer justement l'imaginaire américain à produire des clones, des dérivations de ces projets-là. Et c'est là qu'intervient la fameuse série Kung Fu, série légendaire avec David Carradine, qui bah, justement parcourt une Chine fantasmée en pétant des gueules, avec sa technique légendaire de Kung Fu. Et à l'époque, justement, il y a 2 versions qui vont sortir en comics. Déjà parce que Marvel ne peut pas avoir les droits de la série Kung Fu pour l'adapter. Donc, ils vont créer un héros qui sera sensiblement inspiré et par Kung Fu et par la filmo de Bruce Lee. Donc, c'est Shang-Chi. Et puis, il y a ce personnage dont on avait parlé d'ailleurs dans une version animée récemment qui s'appelle... Et là, du coup, je me lance sur une piste. Alors, j'ai déjà oublié ce que j'allais dire. C'est incroyable, tu vois. Chez DC Comics, Arnaud et moi, Richard Dragon. Oui, voilà, yes, trop fort. Avec Neil Adams, etc. Ou pareil, d'ailleurs, les personnages de Bronze Tiger, etc. qui étaient inspirés par Opération Dragon... Bref, donc on arrive là-dessus. Shang-Chi au départ, donc pour lui donner un peu de corps, on va le greffer à l'autre très grande figure de la vilainie asiatique, on va dire, dans l'imaginaire occidental, qui est Fu Manchu. Parce qu'au départ, c'est pas le fils de Mandarin, mais le fils de Fu Manchu, donc qui est un personnage de roman pulp inventé au début des années 20-30 et qui est vraiment en fait un stéréotype raciste, comme vous avez pu en voir dans... Bah, c'est un personnage qui a inspiré en fait plus tard le Mandarin, qui a inspiré Dr. No, qui a inspiré le personnage du Mandarin dans Jack Burton de Carpenter. Même il y a un volume de Spirou à New York où il y a une sorte de Fu Manchu, etc. Donc c'est vraiment un truc très connu. Puis même dans Le Lotus bleu aussi, par exemple. Le Lotus bleu, ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est un truc qui est tellement populaire, tellement connu en fait que c'est un peu écrasé. C'est vraiment la figure du personnage asiatique avec les yeux très bridés, les longs cheveux, la longue moustache, qui maîtrise les arts occultes que les Occidentaux ne comprennent pas. Il a été joué par Nicolas Cage dans le trailer pour un film qui n'est jamais sorti parce que c'était un sketch. Les femmes loup-garou DSS. C'est ça, voilà. Ouais. À l'époque où c'était Robert Rodriguez qui avait lancé un concours de faux trailers inspiré par Machete, et donc il y a effectivement cette version bizarre. Mais Fu Manchu aussi était joué par Christopher Lee, et pour l'anecdote, quasiment en même temps que l'invention du personnage de Shang-Chi, puisque donc il y a eu toute une série en fait de films où Christopher Lee, acteur blanc, jouait un personnage asiatique. Il s'appelle Lee. C'est vrai, oui, effectivement. Après, tu veux nous emmener vers 77 et... Non, vers Bruce Lee. D'accord, ok. Ah, putain, il est fort. Et donc, du coup, à l'époque, ça faisait un petit peu sens de faire ça. Pour le film, ce n'est pas le cas. On a remplacé par le Mandarin, qui est une création qui est un peu plus ancienne, qui date en fait de l'époque où il y a de la guerre de Corée et aussi de l'entre-deux, guerre du Vietnam, guerre de Corée, où justement l'Asie était les ennemis des États-Unis et où Iron Man, puissant industriel, était fait prisonnier par des Asiatiques avant que, entre guillemets, les Arabes ne deviennent, enfin le Moyen-Orient ne devienne la nouvelle cible à abattre dans l'imaginaire américain. C'est pour ça qu'on a eu des origines vachement remises au goût du jour pour le film Iron Man, où il y a les 10 anneaux qui sont mentionnés. Tout est lié. Et le Mandarin, effectivement, c'est vraiment pareil, une caricature de vilain asiatique manipulateur qui a des bagues à la Green Lantern. D'ailleurs, son origine est vraiment calquée sur celle du Green Lantern, avec Abin Sur qui est remplacé par Axon Carr. Et donc là, en fait, Marvel Studios a fait une sorte de gros mix-up en se disant tout ça est raciste, tout ça est difficile à assumer aujourd'hui. On peut pas juste faire un Bruce Lee avec un père sorcier asiatique fou. Donc on va essayer de faire un truc un peu. Après, plus... il pourrait tester, tu vois, faudrait. Oui. Enfin, je sais pas. C'est pas assez. Voir l'accueil après, quoi. Je pense. Mais ça, c'est G.I. Joe, en fait. Ah, on en reparlera. Snake Eyes. Mais du coup, voilà. Enfin, un peu la fin. Après, du coup, oui, pour le personnage de Shang-Chi, donc il a été espion au départ pour le MI6. Marvel a un peu eu du mal à le caler. C'est vrai qu'il a toujours été moins populaire que le Iron Fist, qui est pour le coup un héros blanc qui fait des arts martiaux et qui a une mythologie à lui. D'ailleurs, on pourra en parler quand on parlera du film en lui-même par rapport au côté ville secrète, etc. Mm-hmm. Il a été beaucoup dans la ligne urbaine justement de Marvel avec les héros alloués, avec Luke Cage, Misty Knight, etc. Et puis là récemment c'est devenu un des membres fondateurs des héros d'Atlas, enfin des agents d'Atlas, qui est la nouvelle équipe d'Avengers asiatique, on va dire, qui a été créée récemment aussi pour plaire justement à un public local, puisque Marvel essaie de s'implanter un petit peu en Chine petit à petit. T'as à la fois une envie de conquérir le lectorat chinois ou asiatique, et aussi simplement de séduire la partie asiatique de la population des lecteurs et des lectrices. Avec des personnages comme Aero et Swordmaster qui sont des créations récentes faites sur place. C'est ça. Et surtout, t'as White Fox, c'est ça, qui sont en fait des personnages qui ont d'abord été créés pour des jeux mobiles Marvel, en fait, qui se téléchargent aussi beaucoup en Asie. Et en fait, ils ont créé des personnages asiatiques, donc coréens, chinois et tout ça, dans ces jeux-là, avant maintenant, ensuite de les transférer dans les comics pour justifier le fait d'avoir des agents d'Atlas avec des héros que t'as jamais connus avant. Pour nourrir justement. Et maintenant, on voit qu'à chaque crossover, justement, les Atlas sont là pour défendre la partie asiatique lors des grandes invasions et tout. Donc Shang-Chi, c'est un peu le père fondateur, parce qu'il n'y a pas non plus 40 héros asiatiques au départ. Non. C'est un petit peu le Black Panther, justement, de l'Asie pour les comics de super-héros, avec Richard Dragon, etc. Mais lui qui est vraiment beaucoup plus proche de Bruce Lee. Donc c'est la fin du Corentin Pétain. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu peux justifier la gestation du projet Shang-Chi au sein de Marvel Studios, notamment parce qu'on a quand même dit beaucoup, après le succès planétaire qui a été Black Panther, qui a quand même fait plus $1 milliard au box-office, de dire, une fois qu'ils avaient annoncé le projet Shang-Chi, de dire en fait ils essayent de réitérer la recette, c'est-à-dire séduire le public sino-américain ou asiano-américain pour refaire vraiment la même chose que Black Panther. À ceci près que aussi dans la part des spectateurs qui vont voir les films Marvel Studios, on sait que la Chine compte beaucoup. La Chine a beaucoup compté pour le succès de Endgame notamment, et qu'il y a aussi ce calcul-là de dire c'est pas juste le Crazy Rich Asian de Marvel, c'est vraiment aussi un film qui est tourné vers cette partie du monde, d'ailleurs qui élude complètement tous les débats qu'on peut avoir maintenant aujourd'hui sur la Chine, comme Mulan le faisait déjà, puisque c'est pas une première pour Disney de faire ça. Donc ça, effectivement, c'est pour ça probablement qu'ils ont fait ce héros-là. D'ailleurs, on voit des ressemblances avec Black Panther. Je veux dire, le côté justement... après, j'allais dire le côté paternel, etc. Mais ça, c'est un truc qui est propre à tous les Marvel Studios. Ouais. Le côté une autre mythologie qu'on nous aurait caché depuis le début, avec une sorte de nouvelle magie qu'on rajoute dans l'équation. Un prince, entre guillemets, avec un vieux roi méchant, etc. Enfin, il y a quand même des trucs que tu peux mettre en parallèle. Même si je pense qu'il est finalement plus original à sa façon. Parce que même si c'est quand même un gros patchwork de tout ce que Marvel Studios fait depuis 15 ans, il est quand même mieux digéré, à mon sens. Tout en étant beaucoup moins politique que Black Panther. Avec des trucs qu'il a pioché dans Aquaman, qu'il a pioché dans justement le premier Iron Man, et il donne une sorte justement de réponse au premier Iron Man et surtout Iron Man 3, parce que c'est aussi ça qui justifie la gestation. Dans Iron Man 3, il y a le Mandarin de Trevor Slattery, joué par Ben Kingsley, qui n'est pas le vrai Mandarin, dans un propos qui consiste à dire que l'Amérique crée ses méchants, en fait, comme dans tous les Iron Man. Et à la fin de Iron Man 3, ils avaient fait le court-métrage All Hail the King, qui disait, en fait, où Scout McNairy, d'ailleurs, de BVS, apparaît et dit « Le vrai mandarin veut te casser la gueule parce que t'as pris son identité. » Et donc voilà, comme ça, ils ont justifié un petit peu toute l'amorce de ce truc-là pour dire « C'est normal qu'il n'existait pas avant et qu'on peut le rajouter. » Voilà. Et le truc rigolo à la fin, c'est quand même que pour l'instant, Shang-Chi n'a toujours pas de sorcier en Chine. Il n'y a pas. Oui. Voilà. Donc c'est rigolo. Pour l'instant. Tu veux qu'on en parle de ça parce que, on en reparlera après. Je pense que pour l'extra, en dehors du film, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, on va, après voilà, ce préambule, commencer avec le traditionnel. Il faut préciser que c'était une vanne au départ, mais il n'a pas regardé une seule fois son téléphone. C'est vrai, c'est vrai. Il a réussi à le faire d'Oten, mais c'est un peu son talent. C'est vraiment son talent à lui. Du coup, Océane, je me tourne vers toi. On va commencer par toi. Est-ce que tu peux me dire, déjà, quelles étaient tes attentes pour Shang-Chi, qui est quand même ce que j'ai dit un petit peu avant, la vraie nouvelle IP de Marvel Studios, parce que c'est vraiment un personnage complètement inédit, parce que même du côté des séries télé, c'était des personnages qu'on connaissait déjà, qu'on avait vu pour le moment. Donc là, on est vraiment, voilà, tu avais des attentes, et quel a été ton ressenti global sur le film? J'en attendais pas grand chose, même si j'aimais beaucoup Destin Cretton, le réalisateur, que j'aimais pas mal les talents castés pour le film, notamment Tony Leung, Michelle Yeoh, même Aquafina, que je trouve sympa et tout ça. Du coup, j'y allais en me disant bon, pourquoi pas, ça peut être sympa et tout ça, même si j'aimais pas forcément l'idée de corriger Iron Man 3, parce qu'à mon sens, ce qu'ils ont fait vis-à-vis de Trevor, pour moi, c'était une énorme retcon de dire que finalement, ah bah si, en fait, il y a le mandarin qui existe. Et je trouvais que c'était vraiment se plier face aux fans qui n'étaient pas contents, et je déteste ça. Et du coup, j'y allais en me disant bon, bah pourquoi pas. En plus de ça, on t'annonce Bill Pope à la direction photo. Donc Bill Pope, c'est quand même le mec derrière Matrix et la trilogie Spider-Man, notamment, okay, pour citer parmi ses plus gros blockbusters de ces dernières années. Donc je me disais, ah pas mal, il y a quand même quelques talents derrière, ça peut être sympa. Puis j'ai vu la première bande-annonce, et alors là, j'ai été rincée comme jamais. C'est-à-dire que j'étais tellement frustrée, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air lourdeau, c'est encore du daddy issues à fond les ballons, genre c'est bon quoi, on a eu Thanos, comment vous pouvez rebondir à nouveau sur des daddy issues, enfin innover un petit peu et tout ça. Et en plus de ça, bon, c'est un gros problème que j'ai encore, mais c'est pour moi les costumes, notamment le costume de Shang-Chi, que je trouvais absolument horrible, dans cette sorte de plastique, tout ça, qui à mon sens n'incarnait rien de noble, et qui se rapprochait plus d'un truc technologique que d'un truc traditionnel. Et ce que je trouve d'ailleurs que le film en parle plutôt mal, mais ça on y reviendra. Du coup, j'ai laissé le film d'un côté dans ma tête en mode bon, ok, prochain objectif c'est Eternals, Shang-Chi, c'est l'heure d'autoroute, tu vois, mais genre l'autoroute, la destination, ce sera Eternals pour 2021. Et puis finalement, j'ai passé un bon moment devant le film, vu ce matin avec Corentin, et non, j'ai passé un très bon moment. C'était une bonne surprise, surtout de retrouver un aspect très intimiste que je m'attendais pas forcément à retrouver. Je m'attendais vraiment à du ah mon père est méchant et moi je suis gentil. Et ça va plus loin que ça, et c'est ce que j'ai trouvé assez appréciable, toujours dans cette volonté de rendre tes méchants un petit peu plus complexes et plus charismatiques. En plus, c'est le premier rôle à Hollywood de Tony Leung, et je trouve qu'il s'en tire plutôt bien. Et je suis venue pour pas grand-chose, en fait, et je suis restée pour l'intime. Et rien que pour ça, en fait, je trouve que visuellement, parfois, ça part un peu en live. L'humour est pas totalement maîtrisé. Le scénario, c'est vraiment du Marvel pré-mâché, sans trop de surprises. Mais j'ai trouvé que le casting y croyait, que c'est visuellement il y a des super idées de mise en scène, qu'il y a une émotion assez sincère qui s'en dégage. Donc même si c'est pas parfait, en fait, j'ai bien aimé, en fait. Et c'est une bonne surprise de rentrer dans la salle en t'attendant à rien, et au final, t'en sors avec un bon moment, de belles images, les effets spéciaux un peu baveux, mais ça j'ai pris l'habitude de me dire qu'avec Marvel, qui est genre la plus grande puissance cinématographique du moment, tu ne pourras pas avoir d'effets spéciaux correct, visiblement, c'est trop leur demander. Mais si on retire ça, honnêtement, je trouve qu'effectivement, c'est dans le haut du panier des origin story du MCU. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire chapeau, parce qu'on s'en est quand même tapé pas mal depuis 15 ans. Mmh. Et au niveau de la baston, t'étais contente ? Ouais, et d'ailleurs, c'était bien qu'ils remercient au générique Brad Allen, qui est mort il y a quelques semaines d'ailleurs. Ok, très bien. Vesper, je me tourne vers toi aussi pour te poser exactement la même question. Mais comme d'habitude, Océane formule beaucoup mieux que moi la même pensée. T'as le droit de paraphraser, les gens n'y verront que du feu. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Effectivement, je me suis tapé 1000 fois le trailer cet été, au fur et à mesure de mes petites sorties ciné. Je ne pouvais m'empêcher à chaque fois de dire « Oh là là, mais ça a l'air OSEF 3000 ». Évidemment, comme à chaque fois, j'étais là le premier jour parce que la curiosité. Yankee un jour, Yankee toujours. Comme on dit chez nous. Non, mais après tu me dis, il y a Michelle Yeoh, il y a Tony Leung. Deux semaines avant, j'étais allée voir In the Mood for Love version restaurée au MK2. Donc voilà, j'étais déjà sold. Je savais que j'allais y aller quand même, que la curiosité allait me pousser. Et puis Aquafina depuis Jumanji 2 et Raya. Enfin, je suis, voilà, j'aime beaucoup cette meuf. Elle me fait bien rire. On va voir ce que ça va donner par la suite. Enfin, en espérant qu'on lui donne d'autres rôles que la meuf qui fait des blagues, mais en tout cas, elle le fait bien. Ouais. Donc effectivement, j'ai passé un bon moment. Vraiment, quand le générique est apparu, on s'est un peu regardé avec mes potes. On s'est dit ah non, mais en fait, ouais, en fait, c'était bien. Et enfin, j'ai kiffé. Bravo. En fait, j'ai passé une bonne séance et c'était bien sympa. Ce qui n'était pas le cas quand on est allé voir Black Widow, par exemple. Et ouais. Pourtant, on sortait d'un an de diète de ciné, donc j'aurais pris un peu n'importe quoi pour me remonter le moral et. Ça n'avait pas suffi. James Bond arrive. C'est bon. Ah là là, j'en peux plus. Moi, mes deux marottes de 2020, c'était vraiment Fast 9 et James Bond. Donc là, une fois que James Bond sera sorti, je serai enfin une femme comblée. Bref, pour revenir à Daniel Craig, voilà, il a mon numéro. J'espère, je lui donnerai un jour. Et donc oui, donc pour revenir à Shang-Chi, vraiment, enfin. Enfin, c'était super, hein, comme tu dis. CGI est dégueu, mais bon, à la fin, c'est toujours comme c'est tout le temps dégueu. Voilà, on est habitué, mais tu mets de la bagarre, tu mets des petites blagues sur du karaoké, tu mets Michelle Yeoh qui tape des gens. Enfin, moi, je suis heureuse en fait. Tu mets des dragons. Enfin, moi tout ça, c'est bon. Je suis cliente. En vrai, j'aurais même préféré que ce film ne soit même pas du tout lié au MCU. Parce que j'ai l'impression que les petits ajouts de ce côté-là au niveau des persos ou autres, en fait, ça j'ai l'impression que ça peut arriver. Ouais, ça fait forceur de fou. Sans être justifié. Donc moi, je voulais bien voir ma petite franchise à part où ils font leur vie, parce qu'ils ont en même de base des petits refs en disant bah oui, voilà, on a peur du blip et tout, mais bon, c'est bon, ça y est, c'est juste, voilà, juste mentionné comme ça. Enfin, on s'en fout. Faites juste votre truc et c'est vraiment super, quoi. Okay. Donc si j'avais pu, voilà, le voir à part, je pense que ça aurait été encore mieux. Et effectivement, moi aussi, le mandarin, j'avais vu quelques avis quand même de personnes qui l'avaient vu en avant-première avant la sortie du film, et je cringeais déjà par avance du oui, voilà, ça y est, c'est la lettre d'excuse de Marvel après ce qu'ils ont osé faire dans Iron Man 3. N'oubliez pas, oh là là, quel affront, c'est bon, ils ont compris, ils ont entendu les fans, et ça... Ça me saoulait d'avance. Donc là, du coup, de revoir Ben Kingsley et tout, je me suis dit bon, ok, c'est remis, et ça fait, du coup, il se transforme vraiment juste en comic relief, mais c'est plus en fait même pas l'utilisation dans le film que ce que les gens en ont dit et pensé qui m'avait un peu pré-soulé, quoi. Ok, très bien. De toute façon, on reviendra plus en détail là-dessus, évidemment. Et du coup, je vais également me tourner vers Splinter. On l'a vu ensemble en projection presse, et ouais. En ressortant de la salle, tu m'as quand même dit que c'était un peu le Enter the Dragon de Marvel Studios, quoi. Non, c'est vrai, tu m'avais pas dit ça. Bah non, vas-y, ton avis, du coup. Bah, c'est, écoute, pour paraphraser un certain Fabrice, je pense si t'as kiffé les 20 derniers films de Marvel Studios, bah, tu kiffes celui-là. Sinon, tu t'en fous, quoi. Enfin, il y a rien qui dépasse, quoi. C'est pas en dessous des autres, c'est pas au-dessus non plus. Et après, il y a, j'avais pas spécialement peur du côté lettre d'excuse pour le mandarin. Bah, déjà, parce que pour moi, c'était déjà, même le court-métrage faisait déjà très mi on s'excuse, mi on se fout un peu quand même de la gueule des fans, parce que l'agent du mandarin, son discours, c'est littéralement le discours d'un puriste idiot. Il fait ouais, t'as quand même joué avec le nom d'un mec important, c'est pas bien et tout. Et donc t'as quand même cette espèce de double truc. Et quand voilà, on peut rentrer juste dans ce détail là vu qu'on en a parlé, quand le père de Shang-Chi évoque ce truc là il y a quand même un gros foutage de gueule. C'est-à-dire quand il dit vous avez quand même été terrorisé par un mec qui a un nom de plat au poulet. J'aurais dit, moi, si je devais me blaser, ce serait tac, 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 mais jamais le mandarin, c'est nul. Et ça se voit, en gros, il surjoue le truc. Ça se voit que vous êtes des Occidentaux qui fantasmaient un méchant venu d'Orient, quel que soit l'Orient en question. Donc voilà, je trouve que ça, ils arrivent à maintenir un petit peu leur truc. Maintenant, tu sens qu'ils savent effectivement que le perso est inconnu total pour le public. Et qu'en même temps, ils ont ces espèces de limites internes. C'est-à-dire que le mec ne peut pas avoir juste 10 bagues parce que ça rappellerait trop Thanos, en fait. Donc, ils se sont dit, bon, on va lui faire les trucs de Sonic. Et donc, mais en fait, pourquoi pas, ça marche. Mais du coup, son pouvoir est très confus, hein, je trouve, quand même, dans le truc. Après, ça fonctionne. Je sais que j'avais lu des critiques qui trouvait que Tony Leung était désavantagé par le fait qu'il ait beaucoup de scènes en anglais. Je t'avoue que ça m'a pas du tout gêné. J'ai pas trouvé... Évidemment que oui, il joue mieux dans sa langue natale, mais pas plus et pas moins qu'un autre. Je l'ai pas trouvé faux ou quoi que ce soit. Après, j'ai... En fait, il y a un truc qui est un peu salaud, mais il faut préciser que c'est pas... Pour le coup, c'est pas une tare uniquement de Marvel Studios. C'est une tare d'Hollywood quand ils font de la baston stylisée art martial. C'est qu'en fait, ils savent pas filmer ça. C'est-à-dire que sans ramener, tu vois, je pense, encore une fois, faut pas être cruel, faut pas comparer le truc à du Choi Arc ou quoi que ce soit. Non. Mais même pour prendre un Européen qui s'était exporté temporairement en Indonésie, il me semble, donc c'était Gareth Evans, le mec qui a fait The Raid 1 et 2. Oui, Merentol aussi. Et Merentol qui était... j'allais dire le préquel, mais non, mais en gros, c'est sa découverte avant, de Iko Uwais. Et en gros, le mec n'est pas du tout de cette culture-là. Et on l'a vu en interview, en fait, pour première. Et, le truc qui te sautait aux yeux dans les deux The Raid, c'est comment ça se fait que t'arrives à filmer les combats comme ça. Et on n'avait plus vu ça depuis assez longtemps, notamment de la part d'un Européen. Et en fait, sa réponse, c'était à la fois très bien et très décevante, c'est qu'il disait, mais en fait, moi, je me mets aussi, je fais confiance à mes chorégraphes et à mes acteurs qui sont tous des combattants, etc. Et je m'adapte, en fait, ma caméra les suit, c'est-à-dire que je fais pas l'inverse. Et Hollywood fait l'inverse systématiquement. Et là, ils sont handicapés par ça, qui n'est pas la faute de Marvel Studios, parce que, encore une fois, c'est plein de films d'action hollywoodiens qui sont comme ça. Il y avait 22 Miles avec Mark Wahlberg, où il y a Ike Uwais, et en fait, les chorégraphies sont excellentes, mais le mec est filmé, c'est trop cut, et c'est trop rapproché, et donc, en fait, tu peux pas profiter de ce truc-là. Et donc, Shang-Chi, il a ce problème-là. Par exemple, je pense au truc, la baston dans le bus, quand tu vois le set design que c'est, les possibilités qu'il y a, c'est-à-dire que c'est quand même un bus qui est donc à fond les ballons, sans conducteur, avec minimum 4 personnes qui se battent dedans, en sachant qu'il est pas vide, il y a les passagers, tu vois, qui valent dingue un petit peu. La façon de le filmer, ouais, là, tu sens que ça pourrait être vraiment, mais mille fois mieux. C'est juste que eux, leur priorité, elle est ailleurs. Et donc, là, ils ont le double handicap, c'est qu'il leur faut les poses iconiques. Donc, eux, en plus, ils ont rajouté du ralenti, le zoom qui va bien, etc. Donc, effectivement, alors j'ai plus les noms, mais au générique il y a des très bons chorégraphes, tu vois, qui ont bossé sur le film. Ils ont, comme tu disais, pareil pour la photo, c'est-à-dire ils sont vraiment bien entourés, mais le moule fait que tu peux pas en fait en profiter pleinement. Et moi c'est un peu le seul truc. Et après, pour le personnage en lui-même, je trouve quand même ils l'ont bien bossé. Moi j'avais un peu peur de l'acteur, en fait. Pareil, parce que j'avais tu vois, dans l'abandon, je le trouve un peu soit insipide, soit un peu lourdingue. D'ailleurs, les bandes annonces te le faisaient pas beaucoup parler, donc ça te fait encore plus flipper, pour, tu vois. Et au final, je trouve que les scènes intimes sont peut-être les meilleures du film, les trucs en famille et tout. Et en gros, le fait qu'il y ait Aquafina, elle, en fait, elle est pas dérangeante, mais le truc, c'est que le film, c'est vraiment allez, le sidekick rigolo, c'est à toi, et c'est ça tout le temps. Limite, heureusement, maintenant on peut le dire, vu que ça a été dit, heureusement que Trevor arrive à un moment, parce que sinon c'est elle qui se tape tous les trucs, tout le temps. Et en fait, même si elle est très forte, c'est très chiant de demander, de mettre ça sur un seul personnage, etc. Surtout qu'il y a beaucoup de vannes qui sont juste du déchet, quoi, que tu peux juste virer. Bah ouais, voilà, c'est un peu ça le truc. C'est-à-dire, ça peut marcher quand t'as un cast beaucoup plus nombreux, en fait. Là, pendant une partie du film, c'est un buddy movie, et là, tu le sens un peu passer, quoi. T'as vraiment ce truc-là. Après, j'étais agréablement surpris, parce que j'avais très très peur que soit vraiment littéralement le Black Panther asiatique, ouais. Et en sachant que moi en fait Black Panther j'ai pas aimé, ouais. Parce que justement le moule Marvel Studios fait que même quand t'appelles un réal en lui disant ouais tu peux mettre des thématiques sérieuses dedans et ta passion personnelle dedans et tout, le fait est qu'à un moment le super méchant ça doit être un super méchant, donc le seul noir qui te parle d'émancipation armée dans le film, c'est un mec qui finit par déboîter le cou d'une meuf, étrangler une vieille et crever comme une merde à la fin. Donc c'est pas forcément, le message est légèrement boiteux. Et là en fait le truc intelligent, c'est que c'est un immigré concrètement, c'est un asiatique mais de New York. Et tout le truc, c'est de renouer avec ses racines. Et ils en font pas des caisses sur sois fier de trucs, machin, montre à tout le monde que non, c'est bon. Genre, il y a une allusion au fait qu'à un moment dans sa vie, il a été victime de racisme. Et que du coup, t'as le gag d'Aquafina qui est filé dans le film parce qu'il y a tout un truc avec le karaoké. Et je trouve ça beaucoup plus malin parce que ça les met pas dans un contresens, en fait. C'est-à-dire que là, ça va. Après, effectivement, c'est très grossier. C'est-à-dire que le personnage, quand tu veux voir comment un réal et un scénariste caractérise un héros, tu regardes où il vit. Et là, le mec, en fait, il est défini par 3 posters qui sont Stankonia d'Outcast, parce qu'il est cool, et Kung Fu Hustle, et The Warriors. The Warriors, ouais. Tout à fait. Et c'est... En fait, quand... Les deux, Stankonia et The Warriors, pour le côté un peu à l'ancienne et un peu cool, ouais. Kung Fu Hustle, je trouve que ça dessert. Quand t'as vu le film, tu dis, si c'était une note d'intention de la réal, tu dis, ouais, mais là, enfin, il faudrait que vous soyez beaucoup plus fou et beaucoup plus décomplexé que ça. Je pense ça, parce qu'à mon avis, il est juste fan, tu vois. Il a dû se faire un petit plaisir. Ouais. Enfin, au niveau mise en scène, ça a tellement, même au niveau esprit. Oui, ça a des années-lumière, hein, clairement. Et Kung Fu Hustle, c'est une parodie méta. Bien sûr. Mais la mise en scène est quand même méga virtuose et ça s'amuse et tout. Là, je trouve que ça s'amuse très peu. Enfin, pareil, si tu prends le set design, ça on peut le dire parce que c'est dans tous les trailers. L'échafaudage devant un immeuble, le set design est excellent, le décor est excellent pour des combats comme ça. Tu pouvais limite refaire du Choi Arc ou n'importe quel truc de Jackie Chan, tu vois, avec les planches qui volent et tout. Ouais. Mais clairement, ils ne veulent pas ou ne savent pas le faire et c'est pas leur truc. Moi, c'est juste ça. Okay. Mes impressions. De longues impressions quand même, hein, mine de rien et tout. Je me suis trouvé pas mal fortiche sur ce coup-là. Ouais. Corentin, du coup, faut que tu me poses la question parce que c'est un peu la tradition. Mais dis donc, Arnaud. Voilà, merci. Enfin, je pense que je vraiment. Ah oui, mais c'est vrai, t'as pas parlé. Oui, mais pardon. On en oublie. Non, mais c'est quoi mes impressions sur Shang-Chi? Voilà, je pose la question, tu vois. Corentin, j'aimerais bien connaître tes impressions sur Shang-Chi. Surtout à chaud, du coup, parce que comme l'a dit Ossan juste avant, vous deux, vous ressortez de la séance. Moi, je pense que c'est une sorte de melting pot de ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire effectivement, moi non plus, j'avais zéro attente. On en a déjà parlé à plein de reprises. Pour moi, c'était vraiment le passage forcé parce qu'il faut il faut faire justement... Enfin, Kevin Feige s'est engagé à faire de la diversité. Donc il faut le héros le plus connu, entre guillemets, dans les héros asiatiques, c'est Shang-Chi. Les latino-américains attendent depuis très longtemps quand même. Oui, alors du coup, je crois que c'est pas... Ils ont Louis, ça, qui est un cambrioleur, pote. C'est vrai. Ils ont Ghost Rider, hein, le dernier Ghost Rider. Je suis en train de me dire, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas... Personne ne veut y penser. Si, t'as Echo, t'as la série Echo sur Disney+, qui arrive. Bah non, c'est une latino, mais c'est... Il y a Dani Ramirez dans Falcon and Winter Soldier. Ouais, mais une série avec un personnage au centre, tu vois. Bah tu vois, tu fous la merde avec tes questions. Il n'y a pas une nana dans Doctor Strange 2 ? Si, il y a America Chavez. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. La série a été annoncée d'ailleurs. Je me rappelle plus, mais en tout cas, elle est dans... Oui, elle le sera dans ton cas, quoi. Donc grosso modo, voilà, c'est pour ça un petit peu que moi j'étais en mode... Sinon il y a Reptile aussi, je sais pas si tu connais ça, hein. Super héros. Et justement aussi. Parce que... T'as vu, je te réponds pas. Justement parce que... J'ai pas la ref. Il y a ces liens de proximité entre l'Occident et le marché chinois. Je me disais que ça allait être justement un produit très consensuel, qui allait bien brosser le public chinois dans le sens du poil. Ce qui, moi, a tendance à m'énerver. Enfin, on sait, par exemple, maintenant que le grand ancien de Doctor Strange, qui au départ, justement, est un personnage tibétain, qui n'est pas tibétain dans le film Doctor Strange, parce qu'il fallait pas, surtout, donner la parole à un tibétain pour un film qui allait sortir en Chine, parce que la Chine a conquis le Tibet, pour les sources d'eau, voilà. Tu politises tout, Corentin. Mais le de fait, c'est politisé. Est-ce que ce film te... Bravo, les gauchiasses. Tu sais. Ah, les journalopes. Non, mais tout ça pour dire que voilà, du coup, j'étais quand même assez méfiant, vraiment même très méfiant. Je m'attendais vraiment au pire truc. Depuis le début de la semaine, il y a des bons retours dessus. Même justement récemment, on buvait un coup avec Océane, elle me disait « Ah, ça a pas l'air si mal et tout ». Et je lui disais « Ouais, on va voir quand même parce que, tu sais, les retours, etc., c'est souvent assez mixte ». Après, voilà, dans les combats, on va dire que pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est même parfois un peu pas très lisible. Alors soit c'était le projecteur qui était déréglé, mais tu vois la scène avec les échafaudages, je trouve ça trop sombre, on comprend pas trop ce qui se passe. T'as des cheminements entre les étages qui me paraissent un peu superflus. Je crois qu'Aquafina se téléporte clairement à un moment. Ouais. Mais Aquafina, tu vois, c'est pareil. Moi, j'aime bien Aquafina. Ouais. Mais par contre, tu vois, je trouve que c'est une vanne sur deux qui marche. Et oui, encore, parce qu'il la bourrine totalement. C'est qu'elle a un talent en comique naturel. Tu vois, en plus, elle a sa voix, ses postures et tout. Genre, quand elle dit un jour, t'auras ton permis et tu pourras faire comme moi, garer des bagnoles et le rêve de la vie, tu vois, c'est ça, c'est hyper marrant. Ouais. Et 2 secondes après, ils te refont une vanne et t'es en mode genre, ouais, celle-là est moins marrante, tu vois, tu pouvais t'en passer et tout. Donc, ça, c'est les gimmicks Marvel Studios. Comme je disais aussi pour la bataille finale, tu vois, t'as toujours cette espèce de côté pyrotechnique. Ils se sentent obligés quand ils font n'importe quel univers, que ce soit un univers de guerriers africains, un univers de dieux asgardiens, un univers de combattants chinois, de toujours mettre des petites étincelles, des armes avec des bouts qui brillent, en mode tout est Star Wars, tu vois, chez Marvel Studios, et à la fin, t'as envie de dire, mais t'as pas besoin de ça, enfin, le secret des poignards volants. Moi, j'aime bien les bouts qui brillent. Hein, mais... Oui, on en a parlé. Voilà, je le dis. Ça te regarde. Est-ce que tu veux tout dire dans ce podcast? Non, bah écoute, on en est là maintenant, on est intime maintenant, donc je peux l'avouer, ouais. Donc ça, tu vois, par exemple, ça me fait un peu chier. Après, je trouve quand même qu'on est un peu dur avec les FX. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait un dragon, il est dans la bande-annonce. Ça, pour le coup, je trouve ça plutôt réussi. Graphiquement, c'est un vrai parti pris d'avoir justement cette incarnation-là du dragon à l'oriental. Tu vois, rigoler, Arnaud. Rigole, vas-y. Non, je t'as une vanne raciste à faire, c'est ça? Absolument pas. Sûr. Non, c'est parce qu'en fait, on s'en est déjà parlé avec Splinter, donc c'est pour ça. Vous trouviez ça naze? En fait, le truc, c'est que ça fait très mythologie asiatique vue par Hollywood. C'est ça, que ça fait calendrier chinois de restaurant, tu vois. Et du coup, le léger souci, c'est que il y a eu Raya and the Last Dragon avant. Effectivement, t'as ce truc de si le dragon est gentil, il est blanc, il a des plumes multicolores. C'était là. Comme dans Chihiro. C'est vrai. J'ai quand même préféré Shang-Chi à Raya, qui était pour moi une grosse déception. Mais moi, c'est plus la mise en scène qui m'intéresse. Parce que le dragon, effectivement, il a un design générique. Mais tu sais, t'as vraiment des plans à la God of War 3 où les mecs, ils sont sur des putains de. Le jeu d'échelle, pour le coup, est quand même assez travaillé. Et puis, je sais pas, c'est comme dans la fin d'Aquaman, justement, d'avoir ce combat avec une vraie grosse bête géante. Tu profites de l'expérience cinéma. Enfin, tu kiffes un petit peu ce truc-là. Ou pour le coup, ça aurait pu être mieux filmé quand même. Moi, je trouve ça mieux filmé que les rhinocéros avec la corne en vibranium de Black Panther. Tout est mieux filmé que cette merde. Le combat final de Black Panther, il est quand même assez dégueulasse. Mais non, mais c'est surtout que t'as ce truc. Pourquoi un pays si évolué utiliserait des putains de rhinocéros? C'est vraiment ce truc. Ouais, son truc. Ouais, mais ils vivent quand même dans des huttes parce que c'est quand même typique et tout. Ils ont des lances, mais c'est des huttes au vibranium. Ils ont des lances laser, des trucs. Mais oui, c'est ça quoi. Ça, tu vois, effectivement, ça m'énerve. Mais en fait, n'attendant rien et comprenant aussi la poussière dans les rouages de Marvel Studios avec le temps, bah mine de rien, je trouvais ça assez sincère. Tu vois, c'est que là, pour le coup, t'as une relation père-fils, enfin père-fils, qui est vraiment écrite, tu vois. On a comparé ça avec Océane en sortant à la relation entre Ego et Star-Lord. Ouais. Tu vois, où tu vois donc les gardiens, t'as la relation entre Ego et Star-Lord, ils se jettent la baballe et tout, c'est rigolo. Et puis à un moment donné, il faut casser quand même le personnage de Ego parce que ça peut pas juste être un père. C'est quand même un super méchant au départ. Ouais. Et du coup, il dit c'est pour ça que j'ai tué ta mère, etc. Et là, t'as une grande descente d'organes en mode genre ben non. Quickly quand même. Hein, et tes milliers de demi-frères. Oui, c'est ça. C'est là pour le coup, moi, ça m'énerve parce que systématiquement, dès qu'ils font un rôle de père-fils, comme avec Ironmonger dans le premier, d'ailleurs qui est le clone de Kurt Russell, qui est Jeff Bridges. T'avais déjà pareil, en mode en fait, c'était un bâtard depuis le début, toute l'affection qu'il a pour Tony n'a pas d'importance par rapport à son rôle de super méchant qui est de vendre des armes, etc. Et là, pour le coup, il casse pas ça. C'est-à-dire que du début à la fin, le mandarin, c'est un père, c'est un mari veuf, et à aucun moment, si tu veux, il se retourne en mode genre, je m'en bats les couilles, je vais être à la terre, etc. C'est vraiment, il reste dans son truc, Tony Leung le joue quand même, je trouve, assez bien. Son leitmotiv reste toujours le même voilà, jusqu'au bout. Il est aidé par le fait qu'il est joué par l'un des plus grands acteurs asiatiques de sa génération. Je pense que Effectivement, en anglais, il est un peu moins fort, mais ça m'a pas du tout dérangé. Ouais, faut pareil. On pourra parler de l'anglophonie dans le film, parce que par exemple, il y a des trucs qui m'agacent encore un peu à ce côté-là, mais c'est quand même un vrai effort par rapport à Black Widow, où tous les Russes parlent anglais, même quand ils sont entre Russes. Ouais. C'est énervant. Ah, ça m'avait. Mais surtout qu'il y a zéro, enfin, à part Olga Kurylenko, il y a zéro acteur russe de l'Est dans Black Widow, quoi. Mais je pense qu'il y a un côté, justement, là, dans la séduction du marché. C'est que si tu veux vendre le film en Chine, tu fais parler les Chinois un peu en chinois quand même, alors que vendre le film en Russie, je pense qu'ils s'en battaient les couilles. Bah, c'est surtout, je pense qu'ils avaient aucun espoir de conquérir le marché russe. Est-ce qu'il y a un marché russe déjà, tu vois, bah, ils ont quand même fait leur équivalent d'Avengers, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai vu un trailer très étrange avec un ours à un moment, clairement. C'est Ursa Major, voilà. Oui, c'est ça. Mais donc, tout ça pour dire que... J'en étais où ? Ouais, donc le vilain me parle. Et effectivement, je trouve que Simu Liu, moi je m'attendais vraiment à un truc abject. Et au final, ouais, les scènes d'intimité, je trouve qu'il a un... Je sais pas, il a un petit jeu un peu complice, tu vois, quand il fait ses petites postures de comme ça et tout. Ou même quand il parle justement avec Tony Leung, bah, je trouve que c'est... Ouais, ça déconne pas. Et au final, donc du coup, les combats, effectivement, en Wirefoo, pour moi, sont un peu mal branlés, mais parce que justement, tu rajoutes du pyrotechnique, tu rajoutes des effets de lumière, en tout cas, pas besoin, en fait. Tu vois, les anneaux pourraient juste être en métal, sans tout le côté lumineux qui fait Sonic, pour le coup, vraiment. Les plans ralentis où il bouge comme ça, tu te dis, c'est Sonic, c'est bon, stop, on a compris. Surtout que le délire de les... En fait, de les envoyer, mais qu'après ils doivent revenir. Ouais. Et en fait, dès la scène d'intro, c'est pas un faux raccord, c'est qu'il n'y a pas la fin d'un truc. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un accident de voiture, lui survit grâce à ses anneaux. Et il y a vraiment un plan où tu vois un des anneaux tomber dans le vide derrière la voiture. Ouais, j'ai pas fait gaffe. En fait, juste il le récupère jamais. C'est juste, c'est comme ça. Ouais, bah oui, et après, évidemment, il a toujours ses 10 anneaux. Bah, c'est comme le marteau de Thor qui revient en hors champ dans Avengers, le bouclier de cap. Voilà, c'est ça. Bah, ouais. C'est un truc qui est très Marvel, ça, justement, le côté objet, passe-passe et tout. Ouais, la cape, pareil. Mais je pense qu'en fait, ils sont... pour le coup pas facilité par le fait qu'il y en a littéralement 10 ouais. En fait après c'est-à-dire que tu dois t'emmerder à... des idées en cours de film aussi pour les utiliser, parce qu'au départ c'est quand même juste il fait tout avec des pains, et après il envoie des boules d'énergie avec, et puis à la fin après il saute avec, il vole avec. Non mais il peut tout faire avec les anneaux, voilà. Mais après c'est comme un peu les pouvoirs de Vanda, c'est genre au fur et à mesure en fonction de l'action que tu veux faire ça s'adapte. Au début c'est juste hypnose télékinésie, à la fin c'est je crée des mondes parallèles. C'est vraiment le ta gueule c'est magique, mais j'accepte, il y a pas de gens. Et donc là pour le coup je te dis finalement je suis sorti, j'étais quand même assez content, quoi. J'étais en mode c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir vu un film, c'était un bon divertissement, c'est ça vraiment. Non mais la formule elle est cornée, tu vois, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on aime bien ces conneries là et les trucs qui vraiment me font chier. Je sais que pour le coup en cours de film à un moment donné, quand le personnage de Trevor revient, je me suis dit ah putain ça y est, c'est le moment où ça va devenir de la merde, où ça va devenir festival de gags à la con et tout. Bon, c'est un peu ça, et après ils arrivent à tordre le cou à ça avec un nouveau flashback qui pour le coup enrichit pas mal les choses, etc. En définitive, ouais, je pense que c'est un bon Marvel Studio. Pour moi, il est quand même meilleur que plusieurs productions récentes. Je trouve qu'il est meilleur que Far From Home, par exemple. Je trouve qu'il est meilleur que Black Widow. Parce que simplement, tu sens qu'il y a un mec qui a essayé de raconter un truc. Tu vois, les personnages ont une cohérence, c'est pas juste un projet qui est là pour faire un side piece, de vendre des figurines ou de combler un trou dans la mythologie, même si c'est un peu ça aussi. Je pense que ce qui joue, c'est qu'en fait, mine de rien, ça fait pas mal d'années qu'ils ont pas fait d'origin story à ce point-là. Ouais. Parce qu'ils avaient pas de nouveaux persos. Même quand ils font Black Panther, le mec est déjà apparu, même quand ils font Spider-Man, il est déjà apparu, etc. Et là, t'as un peu, avec des énormes guillemets, l'innocence. Mais c'est marrant parce que en fait, techniquement, en 2021, on aura eu, rien qu'au cinéma, au moins 2 origin story, parce qu'on a aussi Eternals qui va expliquer. Et en fait, c'est intéressant parce que Marvel s'était habitué à nous montrer des héros, à les introduire comme ça, mais là, c'est vrai que 2021, bon, c'est pas trop de leur faute non plus, parce que bon, à la base, ça devait être pour l'an dernier, mais une année avec 2 origin stories comme ça, je suis assez curieuse de savoir comment tu peux réinjecter de nouveaux héros aux yeux du public, parce que là, même dans leur série, c'est que des gens qu'on connaît déjà. Là, le plus gros avec Hawkeye, avec Miss Marvel, ça arrive bientôt, mais même pour le moment, à la télé, ils le jouent encore safe. Et là, c'est vraiment au cinéma qui continue encore les origin stories. Et je suis assez curieuse de savoir comment le public va être réceptif à ces nouveaux héros post-Avengers. Voilà. A priori, Shang-Chi marche pas de ouf pour le moment, mais il y a une crise du cinéma global là, en ce moment. Alors, a priori, le film est toujours vient à peine de sortir aux États-Unis, donc on se prononcera sur est-ce que ça marche ou pas. À 90 millions par rapport aux 110 de Black Widow, c'est pas trop mal pour vu le contexte. C'est 3 mois de loyer, quoi, ça. Ouais, c'est ça. Sachant que lui, il sort pas sur Disney+. Ouais, bah on verra aussi ça, quel impact ça peut avoir, surtout sur la 2e et la 3e semaine. Par rapport à ce que disait Yerim, justement, au niveau des origin story, franchement, je me suis plus amusé devant ce film que devant Ant-Man ou Doctor Strange, tu vois. Alors Doctor Strange, moi je suis sorti, j'étais vraiment énervé, j'étais en mode c'est de la merde. Ouais, Ant-Man, je on se rappelle très bien, il était vraiment dans les à Strasbourg-Saint-Denis, il faisait ah j'ai pas content. Ah non mais je te jure, genre je me suis mis devant l'affiche, j'ai levé le poing en mode genre panique et tout. Liberté, liberté. Et là pour le coup, au niveau origin story, je trouve ça marche. Après effectivement il y a le côté nouveauté, c'est pas connecté, et puis c'est un univers qu'on voit plus rarement. En fait c'est vrai que quand tu te rappelles justement toutes les autres origines, parce que du coup moi mon point de vue c'était vraiment quand je suis sorti du ciné, en vrai je savais pas quoi en penser. Je savais vraiment pas quoi en dire, surtout parce que je me suis dit au bout de 13 ans 24 films qu'est-ce qu'en fait tu peux encore écrire sur un film d'origine de Marvel Studios qui aurait pas déjà été écrit, si ce n'est l'enrobage, c'est un personnage asiatique avec aussi tout le background culturel que ça apporte. Et après en y repensant, et tu dis bon, c'est vrai qu'on avait eu le premier Thor par exemple, tu vois, on a eu tous ces premiers films qui sont apparus, Captain Marvel, ouais, quelque part Captain Marvel aussi un petit peu quoi. Bah en fait, c'est vrai qu'il est quand même mieux foutu que plusieurs des origin stories qu'on a eu au cours des dernières années. Il raconte un, enfin ça ouais, après dire, mais maintenant on arrive à un point où on demande plus à Marvel de raconter des trucs en fait. C'est que Captain Marvel raconte une histoire d'émancipation éventuellement. Doctor Strange raconte Iron Man, grosso modo. Avec. C'est vrai que t'as vraiment un truc contre Doctor Strange. Et Ant-Man raconte aussi Iron Man, mais avec des gags. En définitive, lui... Iron Man dédoublé, du coup. Mais c'est ça. Le cerveau plus, est là et armure, le comique machin, est là. Quoi. C'est génial, c'est génial. Ils l'ont coupé en deux. Mais pour le coup, tu vois, il y a un... Moi, je te dis, l'histoire Tony Leung avec son gamin, ça me va, tu vois. Je me dis, ouais, ok. Ça marche. Après, peut-être qu'aussi, je suis bolossé parce que j'ai été élevé par Tigre et Dragon, par Jet Li, Bruce Lee, etc. Ouais. Et donc, quand je vois cet univers-là que je reconnais et qui m'est plus familier que justement plein de trucs, tu vois, le Captain Marvel cosmique, moi, je suis pas un enfant de Star Trek ou de l'espace comme ça, Earth Science. Donc, peut-être que ça me parle plus pour ça. Mais à mon avis, je pense pas dire une connerie en disant que c'est quand même mieux foutu, que, enfin, c'est plus inspiré ou à l'échelle des blockbusters hollywoodiens, hein, qu'on se comprenne. Que beaucoup de ces productions-là. Après, tu peux avouer que t'aimes bien les daddy issues, y a pas de souci. Hein. Mais en plus, en général, pas de ouf, non. C'est là, pas un motif qui me parle. T'aimes pas les Wes Anderson, par exemple. Ah si, pour le coup. Eh ben, voilà. Ah, c'est bon, ça y est. Une photo avec Wes Anderson, donc bon. Ouah. Et photo privée, les gars. On la postera un jour. Arnaud, c'est quoi ta pensée du film, toi? Ah bah voilà, c'est sympa que tu me demandes quand même. Ouais, bah du coup, je vais aller boire une bière pendant ce qu'on me parle. C'est ça. Je veux bien aussi, s'il te plaît. Mais par contre, non, parce qu'au début, t'as dit... J'adore être respecté dans ce podcast. Non, mais parce que c'est une vraie question, parce qu'au début, t'as dit, pour l'instant, ça sort pas en Chine. Est-ce que c'est toujours en discussion? Bah, le truc, c'est que pour moi, le film ne va pas sortir en Chine, parce que, enfin, je vois pas, le film là sort aux États-Unis au moment même où on enregistre ce podcast, là, il y a eu les avant-premières hier soir. Ils ont clairement attendu. Donc, et pour moi, ben, j'avais vu un papier, c'était genre mi-août. En fait, il y avait eu un papier où Kevin Feige avait une discussion avec justement les représentants du comité d'approbation des films ou comité de censure, je sais pas. J'aimerais tellement mettre une caméra dans ce genre de réunion. T'appelles ça comme tu veux, mais en gros, il avait une discussion avec justement les représentants du cinéma en Chine, justement pour expliquer que non, vous inquiétez pas, Shang-Chi c'est pas stéréotypé, gna gna gna, c'est on va vous mettre bien et tout ça. Donc peut-être que ça va finir par sortir, mais le truc c'est qu'ils ont quand même en fait tout simplement un nombre de créneaux limité pour des productions occidentales et américaines. Et bah a priori celui-là et Eternals, je crois que c'est loupé hein, vraiment. Donc peut-être que les prochaines semaines me donneront tort du coup sans jeu de mots, mais je suis vraiment pas certain qui sort toi. Merci d'avoir un petit peu régalé. J'ai soufflé du nez très fort hors micro, voilà. Voilà, c'est comme quoi il y a quand même des gens qui apprécient encore ce genre de trait. Ouais, je suis bon public de trait d'humour. Hein. En gros, mais du coup, c'est une intox le fait que ce fameux comité aurait dit en fait, c'est pas possible parce que certes, votre héros est chinois, mais du coup, le méchant aussi. Mais par contre, ils ont un problème le fait avec effectivement que le fait qu'il y a un personnage du coup qui soit méchant et qui soit effectivement chinois. Ah oui, donc c'est ce qui est stupide, mais bah oui, concrètement. Bah oui, mais c'est un film de super-héros, donc un super vilain. Et bah et donc... Surtout qu'en plus, on va pas spoiler, c'est un poil plus complexe que ça. Oui, et en plus, il est même pas vraiment vilain. C'est ça, c'est pas oh, je suis le méchant. Je trouve que c'est justement en plus, c'est le trope du gars qui fait de mauvaises choses avec de bonnes intentions. Voilà, quoi, tu vois. Donc, et justement. Non, je pense qu'il parle du dernier acte du film. Parce que toi, tu vas dire, de base, c'est pas un mec comme ça. Il a quand même pendant 1000 ans massacré des gens. Oui, on te raconte quand même qu'il est pas ultra sympa. C'est vrai que c'est un peu un. Mais en gros, c'est un mec, il est méchant, rédemption, amour, et deuil, reméchant. En gros, c'est ça. C'est ça, voilà. Oui, il a été sympa pendant 10 ans, non, c'est ça? Non, c'est depuis les années 492, je crois, qu'il se calme. Ah, 96, pardon. C'est en 96 qu'il rencontre sa femme. C'est en 96 qu'il rencontre l'amour et que ça lui fait revoir sa perception des choses sur des millénaires. Du coup, ça signifie qu'en fait, Shang-Chi est plus jeune que nous tous. Voilà, oui. bonne tellement triste. Les héros qui est plus vieux que nous. Alors qu'il est joué par un acteur qui est plus vieux que nous. Non, il est juste plus stock. Hein. Il a notre âge à peu près. Il a notre âge. Ouais, mais Spider-Man, c'est un gamin. C'est juste là, il a une hygiène de vie qui est cool. Il a la vingtaine, tu vois. C'est sûr que c'est pas ce même genre d'hygiène de vie. Donc du coup, pour dire ce que j'ai pensé du film, parce que là, je savais pas trop quoi en penser. Après, je trouve vraiment, c'est vrai que moi, j'arrive toujours à, enfin, j'essaie de dissocier le produit de l'intention. Et dans l'intention, par rapport au truc sur Black Panther, alors toi et moi, voilà, on est opposés là-dessus. Moi, je trouve que Black Panther, c'est bien fait, avec des bonnes intentions, parce que tu mets un réalisateur afro-américain. Tu Christian Taubira, donc à partir de... Effectivement, tout est lié. Black Panther, Christine Taubira, c'est exactement la même continuité thématique. Mais je veux dire que là, c'est pareil, en fait. Le réalisateur est aussi d'origine asiatique, le scénariste aussi. Il y a quand même eu des longues interviews où ils ont expliqué qu'ils avaient limite une liste, en fait, de tropes, justement, de clichés anti-asiates qu'ils ont voulu juste exploser dans le film. Et je trouve que par rapport aussi au casting, en fait, d'avoir recruté, voilà, Tony Leung, Michelle Yeoh et tout ça, Aquafina, que je connaissais pas forcément plus qu'avant, mais voilà, l'intention, elle est la même, en fait. Je trouve qu'elle est faite effectivement avec une certaine sincérité, une certaine honnêteté dans ce rapport que tu as très particulier avec Marvel Studios sur, on sait qu'on est là quand même pour faire de l'entertainment de masse, et en même temps on a un discours un peu plus engagé, un peu plus pro représentation, donc c'est bien de le faire. Après, dans les faits, j'étais très, notamment par rapport à Black Panther, sur le discours par contre que ça porte, il y a rien, en fait. T'as Aquafina qui fait une blague genre, ah, il a fait une blague en disant que j'étais coréen parce que genre on ressemble tous au même, et t'as effectivement Wenwu qui fait genre, les gars, vous êtes des blaireaux, voilà, parce que il vous faut juste un chinois et vous flippez comme des petits, quoi. Truc de Wenwu, mais c'est tout, tu vois. C'est méta par rapport à Marvel Studios et aux fans, ouais, un peu abrutis. Mais c'est moins tourné vers mais c'est ça, mais par rapport au contexte, à tout ce délire stop Asian hate et tout ça, il y a R, en fait. C'est Après, il a été tourné avant, non? Non, mais je veux dire, la haine anti-asiate, elle date pas d'hier, quoi. Enfin, notamment sur l'histoire des Chinois. Mais après, ce qui s'est passé avec le Covid et tout, enfin, il y a quand même un mouvement lancé. Moi, en fait, je me suis demandé si ça allait pas impacter les performances du film au box-office, notamment aux US. Parce que quand tu vois le nombre d'acteurs qui sont juste attaqués, enfin, les gars, ils sont plus assez prêts pour dire qu'ils sont juste des grosses merdes humaines. Non, mais je veux dire que le truc, c'est que les États-Unis ont vraiment un passif, enfin, avec le Asian Exclusion Act, qui justement limitait le nombre de migrants qui venaient pour vivre ou pour travailler aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment et sur le fait que, enfin, c'est vachement intéressant. Alors vraiment, je me base beaucoup là-dessus, parce qu'il y a un triple papier qui est sorti dans le média Inverse, qui est vraiment un entretien avec notamment le scénariste du film, et qui retrace aussi tout le trope des stéréotypes du péril jaune, en fait, depuis les années 30 jusqu'à maintenant. Et tu t'aperçois vraiment que ce film représente quand même un enjeu pour cette communauté, par rapport au fait que c'est des personnages, en fait, qui sont jamais représentés, vraiment, qui sont pas forcément beaucoup en tête d'affiche, et c'est pour ça que notamment c'était super important pour eux que le film sorte au cinéma et surtout pas sur Disney+, parce que ces personnages-là aussi ont droit d'être découverts sur le grand écran, comme l'ont été Captain America, comme l'ont été Spider-Man ou Black Panther. Et là-dedans, tu dirais que ça prouve que Marvel Studios méprise plus les femmes que les Chinois. Alors attends, parce que Mulan, c'est sorti sur Disney+, aussi. Hein, c'est vrai que c'est... Femme chinoise, attention. Ouais. Bah oui, elle le cumulait. Hein. Ouais. C'est vrai, bah. Après, on n'est pas un cas de dissonance cognitive près non plus, tu vois. Ouais, clairement, et je le suis aussi, malgré tout, parce que voilà, je vois les intentions et je trouve que c'est bien. Dans mon cerveau de SJW gauchiste, mes couilles, tu vois, tout ça, je trouve ça bien. Dans les faits. Je lis trop les commentaires. Dans les faits, je te confirme. Je me suis pas forcément éclaté de ouf, quoi. Ça m'a un peu emmerdé. Je suis conscient des efforts qui ont été faits sur ces questions de représentation et d'avoir des personnages. Vraiment, c'est vrai que c'est des personnages, ils ont leur motivation propre, ils sont plutôt bien écrits, tout ça, mais l'histoire d'un, enfin, ça a déculé. Non, mais je m'en branle de son histoire de ouais, ma meuf, je l'ai récupérée et du coup je vais faire des mauvaises actions pour ça. On l'a déjà vu. Le pauvre, il a toujours. Moi, j'aime beaucoup ces scènes. Il est toujours malheureux en amour, tu vois. Moi, je suis triste pour lui. Mais grave, j'ai envie de l'aider. Il peut pas ken sa voisine, il peut pas ken sa femme parce qu'elle est morte. C'est quand même tragique. En l'occurrence, je trouve que Simu, lui, il joue pas bien. Enfin, vraiment, je le trouve vraiment. Il fait le taf. D'accord. En fait, je le trouve plus incarné dans les scènes de combat où on sent qu'il a. Ah non, mais dans les Mais pendant dans les scènes intimistes, j'ai beaucoup plus de mal, j'ai eu l'impression qu'ils faisaient la même gueule sans nuance. Ah non, mais dans les scènes de combat, ces trois doubleurs bâtons le font très bien pour le coup. En fait, alors, parce que justement, ça, c'est le truc, je t'avais dit en sortant que j'ai vraiment fait gaffe à ça. Ouais. Non, c'est plus que 3. Hein. Ah, c'est plus que 3 en plus. C'est pour ça que c'est pour maintenant, ça. Je me foire, mais je crois que c'est soit 4, soit 6. Et c'est là que je me suis dit, putain, non, c'est abusé en fait. Et ça explique les plans, les angles, le caméra. Ah, c'est ça. Que Jet Li, il aurait fait ses cascades tout seul. comme un grand, putain. Ouais. Ça a changé le cinéma. Et Tom Cruise aussi. Ouais. Non, mais après, ouais, je trouve qu'il y avait quand même un effort qui est fait sur l'esthétisation des bastons. Je trouve que t'as quand même plusieurs inspirations qui arrivent. Enfin, on parlait de Chouarak avant. T'as quand même une scène qui est vraiment là pour faire un peu à la Tigre et Dragon et tout ça. T'as des scènes de bastons. Oui, pardon, oui, Angli, rien à voir en plus, complètement. Okay. Bah voilà, ça c'est bien. Bravo. Propre stéréotype, voilà. Non, mais. Taïwan en PLS, hein. T'as dit quoi? Taïwan en PLS. Ouais, complètement. Non, mais voilà, mais Chouarak fait pareil du Wirefoo aussi. C'est ça, voilà, mais j'ai confondu les titres, c'est pas grave. Merci de m'humilier dans mon propre podcast. C'est tout ça. Je t'ai fait cancel. Complètement. C'est pas la première fois. Qu'est-ce que je veux dire? Là aussi, voilà, t'as des trucs plus urbains, t'as un plan en scrolling horizontal pour faire un peu street fight et tout ça, ce genre de choses. Donc il y a des idées, puis il y a ce point effectivement un peu plus mythologique et du coup empreint de culture asiatique qui arrive sur la fin, qui je trouvais bienvenue, qui est pas exceptionnellement fait. C'est vrai que maintenant tu mentionnes God of War 3, j'ai pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt cool d'avoir. Alors c'est vrai que t'as quand même le combat du héros contre le méchant qui a les mêmes pouvoirs grosso modo, sauf que là en fait c'est même le gentil qui acquiert les pouvoirs entre temps du méchant, donc ça vous faites chier les gars, vous êtes du chiant, arrêtez de faire ça. Le combat du fils contre le père. Et puis après t'as le combat du gros monstre contre du gros monstre gentil contre le gros monstre méchant, on va dire, mais quand même ça essaye de varier un petit peu les plaisirs, donc il y a des choses là-dessus. Après je trouve, et ça c'est vrai que Vesper l'avait dit avant, les raccords par contre au MCU qu'ils essayent de faire, genre de forcing, le thérapie blip là. Certaines gênant, apparitions aussi. Ah, non, et puis on en parlera juste après, mais la première scène post générique, mon dieu quoi. Scène post générique, tu veux attends la première scène post générique avec une sorte de vidéoconférence. Avec les le zoom du futur. C'est ça, le zoom Marvel Studios. C'est genre même moi j'ai pas compris ce qu'ils essayaient de me dire. Mais rien, mais ils font rien. Le karaoké c'est cool, tu vois. Faut le dire. Non, mais ils en font. En fait, le gag karaoké marche. Ouais. Le truc avant, tu dis, ouais, bon, ok, allez, c'est bon. Mais surtout qu'ils apportent rien, ils apportent aucune réponse. T'as la petite vanne entre les deux. En gros, mais c'est une excuse, voilà, c'est une excuse. Attends, la deuxième aussi, elle est abjecte. La deuxième, elle est abjecte. Bah non. Doctor Strange All Over Again. Oh, ça m'énerve. Bah, ça veut juste dire que dans Shang-Chi 2, il va. Boba Fett All Over Again. Non, mais ça veut juste dire que dans Shang-Chi 2, dans Shang-Chi 2, ce personnage ne devient pas méchant pour moi. Juste, elle entraîne des gens et elle inclut les femmes dedans. C'est ça que ça veut dire. La posture de vilaine. Elle a quand même une posture de vilaine, quoi. On a déjà un plat à conquérir et tout. Non, mais non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une possibilité. Là où dans Doctor Strange, c'est une certitude que le mec devient méchant, tu vois. Et on se demande d'ailleurs ce qu'il a foutu dans tout ce temps. C'est fini, ça. Mais après, par contre, là où c'est un peu accablant, c'est qu'il se trouve que cette semaine, il me semble, l'épisode de What If qui est sorti, c'est littéralement que ferait un homme qui a autant de pouvoir s'il perd la femme de sa vie. Et en 30 minutes, ça explose en intensité. Parce que c'est de l'animation et que tu peux, et ils ont plus de liberté, donc tu peux avoir un non absent total, je suis d'accord, mais enfin tu vois, c'est quand même toujours dérangeant ce manque d'enjeu quoi quand même. Du coup, je propose qu'on passe en partie spoilers. Allez, complètement. Donc ici, c'est la partie spoilers. Voilà, c'était le générique. Un quoi ? Un petit solo de saxo. Allez, je sors mon saxophone, je fais un solo et puis après on passe à la partie spoilers. C'est ça. Pour mettre l'embouchure, le bec et tout ça, ça va être très très long. Donc non, on va juste dire que c'est la partie spoilers. Maintenant, sur l'histoire quand même en détail. Qui veut commencer pour dire point par point ce qui lui a plu, ce qui lui a déplu. Moi, je trouve ce que je disais avant. Enfin, je peux faire l'amorce du mec blasé et tout. Je fais quand même. C'est de l'origin story, qui ne sortira pas des sentiers battus, qui va pas marquer les esprits. Son histoire d'amour pour sa meuf, je m'en branle. Je trouve que c'est bien d'avoir des motivations, mais on a déjà vu ça. Mais non, je n'ai pas de cœur. Effectivement, dans le Doctor Strange de cette semaine, t'as pas de cœur. C'est ça. Voilà. Et en plus, j'ai pas pouvoir magique, donc j'ai vraiment rien, quoi. Tu vois, c'est rien pour rattraper. Et en plus, il me semble que quand t'as le combat de début qui se transforme en danse. À un moment, t'as eu genre une sorte de soufflement très méprisant par rapport à la scène qui déroulait. C'est genre... C'était vraiment le truc. Mais moi, je l'ai trouvé très mignon. Non, mais j'ai soufflé parce qu'à un moment, il lui fait un point et puis t'as ce ralenti. Ils se regardent et du coup, ils se battent en même temps. Ils font je te veux comme ça. Tu fais non, mais c'est pas beau. Moi, t'as jamais vu de film où les gens ils se battent et qu'il y a une tension sexuelle en même temps. Mais t'es fan de James Bond, évidemment que t'as vu ça. Mais moi, ce que j'aime. Ouais, mais je trouvais que du coup, c'était. Enfin, je veux dire, alors soit on fait un vrai film sérieux où il y a de la tension sexuelle, mais du coup, c'est de la tension sexuelle façon Marvel Studios. Moi, ça me plaît pas quoi. Parce que c'est. Mais non, mais parce que je tombe amoureux petit à petit. C'est pas encore sexuel. C'est genre j'ai trouvé encore sexuel. Pas tous en même temps. Pour moi, c'est autant une question d'attirance que de respect. Genre, il respecte ce qu'elle lui apprend et c'est ça qui en fait un personnage qui devient plus intéressant. C'est parce que d'un seul coup, tu le vois pétri d'orgueil et tu penses qu'il est au sommet de tout. Et en fait, il réapprend l'humilité avec la nana. Et je pense que c'est ça. C'est qu'il est à la fois admiratif, respectueux et qu'en plus, il est amoureux. Tu vois, c'est le tiercé gagnant. C'est ça que tu veux quand t'es amoureux. Mais en plus, voilà. T'es jamais tombé amoureux d'une meuf avec qui tu te bats? Non, mais c'est là. Dans le jardin. Quelle horreur. Quelle horreur, t'imagines? En général. Moi, je lui cassais la gueule et genre, l'arc, il avait un joli sourire. Ce qui est bien, c'est que dans cette question, les deux réponses sont mauvaises. En général, elles appellent la police, en fait. Hein, voilà. Non, mais regarde, c'est typique de la mise en scène asiatique, ça, justement. C'est comme dans Tigre et Dragon. Il est d'abord impressionné. Et il réalise petit à petit que, vas-y, pourquoi pas. C'est une technique de setup classique. C'est le ralenti avec la musique très poétique. J'ai bien aimé la musique, par contre. Franchement, la musique était vachement cool, je trouve. Moi, la musique, j'aurais un reproche à faire au décor. Et cela, je suis d'accord avec toi sur le côté, ils savent pas filmer ça. Tu vois quand même que c'est un bon gros fond verrasse et qu'en fait, t'as juste un rocher qui sert à ce que la meuf se mette dessus. Et du coup, bah, ils sont toujours dans le même précaré. Alors que tu vois. Oui, parce que même quand le village magique apparaît, enfin, tu fais waouh, ok, c'est une plaine, quoi. C'est un jardin. C'est comme le Wakanda. Voilà, tu dis d'accord, donc il y a une avenue principale, le palais, et puis à un moment, c'est pas pourquoi, il y a des montagnes enneigées, et puis le désert, quoi. Enfin, mais le GPS là-bas, c'est facile, tu vois. C'est ça. Tourner à gauche. Pour le coup, en plus, si tu veux, c'est que chez Ang Lee, typiquement, les combats ils se déplacent, tu vois. Dans Tigre et Dragon, ils montent sur des bambous, ils commencent en haut de la forêt, ils finissent en bas de la cascade et tout. Là, c'est un peu statique. Tigre et Dragon à chaque fois. Ouais, Tigre et Dragon. Sinon, les gens vont dire, oh, mais dans Hulk, il y a pas ça. Mais dans Hulk, il y a un peu ça aussi, les combats qui se déplacent, tu vois. Enfin, de manière plus limitée. Il y a moins de feuilles qui volent autour des gens aussi. Il y a moins de caniches géants aussi dans Tigre et Dragon. Maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Ce film était tellement étrange. Mais bref, tout ça pour dire qu'on se dit que t'as pas de cœur. Et que finalement, c'est une très belle scène. Et si t'avais vu The Mood for Love en 2046, bah tu serais en train de kiffer à ce moment-là. Ah, t'as pas vu The Mood for Love? Non. Il a rien vu de Wong Kar. C'est pour ça que t'aimes pas l'amour, alors. C'est pour ça que t'aimes pas Tony. D'ailleurs, anecdote, c'est pour ça que t'aimes pas la vie, Arnaud. C'est ça. Je savais pas que ce podcast se transformera en psychothérapie à 4 contre 1, quoi. C'est pas un podcast, c'est une intervention. Anecdote du hors-micro, c'est que du coup, Tony Leung a joué Ip Man dans le film The Grandmaster de Wong Kar-wai. Ip Man qui était le maître de Bruce Lee. Du coup, tu peux dire qu'il y a un casting un peu métal. C'est son premier rôle, pardon, en film de kung-fu, parce que sinon tout le reste de sa carrière, c'est effectivement beaucoup de romances, quelques trucs de gangsters. Infernal Affaires, je crois qu'il est dedans. Tu confirmes? Il est dans Hardball, je suis pas sûr, mais à vérifier pour Infernal. Mais du coup, voilà, il s'est mis au kung-fu assez récemment et finalement, ça rend plutôt pas trop mal, je trouve. 59 ans, hein. 59 ans. Ouais. Ok, ouais, c'est un âge respectable. Oh, purée, non, j'ai un pote qui m'a dit ça ce matin. Arrêtez. Il m'a envoyé littéralement une photo des deux côte à côte. Il m'a dit, tu trouves pas qu'on dirait un Eugène Richard Berry? Il ressemble vraiment à Richard Berry. En fait, c'est vraiment lié à l'angle de caméra et à ses cheveux, en vrai. Oui, bah oui, mais. Et puis depuis qu'il a vieilli, il a les mêmes fentes. Et là, pour le coup, tu vois plus que ça. J'arrive plus du coup à ne pas le voir, en fait. C'est comme le mec de Mindhunter avec Macron, tu vois. Une fois que tu le sais, tu le vois plus que ça. Commentaire cinéphile incroyable. Moi, j'attends Matrix 4 que pour voir Macron se faire taper par Keanu Reeves. Il va jouer un agent, du coup, c'est confirmé? Parce que moi, je pense que les Wachowski n'ont pas tant d'imagination que ça, qu'ils l'ont vu porter très bien le costard et qu'ils se sont dit oui, c'est lui. Voilà. Là, ça pourrait rendre dès que l'agent Smith initial leur a dit non, j'ai pas envie de revenir, en fait, ils ont dit ok, ce sera lui, quoi. Ah, moi, je suis quand même chaud. Hein. C'est ma théorie, je le défendrai. Jusqu'à la mort. Bah, je suis pas d'accord. Arnaud, tu veux intervenir? Non, parce que j'étais en train de manger un morceau de fromage, donc pour l'instant, je vous laisse parler. C'est un morceau de parmesan, le fromage. Ah merde, non, je croyais que c'était des trucs sucrés. Non, c'est pas des marshmallows. Ma vie est en train de changer. Ce podcast se bat en couilles. Vas-y, recentrons les débats. Sur l'histoire, toujours. Donc, on parle de l'histoire. Sur les développements, parce que je trouvais que c'était quand même plutôt éculé comme façon. Tu vois, dans un ancien podcast, t'avais dit ils font pas ce film-là juste pour plaire au marché chinois, ils le font aussi pour plaire aux gens qui sont justement asiatiques d'origine, enfin, qui ont grandi aux États-Unis. Ouais, aussi. La communauté asiatique, le diaspora, quoi. De toute façon, Fresh Off the Boat, Crazy Rich Asians et tout. Qui est vachement plus facile à atteindre que le public chinois, sur lequel t'as quand même toujours cette. De la censure, quoi, tu vois. Mais typiquement, ça, la partie justement qui est consacrée à ça avec le côté, bah, ils bossent dans des boulots de merde, ils ont des potes qui justement avancent dans la vie, et la grand-mère qui dit vous vous mariez quand, tu vois. Ça, c'est vraiment des petits trucs que tu vois souvent dans les films de d'expat, entre guillemets. Bien sûr, ouais. Typiquement Fresh Off the Boat, la série de Randall Park, qui parle justement d'une famille de boat people qui sont arrivés aux États-Unis et qui montre bien le décalage culturel, en fait, qu'il peut y avoir avec cette génération qui refuse de parler anglais, qui continue à mépriser un peu les us et coutumes locales et qui vient un peu en quartier. Bon, là, c'est pas hyper poussé, mais tu vois, je trouve ça bien foutu et je trouve que les deux le jouent assez bien, ça, par exemple. Mais c'est marrant parce qu'en fait, Aquafina a joué dans un film dramatique qui s'appelle The Farewell de Lulu Wang, que je vous recommande vivement. Elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique pour ce film. Et c'est vraiment une pépite où en fait on suit justement quelqu'un qui avait d'origine chinoise qui a vécu aux États-Unis et qui en fait doit retourner au pays parce que sa grand-mère est mourante mais qu'elle ne le sait pas. Okay. Voilà. Et en fait, c'est inspiré de la propre histoire de Lulu Wang, qui elle-même a vécu cette histoire. Et il y a un truc très intéressant dans ce film avec Aquafina qui justement joue cette nana un peu paumée entre traditions familiales parce qu'elle doit pas décevoir sa famille, elle doit se marier, elle doit rentrer dans chaque case que sa famille lui indique et que voilà, ça fait partie de la culture traditionnelle et tout ça. Et c'est vrai que on sent qu'elle a du mal, qu'elle galère un petit peu dans la vie. Pendant que... Un peu comme Irine. Voilà, exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en voyant Shang-Chi, j'ai l'impression de voir Aquafina jouer dans une version vraiment comédie de The Farewell, ce qui est à la fois est plutôt mignon et en même temps, je me suis dit c'est dommage parce que j'aimerais bien l'avoir joué autre chose. Mais du coup, si vraiment tout cet aspect un peu... comment on essaie de s'en sortir dans une famille chinoise qui essaie de s'adapter aux us et coutumes mais qui garde quand même une sorte de certaine traditionnalité dans ce qu'ils font. Je vous recommande vivement The Farewell. Mais voilà. J'aimais bien l'idée dans le film qu'on ait vraiment deux personnages différents, que elle est de deuxième génération, ouais. Et par exemple elle ne parle qu'anglais. Et c'est ça, elle parle de le montrer quelques mots chinois mais sans c'est plus ouais. Et que du coup elle est effectivement un peu paumée et ce côté justement lui merci Arnaud qui a apporté le fromage dans une petite assiette et donc du coup de voir effectivement Shang-Chi en plus de cette histoire où il lui explique son changement de prénom, enfin du coup il s'appelle Sean quand il arrive quand il arrive aux États-Unis et de tout ce qui est lié à ça. Et c'est bien d'avoir les deux points de vue et de voir effectivement quand ils arrivent quand ils vont voir Michelle Yeoh à la fin. Complètement. Mais ça d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est aussi une tactique pour eux pour s'autoriser à parler anglais dans le film parce qu'ils vont pas faire tout le film en chinois. Enfin alors je sais pas si c'est mandarin ou cantonais la langue dominante de Chine actuellement, je sais plus. Mais grosso modo ils vont pas faire tout le film soit en mandarin soit en cantonais. Et du coup en fait souvent Michelle Yeoh quand elle les accueille, tu vois, elle leur parle à tous les deux en chinois. Comme elle voit que l'autre parle pas chinois, du coup elle passe à l'anglais et du coup ça justifie qu'en fait de manière fluide tu passes à l'anglais dans les dialogues quotidiens, même si c'est un peu une tactique de lâche à mon avis, parce que en vérité non mais il n'y a pas de honte à ce que des Chinois parlent chinois. Les mecs qui sont là depuis 4000 ans dans leur village à la con, a priori l'anglais n'avait pas encore été inventé comme langue quand ils sont arrivés. Là c'est la partie incohérence. Mais ça m'énerve. Franchement, je trouve que pour un blockbuster, ils font quand même un effort. Il y a une grosse partie du film qui ne parle pas anglais, quoi. Ouais. Et on demande beaucoup à des gens qui ne d'habitude, enfin à des Américains qui ne lisent pas, savent pas lire des sous-titres. Ouais, non, c'est sûr. Donc, c'est vrai, vu comme ça. Franchement, est-ce que pour dans un blockbuster, il y a quand même un beau. Non, dans Snake Eyes, c'est clairement on est sur du pur G.I. Joe, donc les mecs n'ont rien à prendre. Il y a des ersatz de début de conversation et dès qu'un seul perso se met à répondre en anglais, tout le monde parle anglais. C'est fini, quoi. Voilà. Limite, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ils parlent anglais ou chinois. En fait, j'ai l'impression que dès que Tony Leung était vraiment en mode hyper méchant, notamment dans le dernier acte, il ne parlait que chinois. Ouais. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir que quand tu veux faire passer un message gentil, tu parles en anglais. Et dès que tu viens en mode full méchant, tu te mets à parler chinois. Et ça, par contre, je trouve que c'est encore un léger défaut, c'est de dire on utilise la langue pour montrer s'il est gentil ou méchant. Oui, parce que du coup, dès qu'il a des excès de colère ou des trucs, voilà. Forcément... Et dès qu'il met son plan, c'est tout en chinois, alors que là où il veut expliquer un truc en mode un peu cool, je veux retrouver ma femme, truc mignon et tout ça, il parle en anglais. Ouais, mais ça, je trouve ça... Alors effectivement, je m'étais pas fait la réflexion comme ça. Après, l'idée de switcher dans ta langue maternelle quand c'est tes émotions qui parlent, ça à la rigueur, je le comprends. Puis, mais oui. Il y a quand même des contre-exemples. Quand il voit son fils et qu'il lui fait un petit câlin de front, il dit « tu m'as manqué mon fils » en chinois, tu vois, c'est... D'ailleurs, franchement... Moi, j'ai l'impression qu'ils mettent... Ouais, plus comme tu dis, peut-être toutes ses émotions, mais vu que le mec est très froid en général. Oui, bah c'est ça, ouais. Ses émotions, c'est soit il est vénère et du coup, enfin, c'est un super méchant. Voilà. Donc ouais, effectivement, il y a ça. En fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intime, enfin, ou qui est plus personnel et moins dans l'exposition. En fait, toute l'exposition est faite en anglais, en fait, grosso modo. Il y a beaucoup d'exposition dans le film quand même. Bah, La première rencontre. Non, pardon, non. À partir après l'intro, je veux dire. Ouais. Okay. La voix off du début, c'est la voix après l'intro. Je veux dire, tu vois, typiquement, il faut justement, quand il explique à Aquafina son truc, il le fait en anglais, tu vois, par exemple. Et quand ils expliquent le plan, la montagne, etc., ils le font, ce qu'il y a derrière la porte et compagnie, c'est en anglais. Ouais. Après oui, c'est l'espèce d'astuce à la con, c'est-à-dire qu'en fait, ils le font en anglais parce que dans l'assistance, t'as Trevor et Aquafina. Et inversement, quand Tony Leung donne ses instructions, c'est sous-entendu que ces hommes. Il y a Razorfist qui est au milieu, qui n'est pas du tout asiate, et donc, genre, ce serait pour ça que. Mais ça, c'est plutôt futé, je trouve, parce que les 10 anneaux sont pas justement une sorte de secte asiatique de ninja, tu vois. C'est vraiment juste des mercenaires. Ils viennent des quatre coins du monde. Ceci dit, c'est également une incohérence, parce que clairement, l'intro du film, c'est pour dire. Mais regardez, c'est pas du tout incohérent qu'il y ait eu Trevor Slattery qui existait, mais que le truc existe quand même et ça s'appelle quand même les 10 anneaux. Et tu fais, alors, ça peut marcher. Sans Iron Man 1. Bah c'est ça. Parce que, j'allais dire. Quand le mec dit, je me suis arrêté en 96, tu es d'accord. Comment t'expliques qu'il y a des mecs terroristes dans un pays, un pays oriental qui n'est pas asiatique, qui s'appelle littéralement les 10 anneaux avec ton logo, avec le truc. Oui, tout à fait, et que juste, t'as pas spécialement bougé à l'époque. Mais parce que c'est, parce qu'ils expliquent quand même qu'il reprend du service quand sa femme meurt. Bah oui, mais l'énorme souci, c'est qu'il explique. Dans les années 2000, techniquement, parce que Iron Man, il est tout jeune, il a Shang-Chi, il a 7 ans, il dit. Oui, mais Iron Man, c'est les années 2000. Il rencontre sa femme en 96. Non mais déjà, attends, de base, il y a une incohérence dans Iron Man 3 parce que normalement le gouvernement est au courant que les 10 anneaux existent pour de vrai, tu vois. Bah oui. Du coup, machin, Shane Black, enfin, comment il s'appelle, putain, Guy Pearce, on pourra pas monter son plan. Dans le court-métrage All Hail the King, Trevor Slattery, il fait ah bon, mais ils existent vraiment les 10 anneaux et tout. Oui, c'est une espèce alors, de. Alors qu'on t'explique que c'est bien eux qui ont enlevé Iron Man. Oui, ils ont enlevé l'un des hommes les plus riches de la Terre. C'est ça. Oui, bon, quand même, et dans ce film-là, il n'y a aucun lien avec le Mandarin et on te dit grosso modo que c'est les Al-Qaïda de cet univers-là, les Daesh de cet univers-là. On te dit si c'est des mercenaires qui prennent un peu à droite à gauche des différentes factions. Bah, c'est surtout qu'il y a aussi le problème, c'est que vu qu'ils doivent justifier le fait que le mec et son organisation aient rien branlé en fait dans l'univers Marvel jusqu'à présent, en tout cas à vue ouverte, qu'on va dire, enfin à la vue de tous, ils lui casent la phase. On fait ça dans l'ombre, genre on soulève des pays mais dans l'ombre, tout ça machin. Alors que dans Iron Man 1, ils font une vidéo. Oui, clairement les mecs dans Iron Man 1, c'est pas ça le plan du tout. Voilà, mais ça c'est les petits trucs où bon, tu dis ok. Bon, après ça a été bricolé, c'est comme la scène post-générique de Thor 1 où t'as Thor 1 de Hulk 1. Où en fait t'as Iron Man qui va voir ta Deus Ex et qui fait je vais monter une équipe de super-héros, tu vois, et il dit non c'est pas toi, c'est Nick Fury qui monte l'équipe de super-héros. Et ça, mais c'est surtout ça permet de rebondir sur qu'est-il arrivé à l'Abomination pendant toutes ces années? Parce que du coup, il est impliqué dans la scène post-générique de Hulk, de l'incroyable Hulk. Ouais. En fait, quand il me semble que Stark dit à Thaddeus Ross. Ouais, à Thaddeus Ross. Lui fait genre en gros, je peux garder ton truc ou il faut garder ton truc. Et en gros, le truc, c'est Abomination qui est neutralisé mais pas mort. Voilà, ça. Et donc tu dis, donc là, le film installe le fait que c'est devenu un pote de Wong. Et qui font régulièrement du catch ensemble, en fait. Ah, pourquoi pas? Et alors, autant la perspective m'amuse et tout, mais tu dis, moi, je m'attendais à au moins une phrase qui dit, genre, je l'ai récupéré ou truc. Non, c'est juste. Ah oui, rien du tout. C'est voilà, le kiff, hein. Ouais. Mais moi, je me suis même posé la question. Il a pas le même design, en plus. Enfin, non, il le refait, clairement. Mais surtout que moi, je me suis vraiment posé la question, genre, est-ce qu'ils vont jouer sur le fait que c'est peut-être pas la même créature, le même personnage? Sauf qu'il l'appelle par le prénom, vraiment. Il lui dit et tout. Émile. Bon, clairement, je pense que Tim Ross a autre chose à foutre que faire comme ça en bruitage voix. Oh, un petit chèque. Hein. C'est quand même marrant de voir l'évolution de l'Abomination entre 2008 et maintenant. Ouais. Ouais. Franchement, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être n'importe quel autre personnage en vrai. Oui, clairement. L'easter egg est quand même très bizarre, je trouve. Mais c'est ça qui m'a étonné, c'est que c'est très gratuit en fait, et c'est vrai que là ça fait un peu. Rappelez-vous, on est chez Marvel Studios, on a nos persos et tout. Vous aviez oublié depuis le début. Après, le personnage doit refaire son apparition dans la série She-Hulk, donc peut-être que c'est juste un reminder pour dire, vous rappelez, on a quand même ce personnage, regardez, il existe toujours, et comme ça tu seras moins surpris quand il apparaît. C'est pas à cause de lui que Bruce Banner aurait le bras dans le plâtre. Bah non, c'est à cause du snap, il se nique littéralement quand il fait ça. Ah mais alors oui, du coup ça se situe où le film? Bah juste après le blip aussi, hein, enfin. Ouais, bon là après clairement on est dans un flou artistique total. Après le retour du... Après, si ça se trouve c'est pas réparable comme blessure aussi. Donc il va rester sa vie et le prendre. C'est long quand même. Que du monde. Tu vois. C'est pour ça qu'après du coup, hey, ma cousine, viens là, tu vas prendre ma place et tout, tu vois. Parce que putain, moi j'ai encore en écharpe, je peux plus machin. Après même avec un seul bras normalement le Hulk qui peut, tu vois, ça va en théorie. Mais du coup ouais, enfin moi j'ai pas compris ce caméo là. D'ailleurs je voulais poser la question, vous avez vu des Easter eggs dans quand il passe dans l'espèce de cage, enfin différentes cages où ça tabasse parce que moi j'ai pas fait gaffe. Bah du coup, on s'en est parlé après. Enfin voilà, faudrait mettre le truc image par image. Mais enfin moi ce que j'ai retenu c'est qu'à un moment t'as un mec qui est sous Genesis dans une cage et t'as je me retiens de faire une ref à Phil Collins hein, mais c'est vraiment c'est j'en avais relevé juste un seul autre mais il y a effectivement un mec qui est sous Genesis comme dans Iron Man 3. Ce qui est marrant c'est que je me serais attendu limite à ce que ça se passe dans la même ville que ça se passe dans la même ville que là où on voit l'agent Carter dans Madripoor. Madripoor. Ouais, mais c'est dommage parce que c'était limite tourné au même endroit. Et en vrai, je me serais limite plus attendue à ce qu'elle soit à Madripoor parce qu'on sait que c'est un truc de ripou un petit peu et tout ça. Et j'étais limite déçue qu'ils disent Macao alors qu'à Madripoor, ça aurait pu vachement connecter les points en vrai. Ça aurait pu faire aller en commun. Et ouais, c'est éclairé pareil. Et en plus, ils disaient qu'à Madripoor, dans la version Falcon Winter Soldier, il y a littéralement aucun Asiatique dans la place. Et là, t'en as un foison. Et je me suis dit, ça aurait pu être une bonne occasion de montrer Madripoor avec une population peut-être plus réaliste. Ouais. Du coup, c'est Macao, mais franchement, moi, j'aurais bien voulu que ce soit Madripoor, en fait. Mais après, Vas-y. Le truc, c'est que s'ils avaient vraiment fait Madripoor, t'aurais eu la horde de gens qui auraient fait « Ah, ça veut dire qu'il va y avoir des easter eggs pour les X-Men dans Shang-Chi. » Et peut-être qu'ils ont envie de se concentrer sur l'univers de Shang-Chi. Est-ce que des gens ont vraiment dit ça pour la série Oui. Oh, putain. Oui. À partir du moment où le nom de Madripoor a été prononcé, il y avait 12 000 vidéos par jour pour faire « Ah, est-ce qu'il y aura un caméo de Wolverine dans Madripoor ?» C'est au départ une agglomération de Singapour et Macao, en fait. Parce que c'est le point. Oui, mais le truc aussi, c'est que s'il le dit. Et de Madrid. Tout à fait, d'où le Madrid. Tu vois. Et du coup, Corentin, laisse-moi finir. Mais le truc, c'est que les scènes à Macao ont réellement été tournées à Macao. Donc c'est peut-être une envie de la vie. C'est la seule scène du film qui a été tournée à Macao. Le reste a été tourné aux États-Unis. Aux États-Unis et en Australie aussi. Oui, il y a eu Australie, Nouvelle-Zélande, c'est ça aussi qu'on a un peu relevé au générique. Ils ont fait le truc comme Black Panther qui a aucune scène tournée en Afrique. Et eux, effectivement, ils ont une séquence tournée en Asie. Mais les acteurs, ils prennent l'accent africain. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, tant qu'ils tournent pas près des camps ouïghours, on est bien. Voilà. C'est pas comme Mulan. Toujours ça de prix, voilà. Il y a peut-être une usine Nike à côté. Avec Mulan, le fameux accent africain, Corentin. On le connaît bien quand même. Je peux pas te répondre. Non, c'est pas grave. C'est un accent nigérian, je crois qu'il avait dit. Sud. Maintenant, c'est sud-africain qui prend, c'est l'Afrique du Sud. Alors, moi, je sais pas ce qu'ils ont visé, mais clairement, c'était juste un accent de Quinry qui imite un Africain, quoi. D'accord, c'est pas pour moi, c'était pas plus que ça. Le pire étant Forest Whitaker, et c'était doublement honteux parce que lui, il a déjà joué à Mindada, et donc il sait le faire sans être caricatural, pardon. Et dans Black Panther, c'était affreux, quoi. Enfin, c'était. De toute façon, lui, son rôle, c'est Rafiki dans le film, donc. C'est clair. La baston. Donc, j'ai envie de parler quand même de l'action, quand même, parce que c'est vrai que vous avez quand même évoqué un peu les effets spéciaux et tout ça. Mais si on va avoir un film qui s'appelle Shang-Chi, qui quand même historiquement, avait sa propre série qui s'appelle Master of Kung Fu, et ben on veut du Kung Fu, on veut de la tatane. Vesper, est-ce que tu as eu ta dose de tatane ? J'ai eu ma dose de tatane. Bon, après la dose de tatane d'Européens, comme on avait déjà, enfin d'occidentaux, comme on avait déjà parlé en début d'émission. Mais j'ai eu ma dose de tatane. Alors oui. Mal filmé, tout ça, il y a pas de souci. Mais moi, quand ça tape, je suis contente. Je trouve que la scène du bus, en général, dans la vie, des citations. Dans le métro, quand il y a une bagarre, moi, je suis là, ouais. Je suis la première à mettre sur Snap et tout. Voilà. Mais effectivement. Pour un film occidental, je trouvais que non, ils s'en sortaient plutôt pas mal. J'aimais bien l'idée du totalement abusé et marvelienne de la bagarre dans le bus, enfin qui était bien tout. Enfin voilà, il faut toujours trouver des trucs un peu what the fuck à la fois impressionnant et rigolo. Donc je trouvais que ça marchait plutôt bien et j'aimais bien l'idée effectivement de mixer un peu tout ça entre les pouvoirs de la mère et du coup les pouvoirs, j'ai oublié son nom, et les pouvoirs de Tony Leung, enfin Wenwu. Wenwu, merci. Et de voir à chaque fois comment ça se mixait et oui ça part en sucette et ça veut plus rien dire, mais Bah, j'avoue, je suis cliente de ça, donc je prends. Bah, en fait, on sent qu'ils ont essayé de faire un truc un peu plus gracieux et débridé par rapport à d'habitude. Même dans les mouvements de caméra, on sent qu'ils essaient de faire des grands mouvements et tout ça. Et ça change quand même des combats hyper rigides qu'on se tape en temps normal, qui fonctionnent pour certains héros comme Captain America, qui est très ancré dans le réalisme. Mais c'est vrai que pour Shang-Chi, qui a des pouvoirs et tout, qui a une maîtrise du combat, qui embrasse ses éléments et tout ça, je trouve qu'ils ont essayé d'embrasser un petit peu la nature aussi qu'il y a autour d'eux avec ses grands pas dans la neige, dans les feuilles, dans les herbes et tout ça. Il y a le vent qui se lève. C'est ça, il y a un soin apporté aux éléments, même dans certaines scènes sans musique, on entend le bruit de l'eau, du vent et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant et c'est limite un peu apaisant. Genre, c'était un peu du ASMR, genre quand t'as le dialogue au bord de la rivière entre Shang-Chi et Katie quand il parle un petit peu de son passé. Il n'y a pas de musique, t'entends juste le bruit de l'eau et tu te dis... c'est reposant en fait, genre tu stoppes un petit peu la cacophonie par rapport aux combats qui reprennent après comme des bourrins et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose même de très agréable à regarder parce que tu sens qu'ils ont essayé de faire autre chose. Et j'ai envie de dire qu'au moins, ils essaient de faire autre chose et que même si ça ne fonctionne pas forcément, j'ai pas envie de leur jeter la pierre pour avoir tenté, même si ça ne fonctionne pas entièrement. J'ai envie de dire que limite... si ça peut leur prouver qu'ils peuvent essayer de se dépasser, de faire appel à des techniciens, à des artisans qui sont experts dans ce type de choses, ça ne peut que relever le niveau en fait. Et en soi, moi j'ai envie de dire que c'est limite une bonne nouvelle que Marvel se dise, ah bah tiens, si on prenait les meilleurs de leur catégorie pour faire des shows, au lieu de se contenter du minimum syndical. Donc là, on se contente parfois du minimum syndical, mais il y a de l'idée quand même. Et honnêtement, ça change quand même du combat de Black Widow, de Ant-Man, ou même de... J'aime beaucoup Spider-Man, mais ces combats encore à corps, là, avec la saga Tom Holland, c'est pas ouf. Et je trouve que Shang-Chi nous console de beaucoup de films où tous les combats sont foirés, quoi. Après, je trouve qu'il y a quand même eu un effort notable fait sur les chorégraphies, et même sur des chorégraphies de groupe dans les scènes d'entraînement que tu vois dans les flashbacks et tout ça, dans certains passages. Alors c'est vrai que tout n'est pas forcément lisible, mais même sur la scène des échafaudages, t'as quand même un petit peu des passages qui sont faits. Qu'ils ont le plan large, ça marche. Ouais. C'est leur problème, c'est qu'effectivement, ils doivent taper leur truc un peu plus rapproché pour être iconique. Et là, bah, en fait, forcément, ça casse. Mais encore une fois, ça, c'est pas... ni la faute du réal, ni de Marvel Studios, c'est vraiment une tare d'Hollywood depuis très longtemps par rapport à ça. Enfin, tu peux éclairer, enfin, je sais pas, elle est pas belle cette scène. Non, mais je suis d'accord, mais là pour le coup, c'est un truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout eux qui ont inventé ce truc-là. Autant pour les effets spéciaux, genre on s'en est parlé en sortant. Il y a justement la scène de l'ascenseur où ils montent dans cet immeuble. Le fond, il est même mal incrusté. Et là tu dis, mais attendez, pourquoi vous pouvez quand même les filmer dans un ascenseur avec une vitre. C'est pas grave. Et clairement, les mecs ont fait non, on veut les filmer dans un fond vert et tout, c'est tout. Et il y a, enfin, tu vois les contours, c'est vraiment triste, hein, tu vois les contours du crâne et tu fais non, là, c'est pas possible. C'est ça, ouais, moi, je suis enthousiaste sur le film, mais il y a quand même, Océane disait qu'ils ont fait l'effort d'aller chercher des gens qui savent faire, c'est vrai, mais Captain America, c'était David Leitch et Salski. Donc à l'époque, les combats étaient déjà putain de rodés. Et justement, tu parlais de The Raid. Bon, je vais pas jusqu'à dire que les combats de Winter Soldier égalent ceux de The Raid, mais t'as quand même... Non, tu vas pas dire ça, non. T'as une envie, si tu veux, de mettre de la vraie patate en avant. Le combat contre Batroc, le combat sur le taureau, tout ça. Winter Soldier a toujours 5 flingues. Ouais, après je l'ai revu il y a pas si longtemps, c'est quand même pas non plus là. On était impressionnés à l'époque, mais en fait quand tu regardes ça avec du recul aussi, par rapport au reste des films, enfin des échanges de mandales dans les films de super-héros, même les Batman de Nolan, ils ont pas non plus. Ouais, bien sûr. Mais part de tellement bas que du coup, par contre les Batman de Nolan, enfin pour moi c'était limite leur. Enfin, c'était là où ça pêchait. C'est rigide. Il ne savait pas, pour moi, jusqu'à là, Nolan ne savait pas filmer. Le combat Batman-Bane, c'est... c'est ça, pour moi, Nolan... Le figurant qui fait ses coups de poing dans le vide. Ah ouais, non, le pire, je pense, c'est le truc dans la soirée où le Joker tape l'incruste. Le déplacement, la choré, si on peut appeler ça comme ça, n'a aucun sens. Vraiment, c'est dégueulasse. Il y a vraiment, tu vois les mecs s'arrêter pour attendre le coup. Oui, c'est ça. Ouais, tu sens que Nolan, c'est pas son truc du tout. Ouais, clairement. Maintenant, beaucoup plus même. Ouais. Mais au moment de The Dark Knight, c'était limite le point noir du film. Pour revenir sur Shang-Chi, t'as quand même aussi parlons de The Dark Knight. Parlons de Tenet. Les combats dans Tenet sont stylés, tu vois. Non, mais depuis Inception, ça va. T'as quand même des efforts qui sont faits, notamment sur un peu les mouvements aériens, en fait, parce que t'as plein de sauts de coupures retournées, de saltos et tout ça. qui rentre pas trop mal, parce que en plus il a son style, ouais, en contre-plongée, tout ça, qu'on reconnaît aussi chez les autres héros, Black Widow et tout ça, ils ont tous leurs petits moves reconnaissables, donc ça c'est cool. Il y a de la Widow, son mot c'est de se suicider apparemment. Je quitte ce podcast, au revoir. Mais... mais Vesper, elle est trop bon public. On a perdu Vesper. C'est pour ça qu'il faut m'inviter à des trucs. Sur les combats, t'as aussi un côté. Ils cherchent à rendre des hommages très évidents. Ah oui, bah oui. Déjà, bon, la filmo de Jet Li qui était quand même un petit peu avec. Ah putain, merde. Aidez-moi. Hardball de héros. La muse de John Woo, comment il s'appelle déjà ? Yes. Merci, voilà. Donc ce mec-là, merci. C'est un peu comme Too Hard et Tigre et Dragon, quoi, tu vois. Bon, bref, donc il y avait Chow Yun-Fat, merci, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est la meilleure. Donc Chow Yun-Fat, effectivement, et Jet Li, surtout, qui est quand même le mec de Legend, qui est le mec qui a justement démocratisé le Warrior Foot historique. Pas ouf, Jet Li, quand même. Hein. Bah, quand même, tu vois. Une fois en Chine, la trilogie, tu rigoles. Pas terrible, frère. Pas terrible, Jet Li, quand même. Ouah, mais surcoté, surcoté. Le mec, tu balances. Non, je vous troll dans les héros, qui sont cons, ceux-là. Tu vois, évidemment, les hommages à Jet Li dans la mise en scène. Tu vois, la scène du bus, c'est du Jackie Chan pur jus. C'est vraiment le jeu combat avec l'environnement. Je fais plein de cabrioles. Je saute, je prends tel truc. Une toutoune qui est limite un peu rigolote. Et la roulade de poing à la Donnie Yen dans Hitman, justement, quand il voit un mec qui fait ta 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 ta. Et donc, quelque part, il cherche, je pense, si tu veux, à correspondre à des gens qui ont fait un meilleur travail qu'eux. C'est ça, parce que t'as jamais l'énergie des choses que ça convoque. Non, mais c'est un travail de copieur. C'est-à-dire que je pense que c'est des bons copieurs. En tout cas, c'est des copieurs qui ont fait un effort pour essayer de voir ce qui se faisait à droite à gauche, pour essayer de faire un truc mieux, quoi. Par rapport justement à ce qu'a pu faire Marvel Studios avec les scènes d'action de Spider-Man, où ils auraient très bien pu aller piocher chez Sam Raimi et dire « Et si on essayait de faire un truc aussi bien ?» que là, ils ne se sont pas du tout donné les moyens de faire ça. Pareil pour Hulk, hein, je veux dire, le Hulk d'Ang Lee, au niveau mise en scène, c'est quand même un autre délire que celui de Louis Leterrier. Big up, tu nous écoutes, Louis, tu parles français, donc tu écoutes peut-être ce podcast et t'es nul. Je suis sûr que c'est un gros fan. Tu vois. Oui, je suis probablement en plus. Mais après, il a déjà fait tourner Mouloud Achour, donc a priori, c'est vrai. On peut plus le sauver. Le mec est prêt à tout. Et donc, tu vois, c'est ça que moi je trouve un peu intéressant, c'est que mine de rien, il fait un petit peu un grand écart entre différentes façons de filmer le kung-fu. Ouais. Après, je le dis comme je le pense, pour moi, les deux tiers des combats, ils sont ratés. C'est vraiment le combat contre l'espèce de Kabuki, là, le deuxième henchman du. Ah oui, Death Giver, là, je sais pas. Ça, voilà. Ou là, pour le coup, c'est un reveal en plus. En fait, non. C'est juste le random méchant masqué. Non, c'est le Taxmaster, en fait. Non, mais tu vois, là, c'est l'inverse, c'est qu'il éclaire trop. C'est que t'es genre, ouais, t'as vu, il y a une publicité qui fait un grand écran et tout. Et du coup, ils ont compris ça, donc ils le mettent quasiment que en plan circulaire, en mode, allez, vas-y, battez-vous dessus. Et puis, en fait, t'as rien, alors que ce vilain-là a l'air d'avoir de la gueule et tout. Bah, en fait, il sert à air et il meurt limite en hors-champ, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Ils font un build-up de ouf pendant tout le film sur ce gars, et quand il retourne à la fin, je me dis ah ça y est, ça va. Et non, il est mort. En plus, il meurt façon Jurassic World, l'assistante quoi. Ouais, il se fait soulever et c'est tout. C'est vraiment un truc. Fait bon. Ouais, c'est un peu triste, non, mais je pensais qu'elle allait vraiment avoir une la vengeance quoi, tu vois. Razorfist quand même, bon bah qui est un vilain qui existe dans les comics, qui est un vilain ridicule mais qui existe dans les comics. Que là pour le coup, t'as vraiment cette scène qui est affreusement mal écrite à la Marvel Studios. Ouais, elle fait, il faut qu'on salie. Et il fait quoi ? Et il commence un monologue. Et tu te dis, ok, je vois comment ça va finir. Il va se faire buter. Il va dire ok. Voilà, et après il va faire, ouais, on devrait s'allier. Et t'as envie de dire, mais ça c'est mal écrit. Ça c'est horrible d'avoir ça dans un film comme ça. C'est comme quand à Aquafina, il y a un ninja qui arrive devant elle et qu'elle se met à chanter Hotel California. Dès qu'ils ont fait la vache, je savais qu'ils allaient. Mais ça tient. Non, ça tient. Ah si. Non mais si encore ils avaient fait une petite pause pour lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'elle allait faire, et là elle aurait réagi comme ça. Bah non, parce que justement on t'explique. Bah oui, mais parce qu'elle raconte l'anecdote la veille. Ça vous a fait rire ça, vous ? Bah oui, moi ça me fait rire. C'est vraiment beau public, madame. Hein. Bah après, si t'aimes pas Hotel California aussi, on peut en parler. Mais non, mais elle l'a raconté. Elle l'a raconté la veille. Donc ça, la rigueur, ça va. Tu fais ça, t'es en danger de mort là. C'est pas un bully qui va te casser la gueule. Mais non, mais c'est un ninja quoi. Mais oui, mais écoute. Tu peux pas te battre, excuse-moi, hein, tu peux pas te battre, donc tu tentes des trucs. Tu tentes de pousser, je sais pas. Mais tu peux pas tenter de le pousser, de toute façon, c'est un ninja, donc t'essaies de le déstabiliser. C'est le débat de collégiens. C'est qui le plus fort, les popotames ou l'éléphant? Non, mais... non mais en soi c'est quand même c'est super ramené, effectivement ça fait partie de toutes ces répliques qui de toute façon à chaque fois reviennent, c'est-à-dire qu'à un moment on sort un truc un très philosophique, il interviendra à la fin, on te sort l'anecdote de ouais j'ai chanté. Pour moi c'est le brunch de Flash dans Justice League. Tu vois, c'est. Ah non, non, non. On a droppé un élément il y a une demi-heure, rappelez-vous. Ah, regardez, c'est rigolo. Mais non, c'est. Non, parce que le brunch revient jamais dans Justice League. Il est juste droppé. Mais heureusement. Top 50 de Doctor Strange au début de Doctor Strange. Écoute, il n'y a pas de saucisses qui volent dans celui-là. C'est vrai que tu m'as convaincu. Il n'y a pas un grain de sésame qui tombe au ralenti d'un burger. Moi, je pense que ce grain de sésame pourrait aller aux Oscars. Et quand même la façon de filmer le burger chez Snyder, tu vois, c'est un vrai délire. C'est mieux filmé que Shang-Chi. C'est clairement la meilleure pub McDo que j'ai vue toute ma vie. Mais après, je suis d'accord. En fait, Razorfist, bon, qui est clairement un méchant ultra mineur dans les comics et tout, et assez. Ça a toujours été un plouc, quoi, clairement. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je pensais qu'ils allaient surjouer. Au début, ils ne parlent pas. Juste il se tape, il a l'air très ténu. C'est un peu à la Jay Courtner en Captain Boomerang, quoi. C'est un peu ça, je pensais qu'ils allaient... Déjà, quand tu dis Jay Courtner, t'as tout compris, tu vois. Pour le coup, c'est pas contre l'acteur qui est pas connu, qui a pas fait des merdes comme Jay Courtner et tout, mais juste le côté redneck et tout. J'adore ces scuds gratuits comme ça. La gratuité de la violence. Non mais le truc c'est qu'en plus c'est pas gratuit. C'est en plus j'ai vu genre il y a un mois j'ai vu un truc qui s'appelait genre Jolt où il est encore dedans avec Kate Beckinsale qui a besoin d'électrocution pour pas s'énerver et qui tuait des gens. Okay. Et bref, le pire c'est que tu me l'as vendu là comme ça, tu vois. C'est sur Prime Vidéo. Mais franchement, il est super gogol, mais c'est honteux, tu vois. Ça ressemble à Hypertension le film. Ouais. Ou alors, mais vraiment en version pas marrante en fait. Version Wish. Continue Splinter du coup. Et en fait, je pensais qu'ils allaient surjouer son côté redneck, parce que surtout quand tu vois la gueule de sa caisse, quand ils doivent prendre une caisse, et que le mec, un grave Razorfist écrit dessus, parce que sinon sur le pare-buffle aussi. Oui, non mais clairement c'est ça. Tu vois, c'est l'énorme 4x4 du bon robot texan et tout. Et je me suis dit, ah, bah, du coup, ils vont le jouer. Et en fait, ils le jouent jamais. C'est-à-dire que tout te dit que ce mec est un con, un bourrin et un plouc. Et en fait, le seul moment où ça aurait pu être marrant, c'est justement la réplique foireuse où tu dis, ah ouais, non, mais ça c'est même pas écrit, quoi. C'est en gros. C'est A plus B égale gag, mais du coup ça marche pas, quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'est un des premiers héros du Marvel Universe qu'on voit et à qui il manque un membre. C'est ce que je me suis dit, et qu'en fait il est capable de s'adapter en toute situation. Oui, c'est-à-dire qu'on va. Tu prends la lame magique à la place. Oui, en fait, il est dans un coin de l'écran. Il est méga déter. Hyper cool. Et ça aurait pu être un plan un peu plus classe pour lui. Mais je me suis dit, en fait, c'est une des rares personnes que j'aime si qui a en fait qui a un handicap physique, et je me suis dit en fait c'est marrant parce que c'est à la fois un méchant en même temps à la fin avec sa lame et tout, je le trouvais hyper badass et tout, genre c'est un gros beauf mais en plus clairement le mec serait mais le genre de mec à avoir un t-shirt avec un graphe handicapable, oui, évidemment. Un hashtag devant. Mais je trouve ça trop cool, en vrai je trouve ça trop cool parce qu'en fait je trouve que son design est stylé, genre il manque un bras mais il s'en fiche, le gars il va quand même, tu vois. Et c'est un peu Lunchman, et ça m'a fait dire qu'en fait le MCU incorpore aussi de plus en plus de héros qui ont parfois des invalidités type être sourd-muet. Il y a Echo, il y a la personne là dans Eternals aussi. Et je me suis dit c'est sympa, voilà, il y a Matt Murdock mais bon version voilà. Et du coup je me suis dit de plus en plus il y a War Machine. Techniquement, c'est juste qu'ils ont grave triché parce que et en fait je suis pote avec Tony Stark, donc c'est ça. Mais de plus en plus il y a aussi des héros un peu qui ont des infirmités comme ça, et je me dis en fait c'est sympa de voir que le mec il peut quand même casser des gueules en faisant ça. Je me suis dit c'est plutôt cool en fait. Et puis t'as l'ablation de l'utérus de Black Widow aussi. Non, mais c'est bien, c'est que t'as mis ta main au niveau de tes... Je cherchais le mot. Mais non, mais je cherchais le mot. Alors, Corentin, on va t'expliquer où se trouve l'utérus. Je sais très bien où se trouve l'utérus. Parce qu'a priori, il y a quelques leçons d'anatomie qui sont pas passées en 5e. Vas-y, montre-moi. Chacun son tour. Hein. Chacun son tour, Corentin. Non, mais je cherchais le mot. Oui, j'ai la main parce que je cherchais le mot. Donc, utérus. Vous n'avez pas la vidéo. Ah. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que du coup, ça faisait déjà une héroïne qui avait, entre guillemets... mais pas forcément une infirmité, mais un truc qui justement la décale un petit peu du côté bien portant. Oui, après ça avait créé une horrible polémique pour Avengers 2 sur la réplique. Oui, moi je suis comme toi. Je suis un monstre. Ouais. Oui, tout à fait. Alors il me dit pas je suis un monstre, mais quand le mec dit je suis un monstre, il fait ouais mais en fait moi on m'a fait ça donc je suis comme toi. Oui bon. Voilà, il y a quand même une diff entre un mec qui a un couteau à la place du bras et une nana à qui on retire l'utérus et qui dit je peux pas faire d'enfant et je suis un monstre. T'as aussi les paluches de Doctor Strange. C'est vrai. Techniquement, ouais, au départ, part comme un. C'est comme War Machine. Voilà, c'est sûr que dans Falcon et Winter Soldier, ils en parlent même pas. Enfin, le handicap de War Machine, c'est genre, il est en costume debout. Ça a disparu. Tu vois même pas qu'il a une sorte de prothèse ou quoi. C'est genre, non, c'est bon, c'est réglé. Voilà. Comme Felicity Smoke dans Arrow. Tu sais, en fait, il lui met une puce limite dans le colonne vertébrale. Et ça y est, c'est réparé, frérot. Allez hop. Bah, tu savais pas? Bah oui, j'ai pas découvert les puces. Ça aurait pu être une très bonne oracle. Voilà. Oui, c'est un point de vue. De toute façon, même techniquement, ça ils peuvent le faire à qui ils veulent depuis Black Panther, puisque t'as littéralement Martin Freeman qui est en mode genre je ne sens plus rien, c'est pas grave. Une boule de on va te mettre une boule de vibranium et c'est bon. Complètement. Bon, ok. Complètement. Après, je sais que dans les trucs en non dit hors écran, on va dire, mais qui auraient pu être faits et qui auraient pour le coup donné beaucoup plus d'intensité, de profondeur, là pour le coup au héros, parce que Razorfist ça reste un mec d'arrière-plan et tout, donc en vrai voilà, ça aurait pu être mieux fait, mais c'est pas handicapant de fou. Mais c'est surtout, je m'attendais vraiment, et je me suis dit ça c'est quand même super paresseux quand il admet face à sa meilleure amie, donc qui est Aquafina, que en fait il a tué l'assassin de sa mère, et que t'as zéro flashback. Bah oui, oui. Et tu dis, mais en plus là tu peux même pas te dire ok ils veulent pas le montrer parce que ça handicaperait l'image du super-héros, non, parce que ce serait lui version jeune, donc en fait t'aurais pas ce truc d'imagerie qui craignent, parce qu'en fait c'est ça qu'ils craignent à chaque fois qu'ils disent quelqu'un a fait un truc méchant mais c'est quand même un super-héros, on veut vendre des figurines, etc. Là ce serait sa version ado, tu peux même le montrer en train de pleurer, de pas être satisfait de ce qu'il a fait, vu que c'est ça qui engendre le fait qu'après il se barre. Et t'as juste la conversation et t'as rien d'autre. Et du coup, t'as juste un silence après. Et pour le coup, c'est pas assez bien joué pour moi pour être suffisamment intense par rapport aux propos. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que justement... Très bien. Il y a tellement de flashbacks que je pense que tu peux comprendre à quel point ça l'a marqué sans forcément le montrer. Moi, j'ai trouvé que limite les flashbacks étaient parfois mieux que les scènes du présent. Je sais pas ce que ça nous aurait apporté à nous en tant que spectateurs de le voir tuer l'assassin de sa mère, en fait. Moi, je sais que... Ouais, pour montrer qu'il en est capable, quoi. Enfin, qu'il l'a fait, tu vois. Ouais, mais moi, genre, je vis très bien avec l'idée qu'il a tué l'assassin de sa mère, mais qu'on nous le montre pas. J'ai pas ressenti de manque, non plus. J'ai pas ressenti de manque. Par contre, moi, ce que j'ai... Une de mes séquences, je pense, préférées du MCU, c'est de voir sa version gosse regarder son père en train de tuer des gens. J'adore cette séquence. Oui. Avec l'effet miroir et tout ça, j'ai trouvé que c'était à la fois très simple dans son dispositif et que ça fonctionnait de ouf parce que tu comprends très bien, sans forcément le voir en chair et en os, mais juste dans le miroir, de quoi il est capable, et tu vois la terreur du petit garçon. Et ça m'a suffi en tant que flashback parce que tu vois l'essentiel, à savoir qu'il est terrifié, en fait. Et je sais pas si ça m'aurait fait du bien en tant que spectatrice de le voir tuer, parce qu'au fond, c'est juste... Comme il dit à un moment donné, Wenwu, il dit les dettes du sang s'effacent par le sang, un truc du genre. Et moi, je pense qu'en fait, montrer la séquence, ça lui aurait donné en quelque sorte raison, alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est faux. C'est-à-dire, après, ça dépend comment il l'aurait mise en scène. Après, effectivement, je suis en train de spéculer totalement, mais pour moi, ça aurait été pas juste un assassinat, machin. Oui. C'est montrer après, le tourment de l'ado qui est après, peut-être qu'on va le voir, parce que moi, je sens aussi que le film est un peu en façon puzzle, en mode, il reste encore plein de choses à montrer, mais qui nécessitent un film 2. Et moi, je les vois très bien montrer le meurtre dans le film numéro 2, parce qu'il y a une vengeance de du fils de machin et tout ça. De toute façon, par rapport à sa sœur ou quoi, moi je les vois très bien limite se garder cette séquence pour plus tard. Et ça me dérange pas, parce qu'en l'état, je trouve que le film fonctionne très bien niveau flashbacks qui sont quand même assez longs en général, qui sont quand même très étalés dans le film. Et c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est quand même des flashbacks qui sont pas là en mode piou, piou, piou. C'est que c'est vraiment des séquences installé vraiment de A à Z avec un point A, un point B, un point C. Et je pense que c'est limite une scène que Marvel a dû se dire, peut-être effectivement que pour montrer un héros, c'est peut-être pas idéal de le montrer en train de tuer des gens. De Iron Man, on le voit tuer des gens quand même dans le film 1. Mais c'est des... On voit Wanda tuer des gens. On voit Captain tuer des gens. On voit Thor tuer des gens. Je pense pas qu'ils auraient ce souci avec Shang-Chi, mais je pense qu'en matière de narration, le fait qu'on te dise il l'a tué, je pense que ils s'attendaient. Niveau image, le fait, parce qu'en fait, je pense que c'est l'âge qui leur pose peut-être problème dans cette histoire. Je sais pas, parce que j'ai trouvé que ce sera un mec de 14 ans. J'ai trouvé que les deux jeunes Shang-Chi, les deux petits acteurs, se sortaient très bien. Mais, je veux dire niveau imagerie. que ça leur poserait peut-être problème d'avoir un ado, surtout que c'est pas un flingue, clairement, il va l'égorger, quoi, ou le planter ou quoi que ce soit. C'est possible, après il faudrait peut-être voir, mais moi je pense que c'est une scène qui peuvent se garder pour l'avenir, et en l'état d'origine story, on me dit j'ai tué l'assassin de ma mère. Ok, c'est bon, je sais que tu l'as fait parce que. Oui, en plus, c'est legit, ça va. Parce qu'en plus, qui n'a pas tué l'assassin de ses parents. Voilà, exactement, genre Bruce Wayne. Bruce Wayne, il l'a pas fait, ça traumatise pas mal. Bruce Wayne, s'il l'avait fait, on aurait tellement pas de comics en fait. Voilà. Ça aurait réglé le problème direct, hein. Mais en soi, moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, j'aurais limite aimé que la mort de la mère soit montrée d'une autre manière. Ça, le fait qu'elle se limite, elle se prépare à aller mourir et tout ça, c'est encore une femme au frigo, et genre, est-ce qu'on en a besoin en l'an 2021 ? Je ne pense pas. Non, parce qu'on la voit même pas se battre. Moi, je crois... On la voit juste morte, en fait. Ouais, hein. On entend des bruits, mais c'est tout. Je pense que c'est aussi un problème d'imagerie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment filmer l'assassinat d'une femme par 10 mecs qui lui foncent dessus, sans que ce soit très gênant. Et pourtant, elle aussi en tue beaucoup. Parce bien que tu vois tous les cadavres autour, les gars sont tous morts. Ah non, mais en fait, elle a terminé le truc. Oui, elle s'est fait terminer par le dernier, et quoi. Mais voilà, c'est ça qui s'est passé et tout. Mais je pense que niveau imagerie, ils ont ce blocage parce que vu qu'ils sont ultra premier degré et très littéral à chaque fois, ils doivent se dire non, en fait, ça on peut pas le faire. Après, là, j'ai ressenti le manque. Après, tous ces plans sur le petit Shang-Chi qui entend les bruits, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien aussi parce que tu vois son regard et tu comprends qu'il est en train d'être traumatisé à vie parce qu'il voit sa mère se faire défoncer sous ses yeux, tu vois. C'est comme l'assassin. Est-ce que c'est pas un peu pompé sur Snake Eyes, l'intro du film? On en reparlera dans le prochain podcast. Mais effectivement, ça m'a frustré parce que tu comprends que la mère est extrêmement puissante et tu le vois qu'une fois, en fait. Parce qu'après, elle a pu sa magie. Bah oui, mais tu vois, là, elle a pu sa magie, mais elle pourrait quand même. Enfin, la preuve, elle a tué plein de mecs. Elle termine 20 mecs sur 30, quoi. Ouais. Donc, mais je pense que justement, c'est là que t'as raison, c'est qu'en fait, à mon avis, ils auraient des scrupules à montrer. Ah oui, bien sûr, oui, je comprends parfaitement l'intention derrière, mais du coup, ça m'a frustré de voir la mère qui se prépare. Et après, elle est dead par terre et on voit les cadavres et ils vont se dire, ça se trouve, elle aurait pu avoir un moment extrêmement héroïque, incroyable de c'est la dernière chance, je sauve mes enfants. Aquafina qui tire une flèche, qui égorge le dragon, tu vois, quelque part. Oui, non, mais enfin. Voilà. De après, voir si t'as jamais lu Le Hobbit, ça doit être incroyablement surprenant. T'es un bâtard. Non, ça se fait pas, ce que tu fais là. C'est pas sympa. C'est moche. C'est vraiment moche. Non, mais moi, je trouve que le dernier acte, il est grave handicapé, non pas par lui-même, mais par le fait que ça passe par après passe après Game of Thrones. Donc, et après Yu-Gi-Oh, quand même. Et c'est vrai. Le dragon blanc aux yeux rouges, mon gars, tu connais. Et oui. 3000. Moi, je le connais uniquement grâce au mème exodial maudit. J'ai rassemblé 5 cartes. Je le connais que pour ça. Mais j'avais maté, mais trop bien, mec. Yu-Gi-Oh, c'est la vie. Non, moi, je matais Martin Mystère, en fait. Ça passait juste avant ou juste après sur Canal J. Canal J, pardon. C'était vachement bien aussi, Martin Mystère. C'était incroyable. On peut faire un podcast sur Martin Mystère, si vous préférez. C'est handicapé par Game of Thrones et par le fait que pour le coup je trouve leur design on va appeler ça le dragon méchant mais qui est pas du tout un dragon, le suceur d'âme méga suceur d'âme, le détraqueur, tu peux l'appeler. Qu'est-ce qui suce, purée. Concrètement, je trouve, évidemment c'est du déjà vu, mais je trouve que ça va, c'est-à-dire c'est suffisamment dégueu pour que tu dises ouais, ok, là c'est pas trop paresseux niveau design. Puis après ça introduit quand même, enfin je sais pas, on avait déjà eu le concept d'âme dans le MCU, tu veux dire Dark Souls, ouais, en plus c'est complètement des âmes de Dark Souls pour le coup. Ouais, t'as ça, ouais, c'est vrai que t'as vu ça, mais t'as vu cette représentation du, ah non, t'as pas la représentation, mais dans Doctor Strange ça se voit pas, voyage astral et tout aussi, tu vois le côté astral. En fait de toute façon, clairement, vu le dernier trailer du Spider-Man, enfin toute la mythologie de Doctor Strange va leur servir de plug à tout ce qui est mystique. Concrètement. Et là, comme ça, on pourra faire. Oh, c'est comme dans Doctor Strange, ils avaient tout anticipé, décidément, Marvel Studios. Ils sont trop forts. Hein. Quels architectes, c'est incroyable. On s'est pas pesanti dessus, mais WandaVision, qui drop Strange, Spider-Man 2, pardon, qui va dropper Strange. Ouais. Là, t'as encore du Strange, mais de manière assez présente quand même. Et Sam Raimi n'est toujours pas au courant de tout ça. Ouais, c'est bizarre. C'est devenu un petit peu vraiment leur nouveau point de focal. C'est le prochain Iron Man de toute façon, donc oui, effectivement. Ah oui, même dès le 1, hein. C'était le prochain Iron Man, tu vois. Et pour le coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, même au niveau de la mise en scène, du combat des anneaux, etc., tu reconnais un petit peu les fouets lumineux à la Strange et tout. Et d'ailleurs, le film finit par justement. Bah déjà, il y a un combat, donc contrairement à Doctor Strange à la fin. Il y a un truc très pauvre quand même sur le décor de ce combat en one-to-one de Wenwu contre Shang-Chi, où d'un coup, ça devient gris, c'est dans un décor ultra gris, ultra lumineux et tout, là, qui d'un coup. L'étalonnage est assez dramatique. En fait, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quand ils arrivent dans le village magique et qu'ils parlent à Michelle Yeoh pour la première fois. C'est du chant contre chant. En gros plan, c'est pas très joli. Et les lumières sont tellement ternes comparées à 2-3 scènes plus tôt, alors que c'est littéralement le même temps, la même température, le même jour, la même heure. Et je me suis dit, effectivement, il y a des gros soucis d'étalonnage. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, ça se ressent sur plusieurs séquences. Et je me dis, est-ce que soit ils ont pas eu le temps, ou est-ce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais je comprends pas comment même Bill Pope a pu laisser passer ça, en fait. Moi, je pense que c'est le même problème. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord sur le fait qu'ils sont super bien entourés. Parce qu'en fait, même en termes de cast, même si on peut avoir des réticences sur l'acteur principal et tout, en vrai, ça va, tu vois, ils ont fait quand même l'effort. Ouais, mais après, tu peux avoir un chef étoilé s'il est dans un McDo et qu'on lui dit de faire un Big Mac, en fait, il va faire un Big Mac. Dire, quoi, c'est que après, t'as le fait, quand, même pour le premier Thor, pour remonter et tout, ok, ils ont Kenneth Branagh derrière la caméra, le fait est que ça reste Thor par Marvel Studios et ça s'arrête là, quoi. Enfin, tu vois. Mais ça, justement, c'est une sorte aussi de signature move pour eux, je pense. Le plan poussière. Le plan, c'est gris. T'as un peu de la poussière qui vole. La CGI ressort mieux, donc voilà, c'est ça, tout. C'est, tu vois, t'as l'effet bleu, il y a Sonic. Et voilà, c'est la même colo que quand t'as Cap qui marche vers Thanos dans Endgame, avec pareil. Bon, mais c'est toujours, mais le bleu et l'orange, c'est la colo de tous les films, de tous les temps. Donc au bout d'un moment. C'est pour ça que moi, c'est le côté Puy du Fou avec des effets spéciaux, ça me. Mais faut arrêter avec le Puy du Fou. Non, mais c'est jamais. Genre, si tu fais un hommage à des films d'action asiatiques, comme justement Legend, etc., tu peux le faire sans avoir des lances qui font. Oui, mais là, de toute façon, il y a de la magie, donc enfin, tu t'acceptes. Mais la magie, c'est pas forcément besoin d'être. J'étais content de ce côté. Quand tu fais de la magie, il y a pas des rayons laser qui partent, tu vois. Oui, mais bon, ça rend mieux la magie. Mais pour revenir sur le suceur d'âme, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le méga suceur. Ouais, méga suceur d'âme. Méga suceur d'âme. Je trouve ça un peu dommage qu'en fait en fait, on voit l'histoire un peu avant sur la fresque en bois. Oui, alors ça, c'est le plan PowerPoint du film. Ouais. Voilà. Mais comme dans Guardians 2, comme dans tous les films. Et du coup, c'est un peu long. Et en plus, je trouve ça dommage de me faire spoiler un peu le design du suceur d'âme, parce que quand il sort, t'es là. Oui, je m'attendais à un autre truc. Ouais. Du coup, je sais pas, t'as une attente, t'as une espèce de dissonance entre. Putain, ils ont repris le design de Cthulhu avec. Non, pas du tout. C'est un zerg de StarCraft. Attends, je vais vous trouver le en question. C'est complètement un zerg. Mais du coup, c'est vrai que c'était bizarre entre le moment où tu vois la fresque et ça. Ça fait 2 semaines que. Arrête de couper la parole. Pardon, ça fait 2 semaines que je me demande à quoi ça ressemble. Vas-y, continue. Oui, non, mais je t'en prie, je te laisse googler StarCraft en attendant. StarCraft zerg. Mais ouais, et du coup je sais pas, je trouvais ça bizarre en fait. T'as une dissonance entre ce que t'attends, ce que tu vois, et du coup tu te fais un peu spoiler le truc parce que t'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent. T'as les petits machins, les petits démons qui sortent avant, et là tu le vois, t'es là, ah oui, bah moi je suis assez d'accord. Ouais, c'est stylé, je crois vraiment qu'ils avaient réinterprété les designs pour la fresque entre guillemets. Ouais. Mais en fait c'est vraiment c'est du coup clairement quoi. C'est mais ça c'est dommage. Mais après moi j'aime bien quand ça part en duel de kaiju là, enfin. Non, puis il y a un petit côté. Moi, je suis OK, hein. Final Fantasy, l'écriture de l'esprit, le film de. C'est je m'attendais pas à ce qu'on invoque ce film. C'est un très bon film, je tiens à le dire, qui justement pareil, très poulpe, et qui avait ce côté justement les créatures qui enlèvent les âmes en les touchant, tu vois, qui là pour le coup donne un truc un peu plus cruel, je trouve quand même, tu vois, c'est quand vraiment, à part bon là, c'est Tony Leung qui a le temps de dire au revoir à son gamin et tout, mais quand justement l'espèce de ninja Kabuki là, il se fait choper son âme hors champ, t'es vraiment en mode ah ouais non il est pas juste mort, on lui pique son âme pour la filer à bouffer. Ouais, pour qu'il mange. Grave, tu vois, surtout, t'as pas de. Mais je pensais que les âmes allaient. Je pensais vraiment, je me suis dit, ouais, c'est un film Marvel. Quand il va crever, en fait, les âmes vont sortir et vont réintégrer les corps, en fait. Ouais, non, quand tu vois la fin où ils sont tous tristes. Ils sont tous tristes, et qu'on voit vraiment tous les cadavres de tout le monde quand ils reviennent sur la rive et tout. Dans et tout, donc juste avant la cérémonie, je me suis dit, en fait, ils vont réintégrer les corps des gens, et en fait non, donc ça a donné une belle cérémonie funéraire. Pareil, quand il chope le dragon pour lui piquer son âme, t'es en mode moi avec les petits lampions quoi. Quand même c'est mon dragon, tu fous la paix, tu vois. Après le problème c'est que ils arrivent quand même après pour faire Game of Thrones, une comparaison encore plus conne. Non, après Suicide Squad. Oh là là. Après Starro, qui fonctionne de la même façon, mais qui est drôle. Alors que là, c'est lui, tu regardes le truc, tu fais oui, bon, bah, ok, bon, je vais compter les minutes avant que tu crèves. Et puis ça, ça, mais alors, moi, c'est marrant, mais j'ai eu un bref instant où je me suis dit, ils vont faire crever la sœur. Et c'est le genre de pensée où tu te dis pas ils vont faire crever la sœur, parce que c'est un film Marvel, que t'as déjà eu le père qui est mort, t'as eu le mentor d'Aquafina qui vient de crever de manière hyper brusque, et ça je trouvais ça très réussi, genre tu t'attends à ce que c'est un peu son mentor, en fait non, après c'est le speed mentor hyper brusque. Mais ça fonctionne, il y a des cours de tir à l'arc pendant 2 jours, ça suffit. Et... mais en fait je trouve que tu ressens un petit peu le choc, parce que même si elle tombe pas, je trouve qu'elle le joue bien en mode ah ouais, non, je suis merde, ça y est, c'est fini, je suis devant, je peux pas reculer, tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont laisser mourir la sœur ? Et c'est quand il lui dit, non, je t'abandonnerai plus, que je me suis dit, bon, ok, elle meurt pas. Mais il y a eu ce petit moment de suspense que j'ai pas eu depuis un bail dans un film de super-héros. Je me suis dit, est-ce que ce personnage va mourir ou rester vivant ? Et je me suis dit, j'ai une petite tension, parce que on te parle des liens de la famille, qu'il faut parfois les laisser tomber, qu'il faut parfois les laisser aller. Et tu te dis, où est-ce que se situe la sœur dans ce truc-là ? Et j'ai trouvé ça... Mais j'ai trouvé ce moment vachement touchant entre les deux. C'était genre, Alexa, play Fleetwood Mac, The Chain, tu vois. Ouais. Je me suis dit ça pendant ce moment-là, tu vois. Et au moins, ça marchait, je trouve, en matière d'intensité familiale, qu'au moins, ils reconnectent dans ce moment-là. Je me suis dit, oh, il y a un truc. Ouais, mais tu sais bien que, de toute façon, dans ce genre d'univers, il n'y a qu'une seule chose qui compte. It's family. C'est la famille. Ah merci Dominique. Et par contre, du coup, ça invalide encore plus la fin. Moi, j'ai un truc important à dire, c'est qu'on parlait du Puy du Fou tout à l'heure. Et... il y a un jeu vidéo qui va sortir. Oui, qui va sortir, bien sûr. Un jeu vidéo Puy du Fou. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, c'est bon. C'est pas une vanne, c'est totalement réel. Après l'émission d'M6 où tu retournais dans le temps avec le Puy du Fou. C'est ça. Mais du coup, tu gères pas le parc du Puy du Fou comme un jeu Jurassic Park. Non, malheureusement. L'aventure de chevalier. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'espère juste qu'il y aura des trucs où t'as les enfants de Villiers qui sont sur le... Il m'a coupé la parole pour dire ça. Oui. Voilà. Reprends ce que tu voulais dire, Corentin. Je voulais juste dire que ça rend la trahison de la sœur à la fin. La trahison de la sœur. C'est pas une trahison. Le côté, la sœur va devenir la méchante. Pour vous, c'est sûr qu'elle devient la méchante. Mais bien sûr. Mais tu vis dans un monde de bisounours ou quoi, Splinter ? Il lui dit ouais, elle est en train de démanteler le truc, et en fait pas du tout. Oui, elle a pris la place du daron. Elle a pris la place du daron, mais elle devient pas méchante. Mais c'est une organisation de méchants. Ah oui. Donc du coup, elle est méchante. Ils vont pas commencer à installer des ponts et à traverser la rue. T'as vu comment elle est assise sur le siège ? Ça veut dire qu'elle est méchante. Oui, c'est une pose de méchante, de boss et tout. Y a pas de souci. Bah évidemment. J'étais très déçue de pas entendre la chanson d'Ariana Grande. Ok. C'est quoi la chanson ? C'est d'une Nicki Minaj ? Ouais, non, je sais plus. Je sais plus qui c'est qui est dessus. J'ai pas vérifié. Je crois que du coup, c'est vraiment la girl boss en mode. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une sorte de. Elle va être dans la zone grise. Genre, ça a pas de lien. Non, elle est méchante. Mais en plus, elle forme des meufs et tout ça, donc ça va clairement être le message genre, ah, maintenant, le pouvoir. C'est ça, voilà, le pouvoir est aux femmes et tout, gna gna gna. Ce qui m'a perturbé, c'est les graffitis où les meufs étaient masquées, mais genre vraiment les masques Covid, pas les masques. C'est parce qu'en fait, ils jouent le truc, bon, qui est très caricatural, c'est que c'est comme si elle avait étendu sa chambre à l'ensemble du truc. C'est-à-dire que les trucs qu'elle a dans sa chambre, alors pas les affiches, mais le côté graphe, maintenant, c'est sûr. Oui, non, mais c'est le fait que ce soit des meufs masquées, en fait. C'est Swahili qui chante, du coup. Ah, d'accord. Voilà. Qui était sur la BO de Birds of Prey aussi. Ouais. Et de Spider-Verse aussi. Et qui était dans l'émission de Paris Hilton quand elle fait sur Sunflower, il y a Swahili. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, elle fait des tacos avec Paris Hilton sur Netflix. Je recommande, c'est une émission incroyable. C'est n'importe quoi, ce podcast. C'est n'importe quoi. Non, mais honnêtement, moi, je suis désolé de ne pas avoir les mêmes références culturelles. Vous êtes les pires invités. Je ne vous plus jamais. Je ne vous réinvite plus jamais. Mais du coup, non, moi, je suis dans mon innocence. Pour moi, elle est dans la zone grise. Elle est pas méchante. Elle est dans la zone noire. Bélirim, mais grandit un peu. Je suis désolé. Mais alors, par contre, tout à l'heure, je parlais moi de la ref à The Book of Boba Fett, qui est donc la scène post-gène de The Mandalorian et tout ça. Mais j'ai l'impression que les deux personnages vont être un peu. C'est un peu le même prototype de personnage, un peu dans la même zone grise, en mode je suis cool, mais en fait je suis un peu méchant. Ce que aime Disney, en fait, à la fois mettre des personnages un peu anti-héros en avant, qui ont un bon cœur, mais qui sont quand même un peu méchants. Et je serais pas étonné que la sœur de Shang-Chi appartienne à cette catégorie. Mais oui, c'est sûr, parce qu'elle va faire ses exactions et machin, et puis à un moment, il y a Shang-Chi qui va faire vas-y, ma sœur, elle savait dit que tu allais démanteler. Voilà, c'est un peu Walton Goggins dans Justified, tu vois. C'est-à-dire que c'est. j'ai pas vu Justified en série. C'est genre, c'est jamais moi, c'est Shane de The Shield, donc. Oui, mais je t'ai déjà dit, Matt Justified. Oui, c'est parce que c'est jamais vraiment le vilain, même si c'est un néo-nazi au départ, c'est jamais vraiment le vilain. Et en fait, il revient régulièrement en mode. Belle phrase. C'est l'allié gangster du flic qui a tous les contacts et qui peut l'aider, mais qui va toujours agir pour son propre compte, etc. Le côté vraiment le personnage gris par excellence, tu vois. Qui le rend, même il y a un petit côté Turk aussi de Daredevil, à la limite, si on prend un comparatif comique, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un héros, c'est pas un gangster, c'est à la fois le pote du héros, mais à la fois c'est un méchant. Sauf qu'il a priori il va moins se faire bolosser par son frère. Ouais. Mais pour le coup, je l'ai vraiment vu moi en mode de Baron Mordo, quoi. Alors, je voulais juste rebondir sur parce que du coup, Sen tout à l'heure parlait en préambule parlait des costumes et je voulais qu'on revienne un peu là-dessus et pour filer la métaphore de Black Panther de tout à l'heure, autant Black Panther, je trouve que tous les costumes étaient incroyables, enfin l'afrofuturisme et tout, c'était ça a donné des superbes costumes et là quand tu vois les costumes définitifs chacun son avis, voilà, je vois des haussements d'épaule dans l'assistance. On est écaille de dragon, visiblement. Ouais, voilà. Et là, les deux costumes, donc, du coup, bah, du frère et de la sœur, là, enfin. C'est chum, on dirait vraiment un espèce de truc en latex. Il s'est mis un t-shirt par-dessus son jean. C'est Vanda. Ouais, c'est Scarlet Witch. C'est ça. Ouais, à la rigueur, Scarlet Witch, je peux encore accepter elle son costume, pas le costume de la sorcière qui était horrible, on aurait cru un paillasson. Mais là, ouais, du coup, en tant que qu'amatrice de beaux tissus, j'ai été un peu déçue. La mère a des beaux costumes parce que c'est vraiment le côté c'est la nature. Tu vois, c'est le décalage. Le truc ancien dans l'ancienne époque en fait par rapport au temps présent. Même les fringues civiles en général, je veux dire, le mec qui habille ou la mec ou la meuf qui habille Tony Leung, il s'est fait plaisir, tu vois. La moindre scène, il est en petite chemise. Ouais, ça lui va bien. Non, mais tout lui va. Donc, il va demander de sa femme, tu sais, son petit costume vert qui est super cintré. Et tout. Franchement, le mec il porte ça, c'est un putain de dandy, tu vois. Et après, tu le vois en costume de super vilain. Bon, ils ont fait un effort pour lui, je trouve quand même, parce qu'après, il a une présence naturelle, etc. Mais tu vois directement, c'est un vilain des Power Rangers, tu vois. C'est ça, mais même toi, Aquafina, ça me va parce qu'elle a vraiment son outfit de meuf de son âge aux États-Unis avec un pantalon marrant, sa banane et tout, enfin et des vestes très stylées. J'aimais beaucoup ces vestes. Ouais, elle a un petit style sympa. Mais sinon, tout ce qui devait être un peu sympa en mode, on vient d'un pays qui n'a jamais, enfin d'un territoire qui n'a jamais été découvert, à l'abri de tous. Et à un moment, ils se rhabillent quand ils font leurs 3 jours de training et tout. Et après, ils remettent des trucs moches. Enfin, j'aime bien la tenue verte de la sœur de Shang-Chi. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, ah ouais, là, c'est bien, il y a un petit effort de fait. Mais sinon, c'est hyper uniformisé. T'as l'impression que ça a été produit à la chaîne en mode usine à gaz. Faut qu'on te fasse 500 costumes de ça. Bah, tu nous fais les mêmes sans aucune nuance. Je t'avoue que ça m'a même pas marqué en fait. J'ai même pas fait gaffe. C'est dommage, mais moi ça m'a marqué depuis le premier trailer, vraiment. Et j'étais en mode, mais je trouve que Shang-Chi, t'as l'impression que ça rend pas du tout hommage à ce que pourrait être les Écailles de Dragon. Moi, je m'attendais à un meilleur effet. T'as l'impression que c'est le même effet sur le costume, effectivement, que sur les lances, mais que sur les lances, c'est mieux retranscrit sur les costumes. C'est trop bizarre. Mais en plus, justement, après Game of Thrones, pour le coup, on parlait. Tu vois, tout est lié. Game of Thrones, ils avaient fait des beaux costumes qui sont inspirés justement de tout ce qui est type écaille de dragon pour tout ce qui était pour Daenerys. Et il y a moyen de faire des beaux costumes liés à ça. Et tu te dis, justement, Black Panther, on te fait découvrir toute une culture qui est quand même inspirée d'une vraie culture, mais qui est super avancée et qui arrive à mixer différentes influences pour faire quelque chose de très beau, enfin à la fois moderne, entre tradition et modernité. Qui est vraiment super super beau et tout. C'était vraiment un des trucs que j'avais préféré dans Black Panther et je me suis dit, il y a vraiment moyen de faire des costumes fabuleux, vraiment avec des justement qui soient liés à la chorégraphie, avec les pans de tissu qui volent, enfin des choses comme ça. Quand on évoquait aussi donc ça évoquait Tigre et Dragon et tout, j'aime beaucoup aussi Détective D par exemple, et là les costumes, tout ce qui est par exemple chorégraphie et les costumes qui rendent hommage à la chorégraphie où ça bouge dans tous les sens et c'est trop beau et ça rend super bien. En même temps, voilà, il sait ce qu'il fait. En fait, c'est marrant, mais c'est juste 8 lettres, un réalisateur. Voilà. C'est beau. C'est beau. Mais après sur la question des costumes. Et là on l'avait pas du tout, Sur la question des costumes, le truc c'est que c'est un petit studio quoi, c'est Marvel Studios, ils ont pas trop de budget non plus. C'est ça, voilà. Faut les honnêtement, c'est le même truc qu'on disait tout à l'heure où t'es obligé d'être blasé par rapport aux effets spéciaux et aux utilisations. Mais c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, tu vois Vendavision, genre chaque pièce de costume de Vendavision a une importance historique, a une importance dans le récit qui est exemplaire. par rapport à Shang-Chi, où t'as l'impression que chaque tenue est interchangeable, alors que on sait à quel point ils accordent une grande importance à tout ce qui est costume et tout ça. Et ça me refait penser la fin de Shang-Chi, la deuxième scène post générique, me refait penser à Luke Cage, où en fait on voit Luke Cage en costume, en costard jaune, impeccable, en référence à son costume dans les comics, qui a un sens justement esthétique, narratif, tout ce que tu veux. Et qui a une fin un peu à celle de la sorte de Shang-Chi, puisqu'il prend le contrôle de club, tout ça. Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser à Luke Cage, sauf que là, je trouve que le costume de la sœur de Shang-Chi n'évoque rien, si ce n'est un côté un peu girl boss bitch et tout ça. Là, Luke Cage, je trouve qu'en un costume, il t'évoquait tellement d'histoires du comics par rapport à la sœur de Shang-Chi, et je trouve que limite, Luke Cage a mieux réussi cet aspect, je suis un héros qui termine en tant que leader un peu du truc de méchant, que la sœur de Shang-Chi. Donc à voir, parce que a priori la sœur de Shang-Chi aura plus d'opportunités de montrer ce qu'elle vaut par rapport à Luke Cage, mais je trouve que ça fait vraiment redite, quoi. Cette scène post-gène, j'ai encore un goût amer dans la bouche, quoi. Mais c'est quand même pas du tout la même chose, parce que c'est Marvel Télévision et ils ont toujours fait plus d'efforts que Marvel Studios. Si. Bah, le costume de Kilgrave, par exemple, pour rendre le Purple Man en l'évoquant, sans en faire un type violet, c'était super intelligent. Matt Murdock, à chaque scène, je dis bien Matt Murdock, pas Daredevil, à chaque scène, il pue, il sort de la case de comics, vraiment. Le Kingpin, pareil, quand il passe devant ses costumes blancs, il est instantanément culte, tu vois. Que Marvel Studios... Pardon, mais le costume de Spider-Man depuis 3 films qu'on se tape, là, il est affreux. Enfin, je veux dire... c'est Iron Man avec une araignée dessus. Voilà, c'est Iron Spider. Il a même les yeux qui brillent. Maintenant, c'est ridicule. Il faisait cet effort-là au début. Après, l'excuse, c'est qu'ils prennent le Ultimate de Civil War quand il a son truc donné par Tony Stark. C'est une période qui dure moins de 2 ans et puis merde, quoi. Enfin, non, mais c'est l'excuse. Spider-Man, de base, c'est le tissu qui est intéressant. Ça va, tu vas avoir les 2 autres qui vont se radiner. Tu vas toujours pas être content. Ouais, c'est ça, voilà. Je serais pas content du tout. S'ils me salissent Spider-Man 2 et 3, enfin 1 et 2 de Rémi, je suis pas être content du tout, non. Mais tu vois, par exemple, le costume de Doctor Strange, typiquement, il est bien branlé. Ouais, il est super beau. Voilà, j'adore les costumes dans Doctor Strange. Pour le coup, sauf dans le trailer de Spider-Man où il a littéralement un polaire et sa cape par-dessus. Alors, tu sais que j'ai pas voulu voir ce trailer, mais bon, forcément, tout le monde a partagé ce screen. Donc je l'ai vu et je me suis senti un peu sale. Ça me bute, le mec en parka avec sa cape par-dessus. Mais ça pour moi c'est Cameron, en fait, c'est un rappeur. Oui, bah oui, c'est ça, voilà. Mais c'est un mec de New York, je comprends pas pourquoi. Quelle serait la raison qui mais en fait les classes, c'est tout. Justement, j'accorde toujours une grande importance aux costumes, et surtout Disney, ils font quand même attention à ça, c'est-à-dire que souvent les films sont pas incroyables, mais au moins de ce côté-là, niveau production value, ils font un effort, que ce soit pour leur film live. Tu trouves? Tu vois, bah genre pour Cruella par exemple, les costumes sont incroyables. Oui, parce qu'il y avait le délire de la mode et de la création dans le film. Même Mulan, je trouvais que alors il faudrait que je le revoie là, mais de mémoire, les costumes, ça n'arrivera pas. Alors les costumes de Mulan, ça a été fait par une nana qui a passé 2 semaines en Chine et qui a un peu visité les musées à Londres, genre le British Museum. Elle a fait des vlogs ou pas? Comme moi. Non, mais c'est limite à la limite du vlog, parce qu'elle expliquait à l'avant-première, alors j'ai passé 2 semaines en Chine et j'ai vu un peu les musées à Londres, ce qu'ils proposaient en matière de costumes, et j'ai fait mes costumes. Ah, dame. Et voilà. Échec total. Faut savoir que je la connais pas, mais je la déteste déjà. Non, mais voilà, il y avait vraiment moyen de faire de très beaux costumes. C'est pas comme si c'était un genre qui était neuf. Je veux dire, tout le temps se réinventer. Encore une fois, je vais reparler de Legend de Jet Li, mais dans le film, il a 3 costumes différents qui sont grosso modo la variation du même costume, avec des différentes nuances de noir. Mais juste ça donne un narratif sur quelle version de l'histoire à raconter. À la... aide-moi, c'est le film de Kagemusha ou le film de... Rashomon, voilà, Rashomon, c'est ce que Legend, c'est une sorte, voilà, Kurosawa, merci. C'est une sorte de remake de Rashomon, et juste ça, tu vois, c'est beau, c'est noble, c'est stylé, et c'est pratique pour combattre. Et t'y crois, en fait. Et moi, c'est marrant, mais j'ai beaucoup pensé au Secret des poignards volants. J'ai pensé à Hiro aussi, avec Jet Li. En fait, où chaque séquence a tous les personnages ont des costumes de la même couleur. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'impression que le film cherchait à obtenir cette sorte d'homogénéité de toutes les couleurs, mais qui réussissait jamais. Là où Hiro, pendant 30 minutes, t'as juste des personnages qui se parlent, ils sont des costumes en bleu. Et puis t'as une scène de guerre, ils sont tous, je sais plus la couleur, je suis vraiment désolée, mais soit en rouge ou un truc du genre. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose, mais en beaucoup moins réussi. Et ça m'a énormément frustrée, mais ça m'a donné envie de revoir tous ces films. Donc j'ai envie de dire qu'au moins, il y a un effet positif à tout ça, quoi. C'est que si ça peut amener un public hyper occidental allez voir ces films-là, j'ai envie de dire que c'est pas forcément perdu, quoi. Ouais. Après, j'essaie d'être positive. Si tu vois un groupe avec des gens qui sont tous habillés en rouge, moi je peux revoir Roméo et Juliette de Presburvie qui sont à moitié en rouge, à moitié en bleu, moi je les ai vus. Et qui chantent voilà. Aimer. Exactement, moi j'en vois Damien Sargue, il n'y a pas de. C'est Tony Leung qui chante ça en fait. Oh là, waouh, je signe direct Tony Leung à la place de Damien Sargue, et pourtant j'aime Damien Sargue. Mais ça y est, on l'a perdu à l'entrain d'imaginer. Quand il y a des ninjas masqués, ça peut te faire penser aux gangs des foot, des films Tortues Ninja. Ben oui, non, mais il y a tout un... Bah oui, oui. Enfin, pour... non, du coup... Pour avoir oui, plein de ça, trucs, mais... Non, j'allais dire, c'est dans Daredevil, mais en fait, c'est la main dans Daredevil et c'est le... Oui, c'est le pied dans le... Oui, oui, ça, les Tortues Ninja sont clairement une parodie ouverte. Bien sûr. Jusqu'à l'origine story. Donc voilà, pour le petit point costume, mais c'est vrai que... au niveau des costumes, quand même, justement, excuse-moi, mais le ninja Kabuki qui combat... Enfin, qui est... Il est stylé, lui. Voilà. C'est ça qui est d'autant plus frustrant. Oui, mais c'est genre, c'est Captain Phasma, lui, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. C'est genre, tu le vois à l'écran, tu dis, waouh, il doit avoir une importance incroyable parce qu'on lui en donne une et qu'en plus, il a un costume qui se démarque des autres et donc il a une histoire et tout. Et puis en fait, il meurt comme une merde, comme Phasma. En plus, il te l'installe en flashback, genre c'était lui l'instructeur le plus dur avec Shang-Chi. Il se passe rien autour. Le problème, c'est que si t'es un personnage Marvel mais que tu peux pas faire de blagues parce que tu parles pas. En général, tu te fais buter assez vite. Je pense. Parce que c'est vraiment ça, à mon avis. Razorfist, il reste pour faire des blagues à la fin. Parce qu'en vrai, il a aucune. Les blagues sont bâclées. Non, elles sont pourries, mais il a aucune présence à l'écran, Razorfist. Tu vois, comme non, mais il est pas gâté. Je sais pas si c'est l'acteur qui est mauvais. C'est pour ça que je le connais pas. Donc le truc. On va quand même mettre un mec non asiatique dans les personnages qu'on voit, tu vois, pour que les gens puissent s'identifier. C'est pour que Tony Leung parle anglais quand il donne ses. C'est quand même le deuxième acteur roumain du MCU après Sebastian Stan. Et pour une fois, il respecte ses origines. J'ai envie de dire, c'est ce genre de. C'est pas un champion de catch ou un truc comme ça. Bah, il a un peu le physique. Ou de MMA, un truc comme ça. Ça doit être un sportif. Ou alors c'est un acteur d'action qui faisait des figures avant. C'est pas un acteur, à la base. C'est un mec qui vient de la MMA ou du catch. Ça se voit un peu de toute façon. Enfin. D'accord. Mais du coup, c'est un problème parce que ça se voit que c'est pas un acteur aussi. C'est comme Georges Saint-Pierre qui fait. Hey Captain America, tu vas voir. Oh là là, ouais. En fait, il parlait de l'accent québécois, mais je sais pas ce que c'était, mais c'était intéressant. Non, mais même quand il fait l'habit, fait pas le moine avec cet accent dans Falcon et Winter Soldier. Incroyable. Mais c'est merveilleux. L'habit ne fait pas le moine. Terroriste algérien français qui parle avec l'accent canadien, moi ça me tue tout le temps. Ils sont tellement essuyés les pompes sur la francophonie. Vous parlez tous français, faites pas chier. Déjà, ils parlent français, moi je vois pas pourquoi vous vous plaignez. Je veux que tu dises aux autres qu'on s'arrache dans 15 minutes. Juste ça me bute à chaque fois que je revois le film. Mais bref, de quoi on parlait juste avant ? De Razorfist. Ouais, voilà, de Razorfist. Mais justement, Razorfist, c'est le gimmick du James Bond, enfin, du James Bond vilain. Oui, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Il a un truc physique. Voilà, ou les ongles du mec dans Spectre, qui est en fait le gars, grosso modo, c'est juste un bourrin avec. Mais du coup, les deux se contredisent un peu. Sacré Dave Bautista. Oui, mais de ouf. Il a fait une belle carrière. Bah, il a fait une belle carrière, mais dans ce film-là, il sert à rien pour le coup. Oui, mais c'est drôle. Oui. Bautista, mine de rien, il s'en sort bien parce que son pote c'est Denis Villeneuve, donc il s'en sort. Ouais, mais totalement. Il est dans Dune, là, il fait sa carrière et tout, tranquille. Là, en espérant qu'il soit pas autant sous-côté que dans Blade Runner. Et ce sera probablement pas le tueur parce que ce serait trop évident que ce soit un mec comme ça qui soit le tueur. Mais le pire, c'est que c'est un bête d'acteur en vrai. Ce mec. Mais je trouve qu'il est bon. C'est vraiment. C'est trop bizarre parce qu'il y a aucun. Ça dévie un peu là. Mais non, les catcheurs sont des acteurs aussi. Ils ont des personnages à incarner du tout du long. John Cena, on en a parlé pour ce sujet. Et John Cena, il a commencé dans des films de merde comme The Marine et tout ça, mais après il s'améliore aussi, c'est ça. Mais John Cena, c'est un peu comme Chris Hemsworth, c'est un mec qui sait pas vraiment jouer. Donc non, mais le truc c'est que le truc c'est que réellement le catch, et tout le monde le dit, c'est du cinéma, mais parce que au-delà des combats, t'as des vraies scènes de dialogue entre les personnages. Il faut savoir jouer. C'est différent de jouer un répliquant avec des petites lunettes. Non, mais bien sûr, mais c'est notre forme, mais c'est pas déconnant que des acteurs deviennent ensuite des stars du cinéma parce que j'ai pas du catcheurs qui cumulent tout quoi. C'est d'ailleurs, pourquoi on parle de ça après, je sais pas, parce que ce podcast n'est que digression. Ah oui, un peu. Est-ce que c'est pas à l'image du film finalement? Mais revenons sur un truc. Un melting pot d'influence. Bah si, parce qu'en fait, le truc n'intéresse personne et t'es obligé de dire ouais, mais il y a aussi Wong, il y a l'Abomination. Non, bah non, parce que non. Revenons sur un truc, Arnaud. Oui. Le score musical. Oui, bah moi j'ai bien aimé. Il est sympathique. Il est très bien. Il est de bonne qualité. C'est vrai que je l'ai bien aimé moi aussi. Que Splinter était pas super fan. Après, moi je suis un vrai Yanklit, c'est sonorité. Moi c'est les ting 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 où tu fais non, c'est trop facile. Mais moi ça marche en fait. Moi je t'avoue que ça marche. Évidemment, ils allaient pas s'en passer. C'était. Bah il faut savoir que ce compositeur, donc Joel P. West, en fait c'est le compositeur de Destin Cretton. de Destin Cretton, il a fait tous ses films. Donc, c'est pas hyper étonnant de le voir là, et j'ai envie de dire, bah en fait, si le gars a pu s'entourer de ses collaborateurs habituels, et bah tant mieux, c'est comme Ryan Coogler qui a amené Ludwig Göransson sur Creed, il a eu l'Oscar. Donc au final, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien, et j'ai trouvé qu'il apportait beaucoup d'émotions à certains moments, là où d'autres c'est juste rien à branler. Mais là, il apporte vraiment, je trouve, de l'émotion, des nuances avec des accents un peu asiatiques que t'entends à chaque fois, tous les mêmes instruments que t'entends à chaque fois, c'est un peu cliché. Mais j'ai trouvé que dans les moments d'intensité et d'émotion, il apportait un truc qui permettait justement d'accompagner un peu ce que tentait de faire Cretton avec sa mise en scène. Donc, je trouve que le boulot et le contrat est plutôt rempli. On remarque la musique. On la remarque. Ouais, je suis d'accord. Mais de la même façon, non, mais de la même façon que sur Black Panther, t'arrivais vraiment à vraiment bien entendre le mélange justement des sonorités de Ludwig Göransson. Et là, je trouve que c'est pareil. Et puis après, moi personnellement, enfin, j'ai pas raconté ma life, mais je faisais souvent des morceaux comme ça aussi au saxophone machin. Et du coup, non, mais j'adore vraiment ce genre de truc. Ça peut être très cliché, mais les têtes comme ça, très oriental, très typique et tout ça. Mais en vrai, moi, je trouve que ça fonctionne du tonnerre. En tout cas, moi, sur mon oreille, ça prend de ouf. Et du coup, notamment sur l'intro et tout ça, qui est en plus qui est complètement quand même calqué sur celle de Black Panther aussi, où on te refait le récit de la légende il y a 1000 ans et machin, mais ça marche en fait, tu vois, parce que c'est bien, ça reste bien composé en fait, ça va pas non plus réinventer. C'est quand même du niveau de PNL chiki, tu vois, c'est t'attends un démo qui arrive qui fait Ching Chong et voilà, enfin c'est quand même un truc où non, c'est ultra cliché. J'ai pas compris le tiers des mots que tu viens de dire. Je trouve pas. En fait, chiki c'est un clip qui a été supprimé de PNL parce qu'ils ont pas clearé le sample. Et en fait, t'avais un couplet où Ademo fait je parle pas ching chong pour dire je parle pas chinois, tu vois, genre c'est quand même moins raciste que ça. Donc... Et l'instru était, enfin le truc était, le sample était cramé parce que, enfin, et c'est, on était sur du ting. Moi, je pense qu'on est plus au niveau de Wing Chun de Kokra. Ah ouais. Et là je te séduis là. Ouais, complètement. Ouais, là tu m'as eu. Mais tu vois, c'est que c'est pas évidemment, que ce soit si cliché que ça en vrai. Alors moi je te dis pas ça sur tout la musique du film, c'est-à-dire que je trouve que les thèmes des personnages, les thèmes quand il y a de l'émotion totalement, les musiques d'ambiance par contre où c'est littéralement ting ting, là tu dis ah oh, putain les gars quand même. Encore une fois, vous avez plus... Attends, on entend Old Town Road dans le film quand même. Donc... Ça c'est vrai effectivement. J'ai explosé de rire parce qu'en plus dans le générique, dédicace à Quentin qui va sûrement nous écouter, qui pensait que Trent Reznor et Atticus Ross étaient impliqués dans la BO pour aider ou quoi. Et en fait non, c'est juste que c'est eux qui ont été à l'origine du sample que Lil Nas X a utilisé pour Old Town Road. Et non, pas encore, mais je pense qu'un jour ils finiront par s'occuper d'un Marvel, ça me semble inévitable. Mais je dirais que non, finalement, les musiques additionnelles, même la musique d'Anderson Paak pour le générique, ça va, c'est cool. Non, mais la musique est assez cool, en fait, ils ont capté un truc qui pour le coup est vraiment américano-américain. Ouais. C'est que il y a les gars, les meufs d'ailleurs, les asiatiques d'une certaine génération d'immigrés. De fils d'immigrés d'ailleurs plutôt, embrasse totalement la culture afro-américaine en fait. C'est un truc que tu vois dans pas mal de séries. Et ça remonte même au mouvement du Black Panther parce qu'il y avait même des... j'ai plus le nom de l'activiste mais qui avait fait le Péril Jaune soutient le Black Panther en fait. Yellow Péril. Machin. Donc c'est vrai que c'est... Entre l'Asian Exploitation et la Black Exploitation. Il y a un vrai effectivement, mix, ça avait les connexions où effectivement la Black Exploitation c'était aussi des kiffeurs de Kung Fu. Ouais, tout était méga caricatural évidemment. Mais mettait ce truc-là et ça a perduré en fait. Et Black vu qu'ils vendent le personnage de Shang-Chi adapté à la vie américaine en tant que jeune mec cool, en fait c'est pas déconnant qu'il y ait ce truc là intégré à la BO du film parce que Anderson Paak, encore une fois, c'est très bon hein, ce qu'il fait, c'est pas le plus gros vendeur tu vois en tant que chanteur R&B et tout ce que tu veux, mais par contre c'est quali. Et c'est un mec qui est reconnu pour ça. Complètement. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien vu dans la sélection des sons qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils leur font pas du bourrinage de tube du moment. Non, mais après, ce qui est quand même ils l'ont dommage, un peu bien cerné. Ce que je trouve limite dommage à aimer, c'est que ça aurait été pas mal de choisir quelqu'un pour incarner aussi un album direct, comme ce qu'ils ont fait avec Kendrick Lamar sur Black Panther. Tu vois, ils auraient pu prendre un artiste qui puisse chapeauter. Parce qu'au final, c'était quand même un vrai projet artistique. Il y avait des vrais bangers dessus, quoi. Et c'était, c'est quand même très différent parce que. Enfin, je veux pas du coup dire un truc grave ou quoi, mais il y a quand même beaucoup moins d'asiatiques que de noirs aux États-Unis, en tout cas leur présence dans la pop culture. Ouais, mais c'est pas une raison pour pas le faire. Tu vois, de tête, si tu demandes de me citer 5 rappeurs asiatiques, tu vois, c'est plus compliqué que. Ah, mais moi je suis incapable de te le faire, mais j'aurais apprécié justement que Marvel Studios, qui est, on le rappelle, le premier studio du monde, a les moyens d'aller chercher ces personnes asiatiques, tu veux dire, aux États-Unis, bah, soit asiatiques, mais parce que même sur l'album de Black Panther, il y a des chanteuses sud-africaines, pardon, qui sont dessus. Donc ouais, c'est pas du tout impossible pour eux. Enfin, je pense qu'ils ont quand même les meilleurs chasseurs de tête du monde, quoi. Donc ils peuvent très bien les trouver. Après, quand les mecs disent que le film est une expérience, je pense qu'en fait ça résume. Non. Alors attends, je t'arrête tout de suite. Ils l'ont pas buildé. Non. Mais le commentaire de l'expérience, c'était juste sur le fait que ça allait sortir uniquement au cinéma et pas sur Disney+ par rapport aux autres films. C'est tout. Il y a rien d'autre là-dessus. C'est déjà premier, enfin, il serait pas permis de dire ça. C'est juste un modèle de sortie. Mais c'est juste. Il y a la façon de communiquer dessus. Tu vois, ils auraient pas dit ça de Black Panther. Non, mais le truc, c'est que si. Oui, non, mais le truc. Même si sortait de Disney+. Mais ça n'a rien à voir, confond pas les trucs vraiment. C'est le truc de l'expérience, c'est un faux bad buzz qui a été orchestré parce que le mec a pas su lire un truc, le mec a juste dit ça va être intéressant de regarder parce qu'il est asiatique, c'est ça que Non, c'est pas ça, c'est que Chapek a eu un discours où il a juste dit ça va être une expérience parce que ils ont sorti tous leurs films précédemment sur Disney+, là c'est le premier Marvel Studios qui sort pas simultanément, enfin juste par rapport à Black Widow. Simulio, il a juste lu le titre du truc, il a pas lu l'article, du coup il a fait ouais, on n'est pas une expérience, on est les outsiders, je sais pas quoi. C'est un misunderstanding complet et ça n'a aucun intérêt. Pardon. Le film n'a pas été bossé pour être le Black Panther asiatique. Bah le truc c'est que t'en sais rien parce que le contexte fait que de toute façon on pourra jamais avoir le recul par rapport à ça. Pas la même. Black Panther, c'est un film qui normalement devrait se passer en Afrique, tu vois, typiquement, mais il regarde quand même très très violemment sur les tueries des noirs à Los Angeles par la police, tu vois. C'est moins politique et c'est moins le truc c'est que Ryan Coogler, quand il te fait terminer son film à Auckland avec des jeunes garçons noirs qui regardent le vaisseau futuriste du Wakanda arriver, c'est Ryan Coogler qui te dit j'aurais aimé avoir quelqu'un du Wakanda pour m'aider. Je trouve que Black Panther, malgré tous ses défauts, est un film très personnel pour Ryan Coogler dans sa manière d'être afro-américain et d'être noir aux États-Unis par rapport à Destin Cretton, qui est un réalisateur que j'aime énormément, qui a d'ailleurs fait La Voix de la Justice, qui parle justement d'une injustice par rapport à un afro-américain qui se fait accuser de meurtre. C'est Michael B. Jordan en plus. C'est Jamie Foxx et Michael B. Jordan et Brie Larson. Oui, voilà. Ce qui va être très important pour ce dont on va parler tout à l'heure. Mais justement, je trouve qu'il y a plus de... Il y a un rapport plus intime, je trouve, dans Black Panther que dans Shang-Chi par rapport à Destin Cretton, qui est pourtant un très bon réalisateur. Mais parce qu'il y a beaucoup moins, de commentaires dans le film. Mais après, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, mais Black Panther était quand même ciblé pour le public afro-américain, et pas pour le public africain. Et de fait, ça va avec une culture musicale qui est pas du tout la même. C'est sûr. L'implantation asiatique aux États-Unis, c'est quand même beaucoup moins présent, en tout cas dans ces sphères-là. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es Marvel Studios, t'as le moyen de mettre en avant les gens qui font quand même partie de cette culture, même s'ils sont moins présents et moins visibles. Après, t'as quand même Marvel qui va sortir un album de chansons Shang-Chi sur le même modèle que celui de Black Panther. Ouais, mais c'est pas. Non, c'est les deux films du MCU qui ont le droit à cet honneur. C'est quand même pas la même chose parce que c'est pas un album chapeauté par la même personne, c'est plus une Shang-Chi The Soundtrack comme Suicide Squad The Album, tu vois, c'est plein de gens différents. Tortue Ninja 2 avec l'incroyable morceau Shell Shocked. Non, mais vraiment, le truc, c'est que l'album de Kendrick Lamar était vraiment un projet très, très piloté par Kendrick Lamar et que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Après, n'a pas eu d'équivalent. Moi, il y a un truc, c'est que dans... Je sais plus quel clip tiré de cet album-là, donc qui était évidemment une production... c'était backé par Disney Marvel. Et en fait, ils se sont fait attaquer parce qu'ils ont juste pris les créations d'une artiste, justement, africaine. Il lui avait demandé avant, il avait dit non, j'ai pas envie de participer à votre truc, et donc ils l'ont juste pris. Donc en fait, tout ce qu'on aime, ça c'est le côté américain. Et voilà, c'est le côté Disney Marvel et Kendrick du coup qui était dans la boucle. Et en fait, je préfère qu'ils ne le fassent pas plutôt qu'ils pillent. Non, mais dans ce cas, s'ils le font, qu'ils le fassent bien effectivement, ça bien sûr, faut le demander aussi quoi. Et surtout qu'en plus, Aquafina c'est une chanteuse au départ. Ouais, c'est vrai clairement la dernière chanson que t'entends dans le générique, c'est sa reprise à elle d'Hotel California. Oui, complètement. C'est comme dans Free Guy, tu entends la reprise de Jodie Comer de j'ai oublié le truc, mais Fantasy de Mariah Carey. Voilà. Incroyable moment dans Free Guy. Non, c'est de la merde. Free Guy, c'est horrible. Il a détesté le film. Ah oui. Moi, j'adorais la ref à Mariah Carey. Et Channing Tatum. C'est très bon. Tout ça pour dire que le score est bien. Voilà. Est-ce qu'on parle juste du coup de l'intégration MCU aussi pour boucler avec notamment surtout la première scène post-générique. On a déjà évoqué tout ce qui était Iron Man et compagnie, donc grosso modo, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé Trevor Slattery au final quoi, mais il est marrant. Moi je m'attendais à ce qu'il revienne en fait. Ouais, autant qu'il soit pas là. Dès que en fait je m'étais dit soit ils le mettent pas, mais ça veut dire qu'il y a zéro allusion, mais quand le mec à table Tony Leung se met à dire vous aux États-Unis machin truc, je dis ouais ok, clairement il va apparaître d'une façon ou d'une autre, et quand tu commences à voir le bruit, j'étais sûr que c'était lui en entendant le bruit, et en fait moi je me suis fait spoiler parce que Ben Kingsley a participé à des interviews groupées avec tout le cast, puis même Marvel Studios, j'étais un peu deg quand même parce que même si je l'aurais reconnu, j'aurais bien aimé ne pas forcément arriver dans le film en sachant qu'il arriverait. Ouais, mais même Marvel Studios a été très con là-dessus parce qu'ils ont mis en ligne en fait le court-métrage All Hail the King sur Disney+, avec dans le résumé en attendant le retour de Trevor Slattery dans Shang-Chi. Ah oui. Alors vraiment, ils l'ont mis comme ça quoi. Et pour le coup, tu vois, ça je l'avais pas vu. Enfin moi, c'est un pote qui m'a dit qu'il y aurait un caméo intéressant, et quand j'ai vu Wong, je me suis dit du coup, c'est ça le caméo. Et quand après Trevor revient, clairement c'est pas un pote de qualité, parce que si t'estimes que c'est ça pour lui un caméo, c'est un excellent pote. Bravo. Je trouve qu'il a une grille de lecture différente de la mienne. Arrête de juger les potes des autres, s'il te plaît, Splinter. Moi, quand Trevor revient, je te dis, c'est vraiment le moment où j'ai eu peur que le film bascule dans la merde Marvel, tu vois, en mode on va dans le cabotinage, ce gagueur fou qui va. Toutes ses répliques vont être que des gags. Et alors, déjà, ça commence parce qu'il a quand même son boulot, c'est d'être traducteur pour une bête qui n'a pas de visage. Des ailes. Ah mais cette mascotte de merde aussi par contre. Non, c'est dégueulasse. Il n'a pas de visage. On va être partagé là-dessus. Il n'a pas de visage, il ne doit pas vivre. Moi je trouve ça horrible. On peut pas faire de peluche là-dessus. Tu sais ce que c'est, Corentin? C'est le chien dans le voyage de Chihiro. Non, le chien dans les trois frères. Non, dans les trois frères, ou qu'il est le cucu, ou qu'il est la tête. Tu vois, c'est exactement ça quoi. Ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous montrer son visage à la façon d'un Flerken dans Captain Marvel, en mode hyper dentu, hyper reveal. Ça. Et j'étais très contente que ce soit juste une créature hyper mignonne. Non, elle est nulle. Mais il a des ailes de papillon, il est trop mignon. Tu peux pas vendre du merch là-dessus, personne ne veut ça. En fait, l'idée, moi, je vois en quoi c'est. En quoi c'est weird cute, on va dire, mais le fait que ça devienne un élément d'exposition qui sert à débloquer le labyrinthe et compagnie, ça m'a saoulé. C'est vraiment en mode. C'est qu'en fait, clairement, Trevor est tellement chez père. Il peut rien faire tout seul, et vu qu'il pouvait pas avoir de guide humain. Ah mais en fait, regardez cette créature trop mignonne. Non mais c'est ça. Elle va nous servir de guide. Non mais c'est clairement ça. Enfin c'est. Après je trouve ça. Après c'est mignon le truc de vous la voyez aussi, elle existe vraiment. Voilà ouais, ça c'est drôle. Ça c'était marrant. Parce que clairement tu vois c'est comme le truc en fait c'est presque un décalque du reveal de Trevor dans Iron Man 3 quand il parle de son rapport aux drogues et fait du coup ils ont promis de vous faire arrêter. Non, ne m'en donnez plus. Et là c'est l'inverse, mais du coup le mec est en rehab obligé, et du coup il a complètement vrillé, et du coup il est plus sûr de ce qu'il voit, ce qu'il entend. En plus il est seul tout, même sans la drogue, je pense que c'est quand même dingue. T'imagines Jean-Michel Kabuki avec Razorfist qui vient le choper pour le tuer, et le mec il se met à jouer du Macbeth, et du coup ils sont en mode genre putain il joue bien ce bâtard. Ouais, non mais ça marche pas comme ça la vie. Alors ça quand ils l'ont dit, mais c'est un film. Ça quand ils l'ont dit concrètement, tu rigoles, mais c'est l'histoire de... Putain, comment il s'appelle ? Bref, Ben Stiller dans Tropic Thunder. Oui, c'est exactement ça. Simple Jack. C'est Simple Jack. C'est-à-dire que le mec se fait soulever par des mecs qui sont là pour le buter. Ah, mais attends, t'es un acteur. C'est Simple Jack, on est fan, gros. Et donc, le truc qui est drôle, c'est Trevor qui le raconte. Donc, je dis, ok, donc là, vous en êtes au point, on n'en a plus rien à foutre. Mais du coup, par ce prisme, du coup, ça m'a sauvé la scène, tu vois. Si maintenant que j'imagine Simple Jack, ça va mieux. Moi, j'imagine quand même très mal Tony Leung qui est en face de ce. Voilà, ça, c'est un problème, par contre. Tu vois, qui jouerait comme Ben Kingsley joue face à Tony Leung, qui jouerait comme Tony Leung joue. Il y a un truc qui marche pas, tu vois. C'est pour ça que la scène n'est pas montrée. Je comprends que ce flashback n'existe pas. Ah oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'il le garde juste pour le défoncer de temps en temps, tu vois, pour se faire les mains, et du coup c'est vrai qu'il est un peu taré. C'est vrai que s'ils avaient montré la scène, je pense que ta suspension de crédibilité serait pas passée. Ou alors c'est vraiment tu le joues en gag absurde jusqu'au bout, c'est-à-dire que Tony Leung, le vrai mandarin, est tellement consterné et surpris que c'est ça. Ouais, genre, en fait, tu mérites pas que je te tue. Mettez-le là, mettez-le là-bas. Ouais, c'est clair. Et c'est comme quand Ronan voit Star-Lord danser devant lui. Ouais, oui, voilà. Non, mais voilà, ce serait le même genre d'absurde que aussi la scène de théâtre dans Thor Ragnarok. Tu vois, c'est genre un truc vraiment trop décalé où du coup tu peux absolument pas prendre ça. Sauf que du coup, on n'est pas dans un film de Taika Waititi. On t'a déjà fait la même vanne en disant Aquafina chante Hotel California et du coup, ça stoppe le gars. Donc du coup, on peut pas trop faire deux fois la même scène où t'es tellement surpris qu'en fait, tu. En plus, je m'étais demandé par rapport au karaoké, en fait, et donc du coup. Je fais le connard, j'ai demandé à un pote asiate, est-ce que genre c'est un cliché le fait que ce soit les deux seuls persos Marvel Studios, hein. Et truc m'a dit non, ça c'est un truc d'occidental, c'est pas du tout un truc qui est censé être machin. Ouais. Bah, même dans Lost in Translation, tu les vois, l'une des meilleures séquences du film, c'est ils font un karaoké au Japon à Tokyo, quoi. C'est ça. Bah alors justement, c'est si vous écoutez le podcast Yabai, un podcast sur des expatriés français qui se font au Japon, et ils ont fait un épisode sur le karaoké justement. Et ils expliquent qu'en fait, culturellement, au Japon, en tout cas, je dis pas en Chine ou en Corée, j'en sais rien. Au Japon, c'est vraiment un truc de baiser. C'est vraiment, c'est comme, je sais pas, nous, qu'est-ce qu'on a, la pétanque. Tu vois, c'est. Non, alors toi, peut-être. C'est la pétanque japonaise, tu vois, grosso modo. Et vraiment, il y a des machines, tu sais, qui ont toutes les chansons du monde. T'as des karaokés de cul, en fait, quand tu chantes bien, il y en a une meuf qui se dessape et tout. Des karaokés. Des karaokés, incroyable. Écoutez le podcast Yabai, voilà, je fais un bisou à d'autres animateurs. Mais bref, tout ça pour dire, grosso modo, que. Ça, en tout cas, s'ils cherchent de ce côté-là, enfin, du côté Japon, c'est vrai. Okay. Après, au niveau chinois, j'avoue, j'en sais rien du tout. Bah, alors, du coup, lui, enfin, moi, ce qu'on m'a dit, en gros, c'était le côté, parce qu'effectivement, c'est pas des Japonais dans le film, mais en gros, c'est pas gênant ni choquant parce que c'est un truc d'occidental, en fait. Et donc, c'est pas, effectivement, il se trouve que là. Mais en plus, ils chantent aux États-Unis, donc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc culturel qui serait lié dans le truc. Mais du coup, moi, c'était le seul doute que j'avais. Ils ont l'air de vivre dans un quartier en mode Chinatown, mais à San Francisco, tu vois littéralement que des Asiatiques. Même leur hôtel. Leur caisse et tout ça pour les épiciers et tout ça. Donc, c'est quand même, ils vivent quand même dans un quartier très spécifique de San Francisco, et ça prouve quand même que il y a un point d'ancrage pour eux aux États-Unis, à San Francisco plus précisément, qui est bien foutu, tu vois. C'est comme dans Always Be My Maybe avec Randall Park et Ali. Oui, c'est ça. Ou pareil, t'as ce côté asian 3e. Meilleur rôle de Keanu Reeves aussi. Ils sont vraiment très américains. Et d'ailleurs, dans ce film-là, t'as Randall Park qui fait en fait des morceaux de rap justement pour scinder justement le côté les Asiatiques sont fans des pop culture et tout, dont le morceau de rap I Punch Keanu Reeves. Ouais. Qui est un morceau extraordinaire qui fait le générique de fin justement, et peut-être tout cas des références rap dans le film, mais c'est pareil, tu vois, où t'as le côté Randall Park qui fait partie du MCU, oui tout à fait, qui est l'agent Wu, oui ça, qui fait les cours de magie avec sa qu'il a appris et qui est peut-être le premier héros gay du MCU au départ, parce qu'il propose un date à Ant-Man à un moment donné mais il faut le capter quand même, c'est vrai, parce qu'en fait t'as Ant-Man qui fait une réplique un peu snarky en mode bah vas-y à la revoyure et tout. Et le mec le prend méga premier. Ouais, il fait, mais tu veux faire un resto ou un truc et tout, tu vois, vraiment. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Arnaud, on te dérange, tu nous dis? Non, tu ne déranges pas du tout. Continue. Donc le lien avec Marvel Studios, l'univers. Voilà, la fin. Alors déjà, de base, première scène, pas génial. T'as un côté. Alors avant ça, c'est que il montre l'idée qu'il y a plusieurs cités dans leur dimension magico-dragonique, etc. Kunlun. Voilà, donc c'est la porte ouverte aux cités des armes secrètes à la Kunlun. Ah oui, d'accord. Voilà, donc probablement, s'ils veulent dropper le Iron Fist et les différents personnages qui vont avec. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie de dropper Iron Fist, mais bon. Bah, moi, je pense qu'il serait bien de le réécrire justement en mettant de côté notre ami Finn Jones. Oh là là. Là, il est temps de passer à autre chose. C'était compliqué. Hein. Il y a eu un trailer dernièrement sur Iron Fist. Oui, voilà. C'est tellement dur. C'est compliqué. Hein. Bah, écoute, mais pourtant le personnage est hyper bien. D'ailleurs, Matt Fraction et Bob Baker, qui ont aussi contribué à réécrire l'histoire du Mandarin, ont écrit un très bon volume avec David Hara. Qui est un peu la préquelle du Hawkeye de David Hara d'ailleurs. Puis avec Harry Andros aussi. Quoi. Tout à fait. Et donc il y a ça. Évidemment, t'as l'Abomination. Du coup, ça, on l'a dit. Wong, forcément. T'as Wong. Et donc la première scène. Ça, c'est tellement basique aussi. Ouais, sur la fin, du coup, venez. Enfin, vraiment l'intégration du genre. Bon, tout le film, c'est ce que disait Vesper avant, c'est que tout le film peut se dérouler sans aucun lien avec le reste du MCU. T'as une mention oubliée, tout ça. Puis à la fin, t'as quand même Monk qui doit faire. Ouais, maintenant, c'est ça, ce que ça va être votre avenir et tout ça. Pourquoi on sait pas, parce qu'ils ont peut-être capté qu'effectivement il s'est battu avec un dragon, je sais pas quoi, tu sais même pas comment ils sont au courant en fait des exactions et tout ça. Bah, c'est pour ça que je te dis la partie Doctor Strange ça devient leur plug absolu pour. Bah de toute façon tu fais un trou parce que quand il active les anneaux en fait ils le sentent à Shantara. Oui ils le sentent à l'autre bout du monde, c'est logique parce qu'ils le sentent à Shantara quand Shang-Chi les récupère mais pas quand le Mandarin les utilisait. C'est juste les anneaux jaunes. En 93 le MCU n'existait pas monsieur. Tu sais genre les grands anciens. Si t'avais Captain Marvel. Elle n'était pas là, elle était partie dans l'espace. l'espace. Oui, n'oublie pas Captain Marvel, quand t'es dans l'espace, elle écoute plus personne, elle s'en fout. Tu vois, t'avais déjà des mecs à la Grand Ancien, Tilda Swinton. Prouve-le. D'accord. Tu m'as convaincu. T'avais Ant-Man qui faisait des missions secrètes et tout, tu vois. Putain, c'est vrai, par contre. Oui, et même Killmonger en mode commando. Enfin, t'avais plein de mecs qui ont droppé avant. Oui, parce que t'avais déjà des gens en activité, hein, effectivement. Voilà. Mais donc, du coup, t'as cette scène-là où ils interrogent sur l'origine des anneaux. Et alors, c'est pas cosmique, c'est pas scientifique, c'est pas magique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est Arnaud. C'est les Eternals. C'est les Eternals, forcément, puisqu'ils sont là depuis l'origine du monde. Donc avant tous ces mecs-là. Après, moi, je le dis comme ça, mais j'en suis pas, enfin, j'en suis pas convaincu à 100%. Quoi, moi, quand tu me lis, ça m'a paru logique parce qu'effectivement, c'est le film d'après. Ouais. Et il faut introduire l'idée qu'en fait, il y a des éléments qu'on ne peut pas expliquer avec tous les bouts du lore. Et donc, bah, effectivement, les Eternals, c'est divin. C'est pas magique, c'est pas super, c'est pas scientifique, c'est pas cosmique. C'est juste divin. C'est semi-cosmique, hein, parce que c'est juste des manipulations des Célestials sur l'espèce humaine. Quoi. Oui, donc, mais justement, c'est un peu les enfants des dieux qui ont créé l'univers. Donc, tu vois, il y a un côté vraiment hors champ. Parce que pour rappel, les anneaux, on dit au début du film, soit il les a trouvés dans un cratère, soit il les a volés dans la tombe d'un mort. Donc, c'est quand même deux interprétations. J'aurais bien aimé qu'ils les volent dans la tombe d'un mort, en fait. Ça aurait été assez stylé, mais je pense que c'est plus un cratère, voilà. Dans le cratère. Mais en même temps, Voldemort a bien piqué la baguette de Dumbledore dans son cercueil, tu vois. Dans le cratère formé par un célestial qui était de passage sur Terre. Et oui, ça va être comme ça, quoi. Mais après, je sais pas si vous avez d'autres théories par rapport à ce truc. Après, c'est vraiment que cette scène-là est juste pour... En fait, moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas d'explication. Oui, non, mais c'est ça. On était assez d'accord là-dessus, c'est que parfois, des trucs sans explication, c'est bien aussi. C'est bien, plutôt que de rajouter tout aux chausse-pieds. Moi, j'aimais bien l'idée que... L'idée un peu de mystère, que chacun puisse se faire son avis là-dessus. C'est comme la mort du Mandarin, de Tony Leung, finalement. Tu vois, pas besoin de réplique, juste ça passe par le non-dit, t'es content, tu vois. Ouais. Bah non, mais voilà. Donc, effectivement, pareil, de me dire, on sait pas comment il les a chopés, comme ça ou comme ça, les deux raisons sont un peu stylées. Donc, il les a, en fait, c'est ça le plus important. Hein, Et ça marche. Mais je comprends, évidemment, qu'on est dans un... Enfin, dans le MCU, cette idée de balise m'intrigue. T'es obligé de tout justifier. Surtout que je trouve que cette scène est quand même mal branlée, parce que justement, on est juste là pour dire, ouais, c'est ancien et c'est une balise, pourquoi, et on te donne rien de plus non plus. Mais le truc, c'est que... Enfin, moi, je veux bien qu'on te donne rien et qu'on laisse planer le mystère et tout ça, mais le truc, c'est que dans les dialogues, en fait, t'as l'impression vraiment qu'ils savent pas ce qu'ils foutent là, en fait, tu vois. Ouais, mais moi je pense qu'au moment de l'écriture ils ont pas du tout la suite parce que c'est trop tôt. Quand je dis la suite, c'est pas Shang-Chi 2, c'est même l'univers Marvel. Quand même ils prévoient. C'est peut-être un truc de Kang. C'est Kang qui a ramené ça. Il y a des, wow, par contre, ce qui est intéressant, c'est que... le truc, c'est que ça peut être... Ce qui est intéressant... C'est Mephisto. Ce qui est intéressant, c'est que le film Eternals t'annonce que la fin du monde aura lieu sous 7 jours parce qu'il y a des forces en mouvement qui vont buter la Terre. Elle est extrêmement moche. Et qu'il y a des balises dans les anneaux qui préviennent. Et je suis en train de me dire, est-ce que ces anneaux sont pas des balises qui vont avoir leur importance dans Eternals pour les prévenir d'un truc ou je ne sais quoi? Ouais, mais... Parce qu'on sait pas quand se déroule le film, si ce n'est que c'est post-blip, parce que t'as des panneaux anxiety, post-blip et tout ça. Oui, mais après ça remonte dans le temps aussi, quoi. C'est des motherbox de... C'est qu'elles émettent un signal. Alors, ce qui est con, c'est que du coup, elles émettent un signal depuis 1000 ans, quand même, et que personne n'est venu en mode genre, c'est à moi, ça. Bah, de toute façon, dans les Eternals, ils vont avoir ce fameux truc d'expliquer au début du film. Mais en fait, on était là depuis le début. Ça, ils l'ont déjà fait dans le trailer. Ils ont fait dans le trailer. Je sais. Vous étiez pas là. Mais en gros, tu sens qu'il va y avoir une discussion là-dessus de oui, machin, on n'intervient pas. Ouais, mais à la limite, le Watcher, c'est vraiment sa nature. C'est son rôle. Même littéralement son blaze. Ouais, mais c'est gênant à chaque fois. Parce qu'il est pareil pour Captain Marvel en disant pourquoi t'as rien fait depuis le début? Ah, j'étais dans l'espace, je faisais des trucs. Enfin, oui, en fait, à chaque fois qu'on réintroduit des personnages, même post Loki, tout ça, même Loki, la TVA. Bon, maintenant on a l'explication, mais c'est vrai que plus ça va. Et en fait, c'est ça le problème un peu de MCU, c'est que plus ça va, plus c'est difficile d'expliquer ce qui se passe avant tout ce qu'on a vu. Et plus ça va, et plus ça va être difficile pour eux. Donc je suis très curieuse de savoir comment ils vont s'en tirer. Parce que la TVA, seule chose à dire, vos gueules, c'est magique. Et tout ça, mais... Là, ça va être plus chaud à expliquer. C'est magique. À la limite, Kang, il vient du futur. Par contre, tu vois, là, le Mandarin, il a une organisation qui agit dans les ténèbres, qui fait tomber des empires, exactement comme les Widows, juste un film plus tôt. Hein. Ouais. Et en fait, depuis toujours, et Hydra. Hydra. En fait, t'as combien de gens qui font des bails incroyables que personne ne sait. Bah, voilà. Quand les mecs ils vont dire qu'il y a les X-Men, mais vraiment en mode genre depuis le début on était là, mais on pouvait pas intervenir, en mode genre mais arrêtez mais là, non, putain, mais non, mais parce que tu vas, en fait, mais non, parce que tu vas avoir un événement qui va activer le gène X. Tu vas avoir un retcon pour X-Men, ils peuvent pas faire. Non, mais si, mais non, mais ça veut dire qu'il y a les mutants en général, donc non, ça devient horrible en fait. Mais non, mais tu fais juste un événement qui fait activer le gène X sur la population et d'un coup les mutants apparaissent et puis voilà, c'est tout. Mais ça, par contre, c'est vraiment une origine de merde. Oui, parce que toute l'histoire de Magneto. Tu veux voir comment? Ça y est, bah, vu que les mecs ils sont à fond sur leur multiverse, je pense qu'ils vont plutôt aller vers là que vers l'activation du gène X. Alors que un multiverse c'est vachement plus moins de la merde. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le côté historique des persos peut pas marcher si c'est ce que tu dis. Bon, ça dépend qui tu intègres. Parce que tout le temps, ça veut dire Xavier et Magneto étaient là au début, façon. Ou alors ça veut dire qu'ils se coupent la jambe sur la moitié des stories X-Men. Non mais je pense qu'on reste sur le multivers. Si après ils décident de faire des histoires de X-Men sans forcément se baser que sur Claremont, ouais, ça peut être aussi intéressant de pas aller repomper les histoires qui ont déjà été faites. L'historique des X-Men. Tu reprends une activation du gène X, les mutants apparaissent pas, ils essayent de faire une nation mutante. Politiquement indépendant de tout ça. Il est animé là. Ça fait House of X de Hickman et tout ça. Ça n'a aucun intérêt si Magneto n'a pas vécu ce qu'il a vécu. Mais tu le fais sans Magneto. Mais fais-le sans Magneto. C'est pour ça que je te dis, si tu fais ça, tu te coupes les jambes. Non mais il y a assez de. Non mais après c'est un autre débat. Là t'es déjà en train de dire, ok tu le fais sans Magneto. Enfin, tu vois t'es déjà sur un truc où tu. Genre on a vu Quicksilver sans Magneto, ce que ça. On a déjà eu 15 ans de Magneto. On peut peut-être faire autre chose que Magneto ou pas? Non on peut pas. Tu vas te calmer bordel. Tu vas te calmer. C'est comme dire on fait Wolverine. Mais pareil, tu fais Wolverine sans les 200 ans d'histoire qui vient avant. Non, mais on fait plus Wolverine, c'est bon. On fait plus Wolverine aussi, moi je suis d'accord. Moi je vote pour plus faire Wolverine. Mais non, c'est bon, on a compris. Ah, vous voulez un X-Men sans Magneto, sans Wolverine? Non, en fait, Xavier, il sert à rien, Xavier. Non, mais en gros, on s'en branle, les gars, putain. En gros, dans ta vision, ça veut dire limite, il démarre AVX en fait. Il démarre direct Avengers. Non, mais pas forcément, mais juste que tu peux. Si t'actives le Gen X d'un coup comme ça. Même juste Mystique, toute sa vie, elle a super son apparence, tu vois. Tu peux pas juste dire d'un coup t'es bleu. Je pense qu'ils ont. Regarde, pourquoi t'aimes pas Venom par rapport au fait qu'il n'y a pas Spider-Man? Là, t'es en train de me dire, allez, on vire ça. T'es un bâtard. On prend juste les New X-Men et puis on se démerde avec ça. T'es un bâtard, Splinter. Alors, tu vas faire un truc, waouh, ça va être Jubilé, ta préférée. C'est violent. Après, elle a un bon design. Ouais. Là, oui. Les Jules. Un bon design quoi dans les comics? Ah oui, dans les comics. Oui, parce que je pensais à la pauvre figurante qui a joué Jubilé, qui a jamais eu son moment. On va donner la MU2 parce que t'en as un dans le premier film X-Men aussi. Ah, j'ai loupé. Non, mais ce que je veux dire par contre, c'est que tu peux réinventer ces personnages en fait pour les faire se raccorder en fait à l'univers de Marvel. Je suis d'accord que le passé de Magneto est super important, mais il y a peut-être une façon parce que le nazisme n'a pas disparu après 45, donc je pense que tu peux peut-être essayer de moderniser des origines et refaire des trucs. Comment tu fais Weapon X avec un blip, tu vois, c'est pas possible. C'est ça, tu vois. Le drame de Wolverine, c'est justement qu'il avait même un des gros méchants, même s'il a été complètement foiré dans le film, Apocalypse, c'est très compliqué. Je suis d'accord. C'est clair que là, par rapport à l'Égypte antique et tout, on est mal parlé. Dans ce cas, sinon, tu fais juste une franchise X-Men qui est indépendante, je sais pas. Mais de toute manière, tu fais un multivers. Moi, c'est ça, c'est qu'ils sont ouverts cette porte, je pense que c'est aussi pour ça. Est-ce que les caméos de cette scène post-générique étaient nuls? Écoute, quand Hugh Jackman apparaît. Oui. Ruffalo et Brie Larson, parce que ça a servi à faire une vanne. Tu te rappelles quand même que dans la salle on a eu des couinements hein, quand ils sont apparus. Oui, deux, hein. Mais il y a aussi dans la salle il y a quand même eu des gens qui ont applaudi quand ils ont donné les instructions au début pour éteindre les téléphones portables. Donc à un moment, c'est ce qu'ils appellent une projo influenceur. En tant que projectionniste, je tiens à dire que je trouve ça très bien effectivement de demander ça aux gens parce que putain de bordel de merde, ça nous casse les couilles. Écoute, dis-toi que nous à l'UGC, la nana qui gérait la file était tellement à cran qu'elle nous a gueulé une bonne séance avant que ça commence et du coup tout le monde a crié merci. Et c'était tout mignon, donc tu vois, des fois ça. Ah, mais ça c'est cool. Ça arrive. Non, après, il y a clairement eu au moment du premier, enfin du générique, du début du générique, une tentative de lancement d'applaudissements. Enfin, il y a quand même marché. Non, mais bon. Il y a un carré après, de quatre perso, je vois Brie Larson, je queen aussi, mais ça c'est purement. Sexuel. En général, oui, exactement. Sur personnel. Twitter, quand fait la muscu, je queen aussi. Ouais. Mais là, en plan hologramme. Nul. Non, mais c'était nul. Franchement, c'était nul. Là, ça fait déjà 8 fois qu'on voit Brie Larson en hologramme. D'ailleurs, à chaque fois, on la rajoute. Tu la stop. Non mais là c'est pour dire c'est au carapé de Destin Cretton et de Brie Larson je crois. Eh bien Océane qui s'approche du micro. Attention, qu'est-ce qui se passe attention. Bah de base Brie Larson c'est un peu son actrice fétiche à Destin Cretton donc en fait je me disais peu importe ce qui se passe dans le film Shang-Chi, je suis certaine qu'on va l'avoir un post-gène. Ah ok, d'accord. Et je me suis pas trompée et je suis assez contente parce que leur film State of Grace qu'ils ont fait ensemble C'est un très très bon film qui a révélé plein de gens, genre Rami Malek, Lakeith Stanfield. Ouais, et c'est un excellent film et tout, et j'aurais limite préféré qu'elle gagne l'Oscar pour ce film plutôt que pour Room, mais c'est un autre débat pour un autre jour. Mais j'étais plutôt contente de voir un peu ce petit clin d'œil, de voir un peu Brie Larson revenir un petit peu dans la MCU. Après, j'ai trouvé que la scène en elle-même, elle n'avait pas grand sens, quoi. Elle est assez ratée, tu te demandes pendant les deux tiers qu'est-ce qui va se passer, en mode mais d'où ça vient. Et t'as l'impression qu'ils connaissent même pas leur dialogue, limite, tu vois. Ouais, non, mais ils se regardent tous dans le blanc des yeux, d'où ça vient, je sais pas, et toi, je sais pas. Bon, bah, je dois y aller, je te donnerai mon numéro. Mais okay, j'ai pas ton en fait, j'ai pas son numéro, bah, c'est pas grave, et bah, on va faire du karaoké. Et c'est marrant. Mais je trouve que c'est le MCU dans son pire élément. C'est-à-dire, il y a un truc hyper sérieux, on te vend un peu de mystère, et puis ça se termine sur une blague. Et j'ai détesté ça vraiment. Et je me dis qu'ils auraient pu limite terminer sur d'où ça vient, et tu le coupes. Et c'est bon. Parce que si on te dit qu'une nana comme Captain Marvel, qui connaît l'espace mieux que personne, dit ça vient pas de là, tu la crois. Banner, c'est le mec le plus intelligent de la MCU, il te dit qu'il sait pas d'où ça vient, tu le crois. Wong, qui connaît un peu tout ce qui est magie et tout, il connaît pas d'où ça vient. Ça te suffit à te dire d'où est-ce que ça vient. T'as pas besoin d'un truc au karaoké pour terminer. Mais on a toujours besoin d'une scène au karaoké. Mais c'est marrant, ça n'allait pas. Oui, c'est marrant, mais je trouve que ça annule totalement l'effet de la scène qui est de dire d'où est-ce que ça vient. Alors que justement, le but de Marvel, c'est de te poser la question en tant que spectateur, d'où est-ce que tu penses que ça vient ? Et tu t'en fous limite en sortant, alors que si c'est Eternals comme on le pense ici, ça va être super important vu que c'est le prochain film qui arrive dans 2 mois. Et je trouve que c'est hyper raté et que limite, la deuxième scène post-générique qui pourtant raconte un truc plus dans l'échelle de Shang-Chi et encore dans celle des Ten Rings est beaucoup plus intéressante parce qu'elle utilise un truc beaucoup plus concret, en fait. Ouais, bah oui, non, c'est clair. Et je trouve que le fait que l'MCU te pose des questions où t'as pas de réponse dans des scènes post-gènes, surtout sur un truc comme Eternals que peu de gens du grand public connaissent, en plus de Shang-Chi, c'était vraiment une très mauvaise idée. Bah, surtout que moi, je pense que c'est... quand tu dis, c'est le pire de Marvel Studios, c'est-à-dire que c'est le moment où ils ont leur formule et ils s'y tiennent, mais en fait, tu sens que la scène existe. En gros, c'est une blague où t'aurais pas... La mise en place, t'as juste la chute. Oui, bien sûr. Ils ont inventé l'excuse avant. C'est une scène qui existe pour que t'aies la chute karaoké et pour que juste avant t'aies l'espèce de passe-passe entre Banner et Captain Marvel, ou juste pour que Banner dise je sais pas pourquoi elle dit ça, j'ai pas son numéro et tout. Et qu'en fait tout ce qui est avant, ils s'en foutent complètement parce que ils ont probablement pas encore écrit. Est-ce qu'on est sûr qu'on raccorde direct à Eternal au moment où ils écrivent la scène, quoi, tu vois? Et qu'après ils disent quoi qu'il arrive, si on veut le raccorder, on le raccordera. Voilà. Et puis on peut en faire ce qu'ils veulent, en fait. Mais c'est ça. C'est là, ils ont créé une pièce de Lego. Après ils peuvent dire Kunlun, les Eternals, Galactus, j'en sais rien. Tu vois, le moindre truc pour être utilisé, en fait. Après ça m'a étonné, enfin ça m'a surpris que ce soit le Captain Marvel du film et non pas de Endgame, c'est-à-dire qu'en fait c'est la coupe de cheveux et tout machin. De cheveux dans le coup, on se demande. Enfin moi je me suis demandé. C'est laisser pousser les cheveux et puis. Oui, mais en fait moi je me suis demandé, est-ce que c'est Marvel qui a juste cédé aux fans qui ont fait qu'est-ce que c'est que cette merde. Alors que sa coupe de cheveux courte est à mon sens beaucoup plus réussie que la longue, et en plus la longue c'est quand Brie Larson testait un petit peu son personnage, ses coiffures, son maquillage et tout. Et c'est ça qui m'a interrogée sur la timeline, parce que là il y a des gens qui disent oui mais en fait le bras en écharpe de Banner, c'est après son snap et tout. Mais enfin, à un moment donné, pour avoir une longueur de cheveux pareille, moi, ça me met bien 1 an à repousser. Donc, dans ce cas, Banner, tu mets pas 1 an à t'en remettre, ou alors c'est définitif. Attends, juste, Océane, je te pose une question quand même. T'as déjà snappé un gant de l'infini ou pas ? Bah non, enfin en tant que... tu sais pas combien de temps ça met. En tant que Banner, tu passes 1 an avec le bras en écharpe. Même pour moi, ça me paraît quand même très curieux. Mais surtout, c'est qu'il est plus en mode Hulk intelligent. Tu vois, c'est qu'ils l'ont fait en mode humain. Et c'est là qu'en fait, moi, je me dis que ça veut peut-être dire qu'en fait, les mecs, c'est une scène qui a été faite en mode branli-branlo. Ils savaient pas comment finir. Et du coup, ils ont pas fait d'efforts. Là parce que Cretton, c'est son pote. Non mais je me pose vraiment la question. Imagine que le truc ce soit genre dernièrement, oh merde, on a oublié de le mettre en motion capture pour que ce soit Hulk. C'est vrai qu'il faut, attendez, il faut 2 post-gènes normalement. Merde, qu'est-ce qu'on va pouvoir bricoler qui est dispo aux marques Marc, tu peux venir, frère, s'il te plaît. Brie, là, au lieu d'Instagrammer, là, tu fais pas ça. Tu me diras, pour Black Widow, on avait qu'une seule. Donc, ils auraient très bien pu s'en tirer avec une seule, limite, tu vois. Parce que celle de Black Widow, elle fait très bien le taf. Elle fait très bien le taf. C'est plus compliqué de placer, je pense, des éléments pour ce personnage qui est mort et sur un film qui se passe 5 ans en arrière que, pour le coup, Shang-Chi, a priori, ils tiennent quand même. Alors, on pourrait se poser la question de est-ce que ça a marché. Pour moi, non, mais ils tiennent quand même à ouvrir des portes pour d'autres trucs ensuite. En plus, ils insistent vraiment sur maintenant votre réalité va totalement changer, les gars. Enfin, mais ça, c'est pareil, tu sens que la réplique est écrite pour la chute aussi. Non, mais c'est ça. Juste pour qu'il y ait le cut. Oui, c'est comme quand on dit vous pourriez être un peu plus adulte et que t'as le cut et que là tu vois vraiment la dégaine totale d'Aquafina et en fait c'est totalement fait pour le gag visuel. Oui, elle est habillée comme une très jeune et tout machin. Mais bon, après, faut voir. Effectivement, ils sont dans une position où, en vrai, ils peuvent raccorder les wagons comme ils veulent. Oui, c'était déjà le cas à l'époque du court-métrage. C'est-à-dire que les mecs se disent... C'est à la fois intéressant, en même temps, c'est un peu déprimant parce que t'aimerais bien un peu de cohérence, quoi. Après, c'est aussi là pour dire Doctor Strange 2 arrive, les gars. Il y a beaucoup de films qui disent ça. Rappelez-vous, beaucoup de séries aussi. Rappelez-vous Spider-Man, rappelez-vous même un peu Loki, tu vois, c'est genre on va mettre gros sur Doctor Strange 2 parce que c'est Sam Raimi et que c'est le multivers qui va exploser. Peut-être c'est juste ça aussi. La balise est même pour un truc qui est dans le multivers et un truc tout con. Les Fantastic Four. Alors ça je pense pas parce que la techno fait vraiment quand même plus Eternals si tu vas au niveau. Moi, je vais dire que j'ai eu des news exclusives et je le poste sur Twitter. D'accord, oui. Daniel RPK, bonjour. Ça, Daniel RPKikou. C'est ça. Mais donc grosso modo, moi je pense que c'est raté. Après, je suis quand même content de voir Benedict Wong en général. Voilà, c'est parce que Benedict Wong, ils sont en train de chanter au karaoké bourré, c'est marrant quoi. C'est déjà de base une vanne assez drôle en ton quotidien, tu vois. Pareil, il y a des mecs qui ont relevé le fait que pour un personnage mineur, il va être présent dans les dans les 3 prochains gros films. Enfin, 3 en comptant Shang-Chi, mais du coup, il y a Spider-Man, il y a Doctor Strange 2. Ouais. Effectivement, c'est pas sur lui que tu mises de base, mais il est complètement le plug aussi. Mais c'est le côté justement comme quand ils font Falcon et Winter Soldier et qu'ils te mettent War Machine, c'est le côté en mode le premier héros asiatique qui a eu droit à plus de répliques dans un film Marvel, c'était lui en fait, tu vois. Et c'est triste à dire, mais jusqu'ici il était un peu tout seul, quoi. Pour moi, c'est vraiment juste, on ne peut pas avoir Benedict Cumberbatch, donc on a Benedict Wong. Ce qui me déprime un petit peu, ça me déprime, on peut pas avoir le Benedict principal, donc on a le sidekick Benedict, tu vois. Mais ça me déprime un peu, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Enfin, même je trouve dans le dernier Ang Lee, justement, Jimmy Neeman, en second rôle, je trouve qu'il fonctionne de ouf avec Mary-Elizabeth Winstead. C'est les 2 rares trucs bien. Ouais, j'ai des PTSD de Jimmy Neeman, je t'avoue, c'est remonté d'un coup là. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, j'ai tous des PTSD, mais je trouve qu'en matière de second rôle comme ça, c'est vraiment genre le gars sur lequel tu peux compter, quoi. Et en même temps, c'est à la fois c'est enthousiasmant parce que c'est un très bon acteur que moi j'aimerais voir davantage, et en même temps je me dis mais c'est con parce que c'est juste le sidekick qui peut t'arriver d'un point A à un point B, tu t'en fous de l'explication, il est là quand même et son personnage mérite mieux que juste d'être mis ici ou là en fonction de ce que veulent les réalisateurs. Il faudrait un truc plus sérieux et mieux écrit pour lui, quoi. Ça devrait pas juste être un personnage qui intervient d'un point A à un point B en mode il est là donc il est là, quoi. Je trouve ça hyper déprimant parce que c'est même pas un vrai personnage. Quand il en drop au début, il écoute Beyoncé, il fait des blagues sur les sangliers de Choton, tu vois. Mais c'est quand même un point d'ancrage. C'est un point d'ancrage pour quand même Doctor Strange qui peut s'appuyer sur lui parce qu'il est fiable. Oui, mais Doctor Strange c'est pas une franchise sérieuse non plus. Ils veulent en faire une franchise sérieuse. C'est surtout qu'ils ont triché entre guillemets qu'ils étaient obligés pour Doctor Strange. C'est que normalement, en fait, il aurait fallu minimum un autre film Doctor Strange avant que leur perso de Doctor Strange soit à ce point sûr de lui dans la maîtrise de tous ses pouvoirs, sorcier etc. suprême droppé en un film. C'est ça, c'est-à-dire qu'en un film, mais sauf que même à la fin du premier film, il est encore en mode j'ai eu un coup de bol avec Dormammu. Ouais, mais attends, il arrive en mode je suis un Avenger, là c'est bon, c'est fini. Il a affronté Thanos, hein. Oui, mais non, mais Ragnarok, c'est déjà le sorcier suprême. Je suis en train de dire qu'il manque en fait un truc où ils ont fait vraiment en version accélérée parce qu'en vrai, il aurait dû apparaître avant et avoir un autre film pour te dire là c'est normal qu'il soit aussi confiant, aussi sûr de lui, parce que là techniquement quand il apparaît et qu'il affronte Thanos, en fait c'est un mec qui a eu un coup de chance avec Dormammu et tout le monde lui a dit. Même Wong était en mode attention, il est quand même venu pour négocier. Oui, voilà, mais tu vois ce que je veux dire. Okay, en gros, le mec a trouvé un trick, il a eu une astuce et tout. Sauf que quand tu le vois dans Avengers, c'est fini tout ça, c'est en mode quoi qu'il arrive les gars, moi, je maîtrise tous mes pouvoirs, j'ai plus besoin de consulter un bouquin ou quoi que ce soit, c'est vraiment, tu vois, c'est comme ça. Et Wong, du coup, devient par défaut le sadique rigolo de Strange, en fait. Mais même dans... Le pire, c'est que même dans le What If, il a un côté un peu touchant, parce que tu sais, c'est son point d'attache, tu vois, quelque part. Mais c'est, ouais, c'est juste le mec à côté que Doctor Strange. Et pour eux, en termes de scénario de film, les mecs se disent, ouais, bon, en gros, c'est le mec qui va effectivement faire le coup des porcs dans Matrix. Et ça s'arrête là pour eux. C'est-à-dire que même sa sortie dans Infinity War, elle est ridicule. Le plan est ridicule. C'est quand il fait, bon, du coup, j'y vais. Tac, machin, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? C'est dégueulasse, ça pue. Et après, dans Endgame, quand il est là pour faire, oh, you wanted more. T'étais là, ouais, d'accord, donc toi tu vas être ça, quoi. Ça va être ça, ta fonction dans cet univers. En vrai, il est arrivé, ça fait la blague de Always Bet on the Asians, et puis c'est fini, tu vois. Enfin, c'est vrai. C'est juste ça. C'est pour ça, je pense que c'est pas juste qu'ils ont pas pu avoir Benedict Cumberbatch. Pour moi, c'est comme ils avaient que ça comme représentation asiatique dans l'univers, il fallait le mettre lui, et en plus ça connecte avec le fait que le mandarin, au départ, en plus d'ailleurs, c'est aussi normalement le mandarin. Ce qui est plutôt s'il sera, du coup. Parce qu'en fait, les mecs se disent, du coup, c'est Wong qui va être leur plug à eux, parce qu'il est asiatique. Parce qu'ils ont rien de mieux sous la main, tu vois, entre guillemets. Est-ce que ça t'étonnerait, toi? Moi, ça m'étonnerait. Ce qui est rigolo, c'est que Benedict Wong, il a joué le Kublai Khan dans la série affreuse de Netflix Marco Polo, qui a des très beaux combats, remarque, et que normalement, dans les comics, le mandarin et Fu Manchu se décrivent comme les descendants de Gengis Khan. Donc il y a... Shang-Chi se dit comme Khan à un moment donné. C'est un des noms qu'il a porté comme le cousin ou le descendant de Gengis Khan. C'est un peu marrant au niveau casting méta. Après, effectivement, Wong, pour moi, il la joue comme Kang quand il dit j'ai eu de nombreux noms, on m'a surnommé le machin. Le Khan, ouais. C'est en mode. Attends, comment tu veux résumer Milan? Tu vois, il prend des bouts choisis. Bah oui, normal. Après, si j'avais un truc que je t'avais dit en sortie de salle, c'était que. Avant de voir la gueule du monstre final, en fait, quand t'avais juste les dessins, je m'étais dit, ah, mais ça se trouve, ça va être Fing Fang Foom, tu vois. Et je m'attendais à ce que t'aies genre un dragon méchant qui parle et qui est terrifiant et tout. Donc, évidemment, clairement, je me suis dit, voilà. Mais. C'est peut-être trop raciste pour. Non, mais c'est clairement, c'est ce que Arnaud m'a dit direct, tu vois. Et moi, je suis d'accord, mais après, juste, tu le raides comme ils ont réécrit le mandarin, mais je veux juste un dragon méchant qui parle, en fait, c'est tout. C'est-à-dire que... Moi, je suis pas compliqué. Je veux Smog dans l'eau. Mais c'est pas simple. Moi, je veux bien qu'ils aient pas Benedict Cumberbatch, mais alors je veux Smog. C'est pareil. Normalement, si t'as pas l'un, t'as pas l'autre. Bah, je sais. Mais du coup, j'étais très déçu. Moi aussi, je m'attendais à ce que le dragon lui parle. Mais justement, en mode Aquaman, tu vois, en mode la confrontation entre lui et Kaiju, tu vois. Qui est un des meilleurs passages d'Aquaman. Oui, c'est peut-être même le meilleur, mais justement, peut-être qu'ils ont eu peur de copier, tu vois. Moi, j'étais très content que le dragon ne parle pas. C'est parce que ça m'aurait trop fait penser à Raya déjà, et puis ça m'aurait trop fait penser à tous ces dragons qui parlent et qui au final ne disent rien d'intelligent. Je préfère qu'au final le dragon se taise. Les dragons sont teubés, voilà. Non, mais une de valeur actuelle, genre les dragons. Je trouve que le film, une des qualités de Shang-Chi réside aussi dans le fait que parfois il y a des non-dits qui sont pas forcément évidents quand tu regardes du blockbuster, mais qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a du silence et tu t'attends pas à ce qu'il y ait du silence parce que c'est censé être un film Marvel où ça blablate ou ça bastonne. Et là, il y a du silence, ou là, il y a du dialogue, mais calme. Et je préfère limite un film qui assume que parfois, c'est bien aussi de laisser le film respirer, soit dans son dragon qui ne parle pas, ou soit dans ses dialogues, plutôt que de les faire bavarder pour rien. Bah surtout que si tu compares, bon c'est un peu triste du coup parce que c'est encore à charge contre Black Widow, la scène de bouffe dans les deux films, celle de Shang-Chi effectivement est beaucoup plus apaisée, mais parce qu'elle veut dire plus de choses aussi. Ouais. C'est-à-dire que dans Black Widow c'est une espèce de retrouvaille ultra bâclée où il fourgue des gags vraiment à la pelle. Là où dans Shang-Chi, le simple fait que t'es Tony Leung qui s'adresse à Aquafina, il fait c'est quoi ton nom? Genre elle dit Kate ou je sais pas quoi. C'est quoi ton nom chinois? C'est quoi ton nom chinois? Et que la meuf, en fait, a un temps d'arrêt, fait, genre, parce que tellement elle est déconnectée en fait de sa culture, et que ça dit, en fait, juste en deux répliques, ça dit beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et effectivement, ouais, dans certains cas, ouais, ils prennent leur temps et c'est plutôt appréciable. Ouais. Mais même, c'est comme, tu vois, on parlait du soin qui est apporté au flashback par rapport au costume. L'éclairage des flashbacks, justement, de la vie du mandarin avant d'être le mandarin, c'est vachement mieux foutu. À part la scène de prologue où t'as cette espèce de combat à la Roi Scorpion qui est pour le coup assez mal branlé. quand il est avec sa femme en mode vie civile, où t'es vraiment devant du Wong Kar-wai et tout, ils font la petite partie de Dance Dance Revolution sur le tapis et mais tout. Oui, oh c'est des petits détails justement, c'est là que tu reconnais le côté ludique de Marvel, c'est partout qui te fait hurler de rire, mais t'es en mode genre ah, c'est ouais, c'est vivant, tu vois, c'est un mec, un studio normal aurait pas fait ça, tu vois. Et je sais pas, pour moi tout ce truc là marche en fait. Et comme justement ce truc du prénom asiatique qui effectivement, peut-être comme on l'avait dit au début du podcast, marche plus dans le côté c'est quoi être descendant de chinois aux États-Unis, c'est quoi vous qui venez voir le film, vos origines, etc. Et c'est comme le fait que Shang-Chi mélange les pouvoirs de son daron et de sa mère pour contrôler les anneaux et battre le dragon, c'est-à-dire qu'il fait à la fois le vent et à la fois le côté les anneaux, pouvoir destructeur et tout, en mode c'est ce que sa mère lui dit tout le film, c'est qu'en fait c'est le produit de ses deux parents et c'est le produit d'une descendance qui s'affirme à travers eux, tu vois. Et ça c'est plutôt bien fichu, je trouve. Très bien. Tu veux faire le bilan, Arnaud, peut-être? Bah ouais, je pense qu'on peut faire le bilan calmement, effectivement. Par l'histoire d'avant, comme si on avait 50 ans, sauf qu'on en a que 30 pour l'instant, donc ça va. Mais dans 20 ans de podcast, on pourra faire cette blague et elle sera accurate. Non, bah. Imagine, il y a encore des Marvel Studios. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, moi j'y crois. Il y aura toujours des Star Wars, donc il y aura toujours des Marvel Studios. On fera un podcast sur... Et des James Bond. Enfin, mais oui, mais oui. Et on fera un podcast sur Sweet Tooth saison 10 du coup, tu verras. Oh mon dieu. Où Bobby sera devenu adulte. Est-ce que tu préfères Bobby ou la créature de Trevor? Je sais pas, je pense que je préfère Bobby parce que je peux plus m'en moquer encore, tu vois. Parce que je peux juste m'imaginer des scénarios bizarres où il fait peur à des enfants, tu vois, donc je pense pour ça. Mais la créature est dégueulasse aussi, quoi, clairement. Non, mais du coup, c'est traditionnellement dans ces podcasts, on demande juste un dernier avis conclusif sur est-ce que vous le recommandez ou pas et pourquoi. Donc je commence par toi, Vesper, du coup on va se faire dans ce temps-là. Très bien, et eh bien oui, je le recommande quand même, mine de rien. Après je recommande quand même aux fanzouz Marvel et aux gens qui aiment bien le cinéma asiatique, mais en étant vraiment conscient que c'est vu par des occidentaux, donc voilà, faut pas s'attendre à non plus le grand chef-d'œuvre du siècle, mais si t'es capable de kiffer les petites références que tu peux y trouver et ce genre de lore, pourquoi pas. Ok, Corentin ? Oui. À toi. C'est quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le bilan. Oui. Est-ce que tu recommandes ? C'est bon, t'as répondu. Est-ce que tu le recommandes ? Oui. Oui, je le recommande carrément et pas juste justement aux fans de Marvel, c'est que par rapport au blockbuster de cet été où t'as quand même eu Def Jam 2, voilà. Def Jam 2, t'as dit ? Def Jam 2. J'aimerais tellement qu'il y ait un film comme ça. Def Jam 2, c'est un très bon jeu de combat par contre sur PS2. Ouais. Voilà. Def Jam Vendetta et Def Jam Fight for New. Voilà, jouez à ça et vous pourrez jouer Method Man qui pète la gueule. Faites-le en mode rap français. Hein, putain, l'octogone, mec. Ce serait tellement bien. Donc, il y a eu quand même effectivement The Suicide Squad qui est beaucoup mieux que ce film-là. Enfin, Par contre, je pense que pour un Marvel Studio, c'est vraiment un bon Marvel Studio. Que effectivement, c'est pas du grand cinéma et que effectivement, si on le compare et aux films qui s'inspirent, et aux comics parfois dont ils s'inspirent aussi, qui sont parfois de meilleure qualité. Oui, il y a un vrai différentiel, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui a essayé de faire un truc, qui a essayé de nous raconter un truc. C'est pas un truc très original ni inventif, mais surtout qui était incarné, avec quand même, effectivement, un très bon acteur qui est Tony Leung et de bons acteurs qui gravitent autour de lui. J'étais assez content de voir ce film, et je pense qu'on a le droit de s'amuser au cinéma. On n'est pas tous aussi cons que les fans de Georges Clouzot. Et dans cette perspective-là, si tu veux, moi, ça m'amuse de redécouvrir, si tu veux, la passion de l'origin story un peu débile, mais comme tu disais, naïf, tu vois, qui aime bien justement croire que c'est vraiment nouveau ce qu'elle fait, tu vois, ce qui est faux. Et bah, tel quel, voilà, ça m'a effectivement donné envie de me réintéresser au cinéma d'action asiatique. Et donc pour les gens qui sont comme moi, c'est peut-être une bonne façon de croiser les super-héros avec ça. Ok, très bien. Océane, à toi. Oui, je trouve ça assez recommandable, autant en tant que film de Marvel Studios qu'en tant que blockbuster estival fin d'été. J'ai trouvé le moment passé assez touchant, très ludique, plutôt agréable, contrairement à ce que je pensais, donc comme quoi il n'y a que les idiots qui ont tort, mais non, c'est plutôt sympathique. Qui ne change pas d'avis. Oui, voilà, aussi. Il y a que les idiots qui ont tort et qui ne changent pas d'avis. Parce que Arnaud allait faire une blague avec Thor de Marvel. Voilà, c'est ça. Ah non. On l'avait pas vu partir. No pun intended, voilà. Okay. I didn't see coming. Voilà, on reste dans le thème. C'est bizarre que les blagues sur Thor d'Arnaud, c'est l'équivalent de That's What She Said de Michael Scott. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour le coup, je sais pas si c'est un compliment ou pas. C'est tellement un compliment. Moi, je suis tombé. Moi, je sais qu'on l'a. Il le prend. Enfin, donc, il n'y a que les idiots qui changent d'avis. Bref, mais non, sinon, je... Non, change pas d'avis. Tu vas y arriver, Ossane, tu vas y arriver. Donc on peut dire qu'au bout en gros tu n'es pas idiote. C'est ce qu'on a compris. Est-ce que t'as été surprise, hein? Elle a changé d'avis quand même. Justement, j'ai changé d'avis. Donc on rappellera. Donc t'es pas idiote, c'est bien. Donc, je suis pas idiote, c'est ça le but du jeu, c'est que je ne suis pas, pour le coup, je ne suis pas idiote. Mais non, en vrai, j'ai trouvé ça plutôt sympathique pour du Marvel. Et puis ça va être à voir comment l'avenir de Shang-Chi va être géré au sein du MCU, hein, plus sérieusement, parce que c'est vrai que il peut faire partie des Avengers et en même temps, est-ce qu'il a pas une route à tracer tout seul en attendant de les croiser? Donc wait and see, mais j'ai trouvé que c'était un bon film Marvel et que c'était un bon film de Destin Cretton. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est aussi un bon film de son réalisateur qui trace encore pas mal toutes ces thématiques sur la famille, l'héritage, ce que ça fait d'être dans une société en tant que minorité et tout ça. Et je trouve que thématiquement, ça creuse plutôt bien ce qu'il essaie de faire, donc je recommande. Splinter, je me tourne vers toi aussi pour ce bilan conclusif. Putain, on dirait tellement un post LinkedIn. Ça y est, on est sur BFM. Hein. Bah écoute, pour citer un grand homme qui s'appelle Roth, on se dit qu'il y a pire, mais il y a mieux. Donc... Donc ouais, c'est vraiment comme ça que je vois ce film, c'est qu'effectivement, ouais, c'est pas du tout le pire de Marvel Studios. Mais vu que ça réinvente rien, etc., et il y a plein d'endroits où tu dis, ah, mais attends, ils auraient pu faire ça. Donc voilà. Après, effectivement, c'est pas du tout honteux. Je trouve surtout que, bon, à part après, voilà, moi, j'ai aucune notion de culture asiate et tout, machin, mais ça me semble quand même très cheapos, hein, la mythologie qu'ils ont faite, machin. Donc, je dirais que c'est, au moins, ils ont pas foiré ce que pour moi, ils ont complètement foiré, voire fait à dessein dans Black Panther. C'est-à-dire là, c'est un truc qui arrive à rester suffisamment correct par rapport à la communauté qu'il traite. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça pour moi, quoi. Voilà. Et le morceau, c'est R-O-H-F-F. Oui, voilà. Pour ceux qui cherchaient le morceau de Rof, où ils disent. Très bien. Et ben pour le coup, moi je... Arnaud, c'est quoi ton avis sur conclusif? Je sais pas si j'ai envie de le recommander. Arnaud Tobassini, quand même. Je revois quand même ma copie un peu à la hausse par rapport à ce que j'ai écrit, notamment sur Comics Blog, parce que on m'a dit que j'avais été un poil sévère. Mais et raciste. Et raciste complètement en même temps. Il faut préciser que Arnaud a sexiste, fait raciste, a fait Arnaud a fait tout le podcast en se plissant les yeux. Enfin, c'est vraiment. Et que je voulais faire mon intro en disant. C'est ça. C'est assez gênant. Je voulais faire mon intro en disant Ching Chong les amis, comment ça va et tout ça. Effectivement. Voilà. Il a d'ailleurs le petit chapeau. Il y a un poster de Michel Leeb juste derrière lui. Quel enfer. Arnaud est en cosplay Tintin du Lotus bleu là. Ouais, c'est ça. Bon, vous pouvez me canceller, écoute, je crois que c'est la fin de ma carrière, salut. Par contre, il y avait une des infos dans ce qui a été dit qui est vraie. On dira pas laquelle, mais... Alors, du coup, non, le truc, c'est que, ouais, je revois, parce qu'effectivement, quand tu compares à d'autres, c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire des Marvel Studios. Après, moi, c'est vraiment le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on a encore, enfin, qu'est-ce qui peut être écrit encore et qu'est-ce qui peut être dit de ce que tu n'as pas déjà vu. Donc, moi, je reste convaincu que l'intention et que les personnes qui ont été mises sur le projet, ça part vraiment d'une bonne intention. Après, on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est toujours pas pour cela que on est en face vraiment d'un énorme... Non, c'est pas l'enfer non plus, c'est sûr. Tu verras qu'on fait le podcast Snake Eyes, à mon avis, on est plus proche de... Ouais, mais pour le coup, on va vraiment le faire. Non, mais Splinter, oui, nous deux. On va le refaire. Moi, je vous écouterai de loin. On va le refaire. Dans le sud. On va le faire. Mais après, si... C'est ce que l'ami Frédéric Siris dit, c'est qu'il pense que c'est le film qui va le plus perdre à ses gamins et tout ça, et je pense que quelque part, justement, ce que le suceur d'âme a enlevé comme âme d'enfant il y a quelques années, en fait, peut-être me manque dans mon analyse aujourd'hui pour peut-être mieux apprécier ce genre de produit. Donc écoutez, voilà, je vais conclure là-dessus. Allez le voir si vous le voulez. J'ai pas envie... Non, allez le voir. Non, mais c'est ce qui a été dit aussi avant. Si vous avez kiffé Marvel Studios, vous kifferez de toute façon. Si vous n'avez pas kiffé, vous kifferez rap. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'efforts et tout ça qui restent louables et tout ça. C'est pour ça que je vais pas dire non plus n'allez pas le voir. Ça, on a spoilé pendant 3 heures. Donc là, ceux qui ont envie de le voir, ils vont plus le voir, non ? Ouais, il y a moyen aussi, ouais. C'est ça. Il y a moyen. Après, voir Snake Eyes. Toi, tu veux vraiment faire ton podcast. Ils peuvent pas, du coup. C'est devenu un running gag. C'est ça. Et donc, on se retrouvera pour le prochain podcast Snake Eyes avec Splinter. Effectivement, en tout cas, on espère que cette émission qui dure plus longtemps que le film vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets qui ont été abordés. Est-ce que vous avez été... Il y en a eu plein. Est-ce que vous avez kiffé les digressions ou pas? Vous pouvez réagir sur les commentaires, enfin, dans l'espace commentaire de notre site et également sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle que pour faire vivre le podcast, le plus important, c'est de partager, partager et encore partager pour le faire découvrir à tout le monde. Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Splinter, Vesper, Océane d'avoir été là avec nous. Merci également Corentin d'être toujours avant que tu fasses cette blague que tu fais à chaque fois. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast, messieurs, dames. Salut! À bientôt! Salut!